Ok. Bon, on va les rejoindre. Il y aurait pas. Invasion, vous allez voir. Et tout le monde, ça goûte et tout. C'est la folie. C'était, je suis VRP, hein, les gars, pour la map en même temps. Ça goûte un peu là? Alors? Oh là là, mais qui c'est que j'entends? Ah, attends, mais j'entends un très très gros goûteur là. Bon, le plus grand goûteur, ça goûte quoi? Mais je sais pas. Je suis arrivé, Gilles était en train de goûter. Je sais pas. Non, c'était pas moi qui goûtais. Non. Ok. C'était pas moi. C'est juste qu'on parlait de boisson. Et bon, c'est vrai que j'ai un certain sponsor. Ah, ok, très bien dans ce cas. Non, très bien. Je disais que voilà, les gens étaient conquis quand ils testaient pour la première fois. Donc c'est pas. Ouais. Oli, code Gigi 5, code Lohan 5, code Jiraya 5, Jiraya, n'hésitez pas. Et puis, c'est vrai que la gourde Jiraya arrive mi-septembre. Après, c'est pas une compétition, là, mais voilà, on y est. Un des plus gros vendeurs et goûteurs d'Europe, hein, moi, on m'a dit. Hein. C'est assez énorme. C'est le plus gros juteur. Et l'autre, il est en forme. Le roi du jus. Comment ça va, Xav, là? C'est très dur de t'avoir en ce moment, là. Putain, on a un échantillon de soirée avec toi, ça me... Ah, il nous a dit pas trop tard ce soir, pas trop tard, hein, parce qu'on est venu très tôt. Clairement dit, en plus. Tu fais quoi en ce moment, là, Xari? Parce que c'est vrai qu'on te voit... Je te vois plus, en fait. Tu fais quoi? Bah, tu rigoles. Dans toutes les conves dans lesquelles on est, à chaque fois, il y a un mec qui dit « Oh, ça vous dit, les gars, on fait un truc ce week-end » Et toi, t'es en mode « Putain, je suis pas là ce week-end. » Là, je suis à Monaco, je suis à Santorini, je suis en vacances. Donc, qu'est-ce qui se passe, Xari? T'as des trucs à nous dire? Ah, tu nous dis? Non, bah, vraiment rien, de fou en plus. Il veut pas nous dire, j'ai l'impression, là. Qu'est-ce que. On dit rien, celui-là. Hein. Hey, tournoi de padel aujourd'hui, non? Tournoi de padel, t'es là-bas depuis 8h, quoi. Troisième place immonde. Troisième. Ah, oh, c'est pas dégueu. Ah, y a, 3 sur 16, c'est solide déjà. En vrai, c'est pas mal, ouais. Et attends, Xav, tu fais vraiment. Là, en ce moment, t'es full padel tous les jours? Non, pas tous les jours. Il y a des fois, je. Je suis en routine, natation, vélo. Ah ouais. Natation, toi, tu fais la natation ah ouais. aussi. Non, non, je fais. Non, non, bah, oui, après, peut-être. Oh, j'en ai pas de excuse-moi. Ouais, bon, bah, oui, ça peut le dire, oui. De jouer, quoi. Ah, écoute. On est sur la pré-JO, là, ou quoi? C'est fou. Tu prépares quoi, un triathlon? Non, je fais pas rien du tout. Et oui, c'est pas de natation maintenant. Il a inventé sa discipline, histoire d'assurer. Le priathlon, ah ouais, non, mais je suis gars. Après, c'est l'effervescence. Putain, je savais pas que tu faisais la natation, ça me régale. Ouais, bah, je vais être un peu à la pistoche, quoi. Ah, il y a du gros projet, là, il y a du gros projet qui se trame. Viens à la maison, j'ai repris aussi, là. Ça va reprendre, là, ça va être fou, quoi. Enfin, je suis sur ma quatrième semaine d'affilée. Ah, la piscine municipale de Montargis, tu croises la Gige en calbar. Je peux te dire que, attention, ça enchaîne les longueurs. Petite brasse, petit papillon directement, pas besoin de bonnet. Oh là 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 là. Bah, vous parlez à quelqu'un qui a fait 7 ans de natation, hein. C'est vrai, ça eu par hasard. Hein. Bah, c'est bah, vrai, oui, c'est vrai. Et tu faisais quoi? Bah, la natation. Alors, la natation, il y a 4 nages, je peux te les citer les 4 si tu veux. Non, mais voilà, est-ce que tu t'es spécialisé? Est-ce que ton coach te disait, toi, c'est le crawl, mon pote, vas-y à fond? Moi, c'est vrai que c'était la brasse, quoi. Bah, ah, voilà. On m'appelait vraiment le brasseur. Le brasseur, je parle pas de bière. Donc, attention. C'était, non, mais en vrai, vraiment, premier degré, j'ai fait 7 ans de natation jusqu'à ma seconde. Ma mère a été une dictateur là-dessus. Et puis, bah, ça a fait le taf, quoi. Et là, je reprends. Tu vois, je suis en shape, comme disait Jeanne, quoi. Ah mais mec, je savais pas du tout, on apprend sur toi. Quoi, c'est vrai. Bah, le projet, mais ça fait plaisir, les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on se découvre un peu tous, enfin voilà. Ouais. C'est sublime. Qu'est-ce qu'il nous dit Lolo, lui, de son côté, là? On est là. On est là, les gars. Ok. Présent. Voilà. Là. Ancré. On est là, les gars. On se part direct en live. Vex. Ah oui, pardon, parce que le compteur, enfin, ça y est. C'est vrai, le compteur. Si on joue pas, on paye, donc. Ouais, non, parce que là, bon, en fait, les gars, je suis en train de perdre tous mes viewers là. Bon, les gars, là, on se fait chier, là, on y va là. Vraiment, on s'est dit bonjour, comment ça va? On lui a demandé, il nous a raconté sa vie. Allez, on joue maintenant. Allez, ça finit. J'ai rien en face de moi. Les gars, en plus, plan de malade pour ce soir. Enfin, on a un plan vraiment en 2 ou 3 temps, en fonction de justement de comment la soirée va se passer. On va démarrer sur Supermarket Together, qui a l'air d'être très solide. Un peu. Alors, j'ai juste vu, j'avais vu la soirée du lundi, là, ils jouaient. Enfin,
l'autre soirée du lundi. Oui, si bon, ouais, excuse-moi, je crois qu'on est bien lundi, mais bon. Je crois qu'ils sont pas là. Mais non, du coup, Supermarket Together, le jeu est gratos. Je me suis dit, mon Xav, ça va te régaler déjà. Et, oh, magnifique. Et en plus, c'est pas la même chose exactement que l'autre. Donc, je sais pas à quel point c'est différent, à quel point il y a des mécaniques, mais je me suis dit que c'était cool. Je vous ai trouvé un petit jeu et ensuite un petit Sky Joe, je connaissais pas le jeu, c'est un jeu de cartes, de jeu de société, là je vous ai envoyé les règles et je crois que c'est hyper connu, mais je me suis dit que ça serait trop bien pour nous parce que c'est le genre de jeu où tu retournes un peu des cartes, il y a un peu de strat sans que ça soit une dinguerie non plus, tu vois, donc ça va dans notre vibe un peu Uno, Diamant, tous ces petits jeux quoi, voilà. Donc ah bah c'est magnifique. Est-ce qu'il y a du blackjack sur Supermarket Together? C'est ça la question. Il y a pas de casino. Oh merde. Non, ça c'est pas possible ça. Ça. Ok. Dommage. Dommage. Je sais pas, le jeu est pas si fou. On est là. Pas dingue le jeu en vrai. Attendez, pas fou. Nouvelle boutique. Alors qui va créer la boutique et tout? Hop là, je me mets une game. Je peux la créer si vous voulez. Parce qu'il y a différents modes de difficulté. J'ai trop envie de rejoindre ta boutique, PA. C'est ça. Dis-nous quelle boutique on va rejoindre. La boutique. Ouh là là, il n'a pas beaucoup. On l'appelle comment? Notre petite boutique. Bon, écoute, comme tu le sens. La boutique. C'est toi le maître. La boutique. La Tikbou. Allez, la Tikbou. Fait plaisir. Une bonne Tikbou. Difficulté, on peut choisir entre 0 et 7. 0 et 7. On se met à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quoi. 12. mais le max, hein, je pense. Mais 4, peut-être 4. On se met un... Allez, 4. Une petite moitié de 10, quoi. Non, ça va le faire, en vrai. Là, on a quand même des gens experts. Bien sûr. Ah, bien sûr, attends. Ok, je vous invite, les gars. Je vous invite, les frères. Ok. Et le troisième temps, c'est du LOL. Non, mais c'est le jeu... J'ai trouvé un petit jeu, c'est genre une sorte de mini-jeu autour du hockey, etc. Ça a l'air sympa, en vrai. Putain, chez moi, tu... Ouais, tu lags. Ouais, tu lags, ouais. Tu lags, PA. Ah bon? Bah, c'est peut-être le Discord. Ouais, hein. La voix est robotique et tout. Bah non, parce que nous, on lag pas, il n'y a que PA. Ah, c'est bizarre. Et moi, je vous entends un peu bizarre aussi. Ah, aussi, un peu robotique, ouais, on parle... Ouais. Oh non. Oh non. Ça bug? Ah. Ouais, non, ça bug. Allô, que pour toi. Enfin, moi, chez moi, c'est que... Moi, non, ça va, là, ça va. C'est vrai que c'est que PA, ouais. Allô? Ah, bon. Ouais, bah. Salut. Ouais, c'est bon, ça. Bah, je vous envoie les gens. Bah, c'est. C'est Supermarket, mais pas together ce soir. Bah, les gars, bonne soirée. Je vous ai fait votre planning de la soirée, en tout cas, qui fait bien. Et puis. Si tu veux. Et puis voilà, bah. Il y a les appels Twitch maintenant. Je peux vous sonner si vous voulez. Ah, c'est quoi ça? Hein. C'est de la merde. C'est un truc, j'ai vu ça là. Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Ah, c'est pour streamer ensemble, quoi, mais ça a chier. Ouais, d'accord, bah on fait non. Ah, tu me sonnes moi, vas-y, je vais te sonner, mec. Ah, Gigi, il veut collaborer, boum. Vas-y. Oh, je te sonne. Ah, oui, mais attends, mais ça fait quoi? Attends, j'ai sonné Domingo. Bah, ajouter au jeu. Le chat peut-il entendre votre appel? Voilà, je t'entends en double, par exemple. Comment là, c'est un peu chiant. Mettre fin à streamer ensemble. Mais du coup, ça ajoute un plus 1, un peu comme avant, quoi. Ouais, c'est juste plus chiant, c'est juste comme après ça peut faire un peu nul, tourner les viewers, non, si vous voulez, ça peut ouais, si vous voulez, c'est vertueux, quoi. Moi je suis off, je reprends à 23h30 pour la game de LOL. Xav, ça marche, hein. Vas-y, mais je cut. Il te reste combien de temps sur ton chrono, Xav? Vite, les gars, je vous invite. Si on commence pas maintenant, je vais devoir facturer une heure en plus. Oh, dans 5 minutes, on passe à 21h. Mais il est pas mal leur truc, ouais. Et genre, vraiment, si tu dis oui, c'est genre tout le monde a le son en double. Non, mais tu sais, c'est après, tu peux te muter, quoi. Dans un lobby, tu peux mettre ta cam et okay, tout. D'accord. Ça permet d'afficher la cam des autres. Ah, c'est stylé. Ah, c'est bien, c'est le jeu, merde. En vrai, c'est bien, mais pas pour. En vrai, c'est tellement. Ah, mais en fait, tu peux récupérer la cam des autres, quoi, c'est ça. En vrai, c'est bien. Et pourquoi ils ont pas laissé ce qu'il y avait au tout début? Tu jettes Elohan sur Fred, là. Ouais, c'était pas mal. Pour récupérer la cam. Ouais, pour récupérer les cams. Ouais, non, du tout, frérot. Non. Moi, je joue Discord. Tu fais pas ça, tu sonnes. Non. Je te sonne un peu. En vrai, c'est bien. J'aimerais trop que tu me sonnes. En vrai, de te sonner là. Ouais, vas-y, on va. Dodo, tu invites ou déjà, mollo, les gars. Oh, ok. Là, je subis du DDoS à répétition. Mais c'est vrai que là, frérot, c'est dur. Ah ouais, là, vous, mais je suis en robot là. Là, c'est bon, là. C'est bon. On comprend quand même ce que tu veux dire. Bon, ouais, c'est ça. Que tous les viewers sachent, en tout cas sur mon stream, c'est 100% clean. Voilà, on entend les voix de tout le monde. C'est hyper quali. Sachez voilà. Sur le best on est déjà quasiment 11 000 et c'est assez énorme ce soir, je tiens à vous le dire. Ils ont pas voulu collaborer les autres en plus, donc. Sur ma rediff, il y aura littéralement les sous-titres de toutes les personnes ce soir. Voilà. Parce que nous, on pense vraiment à toutes les personnes. On s'appelle la Tikbou, quoi, mais pourquoi on a 70 ans comme ça, là? Non, la vache. La team quoi? Attends, je quitte et je rejoins.
Ouais, Oh, ah, c'est bon, ça marche trop bien. Ça marche trop bien, frère. C'est sublime, hein. Ah, j'ai eu peur. C'est magnifique. C'est pas grave. Ah, mais j'ai refait exactement la même chose, là. De toute façon, tu vas être à la caisse horrible. Pendant deux heures, là, donc on n'aura pas besoin de trop te communiquer. Hein. Oh, et toi, dis donc. Hein, oh, oh, oh. Hey, l'été, il fait chaud, toi. Hein. Salaud, va. Hey, attends, vous êtes parti un peu en vacances, là, vous, Paul. Je reviens tout juste d'Ibiza, les amis, si vous voulez. Oh, donc, non. Oui. Écoutez, alors, j'étais avec David jusqu'à encore il y a quelques heures, donc c'est changement d'ambiance ce soir, voilà. C'était comment, Ibiza, c'est la folie ou pas là ? Moi, c'est assez sympa, quand t'as quelques adresses. Quand t'as les contacts sur place, ouais. Violente. Non, non, en vrai, c'est sympa, il n'y a pas que des boîtes et tout, en vrai, ça va, c'est cool. Il y a pas, il y a quoi ? Il y a des clubs de... Bon, la mer. Il y a de l'eau. Il y a plein, mais il y a pas que des boîtes. Il y a des bars. Il y a des bars et des clubs en vrai. Il y a des bars. Bar, club, hôtel. Trip, hôtel. Des piscines. Voilà, après, pas que ça, quoi. Contact en jeu, les gars. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous inviter. Voilà. Ok. Bah, c'est bon, j'accepte l'invite, moi, perso. Bon, j'ai pas reçu, moi, je crois. Ça me fait bien plaisir. Bah, vous pouvez rejoindre. J'ai reçu, mais je suis à rien, quoi. Invité dans la partie. Invité dans la partie. Je suis en triple invite dans la partie, là, les gars. Okay, ah, mais attends, okay. Sinon on peut pas faire genre rejoindre la boutique et il y a ton truc qui est lancé et puis basta. Ça peut, parce que... copier le code de connexion, de connexion dans le presse-papier, je peux vous envoyer ça sinon. Parce que quand je joue au jeu, ça marche pas, ça fait rien du tout, ouais. Ouais, donne-moi ton code dans le presse-pap. Là. Ça a l'air de ne pas marcher. Il est chiant dans le presse-pap. Hein. Ouais, le presse-pap, il est... c'est quelqu'un, parce que je vois même pas ta game, hein, moi, si jamais. Ouais, moi non plus, moi non plus. Attends, dans le on-air, tu le mets dans le salon textuel du on-air, ici. Ouais, ça peut être sympa, ça, c'est une bonne idée. Il est hyper long, les gars, mais je vais faire ça. Il y a un chat texte. Oh merde, j'ai rejoint dans l'autre. Putain, j'ai 70 ans. Ah, t'as pas mis en public, on doit mettre le code, c'est peut-être ça en fait. Ouais. Tu l'as mis où bon, en fait, j'ai mis Ami Only, j'ai mis Ami Only, mais. Ami Ami. Tu mets le code hein. Mais t'as le code. Il va me parler autrement, l'autre là, déjà, parce que. Hein non, mais tu peux mettre le code. Non, la dernière fois que tu m'as parlé, c'est oh, votre volée, coach, votre volée, elle est sublime. Donc ça. Ça me surprend un peu de voir quelqu'un de belliqueux désormais, voilà, je suis en pression pour envoyer un code. Vous le voulez dans quel chan en fait? Il est 21h quoi. Vous le voulez dans quel chan? Salut Ilohan, salut. Mais c'est pas un chan, c'est pas un chan ça. Non, c'est pas un chan, mais sur la petite bulle. Ouais, mais au moins il y a chat streamer, chat streamer, chat streamer. Voilà, discussion, vous l'avez en effet. Il a 47 ans. Ah, je connaissais pas ça. Moi non, c'est nouveau. Le ouvrir la discussion sur Discord. C'est comme le tu peux nous sonner aussi. On va rajouter peut-être. Ouais, c'est pas mal. Ouais, moi je suis pas trop un mec de Discord, vous utilisez beaucoup. Cache, ah, moi je suis TeamSpeak. Moi, moi non plus, je suis plus un mec de MySpace, Facebook. Ah, bon ah merde. C'est con hein. Le leak, non mais le code il fait le 70. C'est... Oh non, on a leak le code. Ah non, putain, vite, téléchargez vite tous le jeu. Bah, leak le code, dis-toi qu'il y a des gens. Il va être un plaisir. Le jeu est gratuit, hein, je te rappelle, donc les gens vont faire un screen et vont taper par contre, un par un. Est-ce qu'on est les pires quadruplés de l'univers? On se ressemble tous, on est tous des immondes personnages là. Ah bon? Fais voir. Ah oui, la vache, mais je pense c'est le dev, non? Clodo. Ah! Mais je pense que c'est juste le dev. Hein. Oh putain, c'est en QWERTY. Tu penses c'est le dev? Bah, je pense, non. Il a dû mettre sa tête. Fais voir. Ouais. Bah, il ressemble un peu à un streamer. Ah, Si. Je l'ai. Il revient sur la tête. Je l'ai. Il a lancé plusieurs activités annexes. Je l'ai pas. Je suis hors délire. Mais pourtant, toi qui es physionomiste, toi qui as directement tout. Alors, les gars. Qu'est-ce qu'on fait dans ce petit jeu Supermarket Simulator, mais pas vraiment Simulator, c'est Together. Ok. Alors, vous aviez joué ou pas déjà? Parce que je sais que Xav, il avait joué. Non, moi j'ai pas joué. Je sais pas si Lolo avait joué, mais moi, j'ai joué au c'est un vrai jeu, quoi. Enfin, celui qui est en vanilla, ouais, évidemment. L'OG, quoi. Ok, pas de soucis, le GOT. Il va être affreux, putain. On se met une étagère de produits. Mais attends, mais moi je suis déjà en... Vous avez le mode builder ou pas? Juste pour savoir. Ouais, avec Tab. Putain de merde là. Et on a 5000$, hein, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, on a alors 5000, bon j'imagine, c'est un peu le classique. Sauf que ce qui a l'air bien, c'est que c'est un peu différent de l'autre. Il y a l'air d'avoir tout un truc, donc tableau noir du gestionnaire. Donc ça, on sait pas trop ce que c'est. Commande de produits supermarché. Venez dans la petite pièce là, venez ici, l'autre il a un.
Il a un petit balai là, mon Gigi. Ouais, moi non plus, c'est chiant. C'est un peu relou. Ok, je suis dans la pièce là. C'est énorme ici. Rotation, tac, tac, tac. Bon, ça va être notre endroit où il va falloir qu'on vende nos merdes, concrètement. Ok, d'accord. Ah, c'est tab. C'est tab pour enlever le mode builder. Quel bonheur, merci le chat. Hop. Ah, bah, tab, ouais. Ah, ok. Attends, construire, déplacer, rotation. C'est bon, les gars, on a notre première étagère. Ouvrez. Alors là la question c'est est-ce que parce qu'il y a le tuto en haut à droite, acheter deux étagères de produits, une caisse et une étagère de rangement. Notez que l'étagère de rangement ne peut être placée que dans la pièce vide en vrai, de l'annexe. Autant peut-être le faire le tuto non. Parce que si mais en fait, le tuto il te donne une récompense à un moment donné. Je veux juste, je veux plus avoir le balai en main. Je sais pas quoi faire. Mais c'est que t'es le seul à l'avoir eu. Ok, Xav il a acheté déjà les deux étagères. Bon elles sont pas vraiment l'une sur l'autre mais c'est pas grave. On va apprendre à s'aimer. C'est un peu mal fait. On va apprendre à se respecter d'accord. C'est mal fait. On a un point de franchise. C'est mal non Xav. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah ouais le balai est pas mal. Ouais mais je peux pas l'enlever. Ah ça c'est les produits ça. Acheter l'espace. J'ai foutu. J'ai juste qu'on allait avoir un balai tout le temps. Mais tu peux pas faire une roulette. Tu peux dégager avec ton balai. Attends deux secondes j'essaye de. F on me dit. C'est F c'est bon c'est F. J'ai trouvé les gars, j'avais fait tout le temps. Ok, c'est bon. Oh, il reste droit, mais tu es un sorcier, Harry. Mais c'est pas. Mais c'est oh, regarde. On mais c'est un balai magique. Je peux pas nettoyer là. C'est un Nimbus 2000. Ok. Ok, bro. Ok, là on a les trucs de scan là. Attends, mais Xav il a déjà acheté. Ok, Xav. Non, mais Xav il a. Au pire, les gars, regarde Xav. Ouais, dis-moi. Lolo, regarde-moi droit dans le visage. Étagère de range. Ah non, merde, je suis bourré. En fait, c'est des étagères de rangement, ça. Ok, on peut en déposer là. Mais attends, mais t'as ouvert Xav? Alors. Non, j'ai rien ouvert. Non, ok. Le temps fonctionne plus lentement. Il y a les trucs d'affectation des employés et tout. Là, on a les points. Les points, ils te permettent d'acheter, j'imagine, des. Ok, on a pris le premier. Différents bails. Super, vous venez d'acquérir le premier pack de produits. Il est important de se rappeler qu'une fois que vous avez acquis une franchise de produits, les clients s'attendent à ce que tous les produits soient dedans. Donc là, il nous faut quoi? Putain, mais on peut plus savoir maintenant. C'est sur l'ordi. Okay. Commande de produits. C'est quoi là? C'est sur quoi on a appuyé? Normalement, on a en fait, on a appuyé là, tu vois. En fait, on a, si tu veux, les points en bas à gauche te permettent de déverrouiller. Donc là, ouais. Ah, faut aller sur les. Et en fait, si tu vas sur le tableau noir, c'est ça. Tu peux aller dans commande de produits et je pense que tu sais tout. Liste de courses. Acheter espace magasin, acheter espace de stockage. Ok, d'accord. Alors, faut pas se gouer là. Ah là, ouais, hein. Putain, il y a un arbre de talent et tout. Ça. Mais qui a acheté plus grand là? Pourquoi? Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. De quoi il y a plus grand? J'ai rien touché. Bah, il y avait. Ici là? Là, ici là où je suis? Non, faites rien, faites rien. Acheter espace magasin. C'est Gigi, ça. C'est Gigi qui a pris là. Oui, c'est moi. Bah, on a plus que 2000 balles, on a plus que 2000 balles. Non, on a plus achetez 2000... pas. Ah, mais après, on sait plus grand, on sait c'est plus grand. Ça vous dira pas qu'on prenne un espace de stockage. Non, mais là, pour l'instant, il nous faut des produits. Okay, parce ouais, que non, là, pour l'instant, c'est. Achète du produit, Dodo. Non? Bah, si tu veux, ouais. Je peux. Attends, mais qui c'est qui est tombé? C'est toi, Xavier? Ouais, mais qui s'est passé? Ton perso est tombé? Tu m'as tapé? Non, ton perso est tombé devant moi, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, commande de produits. Commande de produits. Je vais déplacer. Commande de produits. Qu'est-ce qu'on se prend, les gars? Produits de base 1. Je peux prendre des pâtes peinées, bouteilles d'eau, céréales au miel, sel, sucre. Un carton de chaque. Ouais, au début, tu vois, on se la joue simple. Deux. Vas-y, parfait. Je fais ça tout de suite. Je commande. Et ça pour vous? $240 chaque, tu pourrais, mais. Allez, attends, j'en prends un de chaque. Ça a l'air pas mal parce qu'on peut cliquer à plusieurs sur le tableau, donc c'est pas mal ça, si vous voulez. Et ça pour vous après, en fait? En fait, alors, ça c'est une bonne question. Ah oui, d'accord, oui, sur d'accord. En gros, là, c'est pas mal. En jaune, c'est produit dans les boîtes, c'est ce qu'on a. En vert, c'est dans les entrepôts. Et en rouge, c'est directement dans les étagères. Donc ça te met un peu. Là, on est en train de remplir et c'est en temps réel. C'est assez fou, les gars. Et comment tu remplis après? Ah oui, d'accord. Si tu cliques, non, je pense. Clic gauche et tu spam? Je. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bien. Comment tu récupères les produits? Comment tu les récupères? Ils sont dedans. Tu vois là, par exemple, pour l'instant, non, on a. Ça. Ah oui, d'accord, tu les mets après, tu les poses dessus, ok. Ouais. En vrai, et quand il n'y a plus de produits dans la boîte, tu la jettes, tu en fais quoi? Je sais pas. La boîte, ouais, tu la tèges, on s'en fout, ouais, tèges là dehors. On va voir. Il y a une poubelle dehors, il y a une poubelle, les gars. Le sucre en poudre s'appelle daron, hein, si jamais. Oui, non, mais il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs comme ça. C'est fait exprès, ils ont des jeux de mots en français et tout. Ah, ouais. La bouteille d'eau, c'est mon cul. Hein, c'est. Oh. Mon cul. C'est un festival là-bas, si vous voulez. Donc, on se connaît bien. Alors, on prend quoi? On s'est pris deux caisses de chaque, mais ça, c'est beau, les gars. Ce que vous faites déjà, c'est bien. Ce soir. Alors. C'est rempli, je vais mettre au stockage quand c'est comme ça. Ah, après les poubelles, les poubelles, je les ai faites, les cartons, je les ai jetés dehors. Hein, donc si jamais. Mais là, Gigi, tu nous fais un stock et tout. J'ai l'impression que t'as déjà tout compris en fait. Tu peux cliquer sur la poubelle, ça fait. C'est de l'eau en bas que tu mets là? J'ai ouvert, les gars, j'ai ouvert. Ok, GG.
J'ai ouvert, faut peut-être. Est-ce qu'on sait les prix, on peut les fixer comme l'autre jeu ou pas? Non, ils sont fixés automatiquement. Ils sont fixés automatiquement là pour l'instant. Si tu les mets, regarde-moi le daron là, ça coûte. C'est 1,49€ le daron. Donc voilà, si jamais. Pas cher le daron. Pas très cher le daron. Je pense qu'on doit pouvoir. Oh, ils viennent, on a les premiers clients là. Ouais, mais faut. Vas-y, je vais à la caisse, Tu vas en caisse? Je vais en caisse. Ok, je prends ça. Ici, ouais, ça va bipper. Bah, j'attends. On a des petits bips ici. Je pense que c'est les trucs pour scanner, non? Scanner, c'est pas automatique sur le. C'est peut-être pour les. Non, j'allais dire ah ouais, pour les clients, mais. Non. Bah non, les clients ils rentrent pas par ta réserve. Ah, mais c'est pas mal, tu connais. C'est vrai que c'est rare. Ouais. Ah, vous, ça c'est bien foutu ça. Ça c'est vraiment sympa. Ah non, il faudrait qu'on mette peut-être plus de. Ah non, en fait, les scanners ça sert à changer les prix. Attendez les gars, faites pause, c'est écrit les produits sont placés, mais au prix coûtant, il faut qu'on mette tout changer les prix à zap. Ah oui, monsieur, mais comment on clique? C'est dehors, on va se faire dévaliser. Je ferme. Partez, quittez le magasin, monsieur. Monsieur, on est en train de travailler pour rien, oh putain le bâtard. Putain, le café, encaisse-le, on fait la suite. Ils vont revendre devant les enfoirés. Mais les amis, c'est le Black Monday. Ah c'est bon, en fait, vous prenez le scanner. Et vous, la petite scanette. Attends. Et vous mettez le prix avec la molette ensuite. 1,75. Okay. Ça va monter les prix tout de suite. Oui, mettez x12. Hein. Non, je vais pas monter trop lent. Okay, là, par exemple, le sel, au lieu de 45 centimes, je vais le mettre à 1$, je pense. Putain, on s'est fait niquer. Ouais, hein. C'est ça. Hein. Voilà, ce sera 92 centimes. Là, votre prix, 1,35, on va le mettre à quoi? 2,12. Oui, non. Ouais, les c'est gars, pas mal. Je trouve un peu trop gentil, on n'est pas en circuit court. Hein, 1,90, mais après ils sont pas contents. Après ils sont pas contents. C'est pas grave, tu crois que nous on est contents? On s'en fout qu'ils soient pas contents au début, mais juste. Vous êtes vraiment des businessmen, les gars. C'est une galère, la caisse c'est une galère. J'ai pas trouvé ça, céréales au miel, mais nique ta mère, tu crois qu'on le fait céréales? Le mec il est fou déjà. Attends, le riz, je monte sous le riz. Les gars, attendez, est-ce qu'on a tout là? Et on a plus de céréales là déjà en rayon là. Non mais les gars, ils achètent les cons. Vas-y, je commande produit, c'est parti. Ouais, commande. Plus de céréales. Mais c'est dehors non? On n'a pas des trucs encore qui nous restent? Non, on a déjà commandé tout à l'heure. Céréales ou pas les gars? Ouais, prendre la céréale. Regarde, de toute façon on est jaune et tout là. Prends un peu de tout, on a plus une thune de toute façon donc. Vas-y, céréales au miel, genre. Va falloir vendre. Ils achètent les céréales au miel, ils adorent. Il y a la queue. C'est bien les pigeons. Franchement, mis bien cher, il achète bien. Ouais, là, c'est vraiment des bons golemons, hein, vu le prix que j'ai mis. Mais venez, n'hésitez pas, c'est du bio, hein. C'est pas marqué, mais ça en est, hein. C'est du bio, oui. C'est du pareil. Uniquement ici, hein. On fait travailler le petit agriculteur, les temps sont durs. Hop. Par contre, excusez-moi, mais il y a. Oh non, mais le daron, on peut mettre bien plus cher. Le sucre, on peut bourrer, je pense. Hein. Par contre, attendez, excusez-moi, ouais, mais les gars, Xari est en burn-out là. Il est seul à la caisse, je suis à deux doigts de me prendre une deuxième caisse. Hein. Tu veux faire ta pause, Xav, ou pas? Mais il y a 15 personnes. Non, mais Xari, ça va aller? Ça va pour l'instant, mais c'est juste que c'est mal fait par rapport à l'autre. Quel stacanoviste, hein, celui-là, c'est vraiment. Ça envoie. C'est bien joué. Cliquer à chaque fois sur les trucs, j'ai envie. Par contre, en termes de stock, on n'est pas en place. Non, là, il nous manque le riz, il va falloir recharger, ok, vas-y, je vais Moi, je vais monter un peut-être. Tout petit peu. Je nous gère les stocks, ok. Le daron, je venais de monter. Je viens de le monter à 4. Attends, mais la canette, 0,92. Non, mais c'est 2 balles la canette. Hein. Le sucre, hein, ça a pété, hein. Ah, le. Donc là, c'est le prix du sucre, c'est normal. Ouais, mais normal, hein, les gars, normal. C'est du 4,03. Ah, la canette, c'est 2 balles, hein, en vrai. Les gars, c'est la guerre, les matériaux, les matières premières, tout ça, c'est dur, c'est pas évident. En bas, j'envoie. Je n'ai pas trouvé ça, pas de peine, je trouve ça cher le sucre. C'est trop cher le sucre, ils font que dire. Ouais, mais c'est le sucre daron, frère. Bah, c'est du daron, hein, monsieur, mesdames. Les gars, Lolo, j'ai plus que du daron. Lolo, j'ai besoin de toi, ça restock, oui. Là, mon Lolo. Ok, ça restock, on est reparti. Là, parce alors, que tu. C'est trop cher le sucre, mais ça achète. Lolo, on a plus de pâtes. Les pâtes en rayon, là, les gars. Ok, les pâtes, j'ai du daron. C'est des pâtes, ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est des pâtes. J'ai les pâtes. C'est un banger le supermarket, il y a tellement de gens. Il y a trop, ouais. Ah oui. Ok, j'en mets des pâtes. C'est le seul du pays, apparemment. Donc. Plus de produits dans la boîte, hein, c'est bon. Ça, c'est super, mon Lolo. Putain, il casse. Il faut juste avoir bien les. Bien en tête. Allez, tac. Bouteille d'eau, on se renvoie, hein, de la bouteille d'eau. Ah, je remets de la penne, hein, j'en remets. Ouais, remets de la penne. Envoie toutes les pennées que tu peux envoyer parce que. Hop là. C'est quand qu'on a des nouveaux points. Le facing est au top, hein, si jamais. Ah oui, j'adore. Ça passe en caisse ou pas, là, les gars? Je sais pas, je rachète quelques bouteilles. Les gars, on est aux États-Unis, hein. La bouteille à 1,31$, c'est pas assez cher, hein. Mais oui. Mais ils sont pas trop nombreux.
C'est 4$ la bouteille aux States, hein, je rigole même pas. Hein. Il va falloir les empêcher de payer en cash. Hein. Et... c'est chiant le cash. C'est 100€ là-bas. Non, mais je te promets que c'est vrai, hein. Tu te rends pas compte. Hein. Voilà, c'est bon. Vrai que la Evian, c'est produit de luxe. Hein. C'est, bah, je peux dire que. Déjà qu'ici, c'est très cher. En tout cas, prix de parc Disney, c'est 4,50$. Les mecs, on va pouvoir débloquer les infusions. Mais juste à l'heure actuelle. On n'est pas encore au top là, tu vois. Par contre, les gars, est-ce qu'on se fait pas chier un peu? Je pense que je vais juste proposer une nouvelle étagère, non? Oui, non, ça serait pas mal, voilà, parce que deux étagères alors qu'on a la place, quoi. Une étagère de produits. J'adore, en salle là, tu nous fais. On peut se baisser ou pas là? Ouais, j'essaie de me baisser aussi pour mettre les bouteilles d'eau, mais ça va pas. Ah ouais, c'est chiant. Ah, ça fait chier. Quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me la met? Zary, tu sais pas, vu que toi t'as joué au vrai jeu? De quoi? Comment je déplace cette merde là? J'ai pas entendu, putain, j'ai rendu 10$ au lieu de 5. Pour se baisser, tu sais ou pas? À se baisser, je crois qu'on peut pas. Hein. Ok. Ah, je crois que les deux dans le région, on peut pas. Okay, ils ont des soupirs tatouages hein, ici, là, dis donc. Bravo. Ok, on a du riz. Est-ce que vous êtes prêts ou pas là pour. Tout se passe bien ou pas? Vous voyez un peu les stocks et tout? Les clients, ils me font chier là, je peux pas mettre gars, en rayon. Et ça fond à vue d'œil, hein, les gars. Alors, je sais pas trop ce que veulent dire. Alors, produits dans les étagères, produits dans les entrepôts, produits dans les boîtes. Nous, on a tout ce qui est en étagère actuellement. Ça part très vite, hein. Je vais devoir reprendre du. Gigi, moi je veux bien faire. En fait, tu recliques là de temps en temps, je te dis. Tu vois, j'ai rangé les trucs par ordre. Comme ça, toi, hésite pas à acheter des nouveaux trucs de rangement en salle, ok? C'est ça, ouais, j'ai remis des trucs, effectivement. Je vais remettre en salle, je vais faire la mise en rayon. Ça me va exactement. Si vous arrivez à mettre les 3 bouteilles d'eau qui restent, je n'y arrive pas. Non, mais laisse tomber, de toute façon, ils se baisseront, hein, les cons. C'est juste que le rayon est rempli, non? Ouais, non. Il me faudrait un peu de pâte en rayon. N'hésitez pas à mettre du double. Ah, si, je pense, t'as raison en vrai. Les gars, si jamais j'ai fait 2 autres étagères, hein, vous faites pas chier, vous venez mettre de l'eau en hauteur là. Allez hop, ça part. Il faut toujours avoir un stock d'avance, hein, les gars, dans le. Ouais, t'inquiète, moi derrière, j'ai du stock derrière. Là, on est bien. Toi, Xav, t'es en caisse. Tu t'es pas noué ou pas en caisse? Allez, augmenter le prix de l'eau, il a raison, 2 balles aussi, je pense. On va changer tous les jours de caissier, je pense. Ouais, c'est. Mais là, Exam, c'est pas que la politique de la maison, c'est une seule caisse. Hein, donc... C'est vrai que tu lui as dit non, pas besoin. Non, on fait des échos. Hein. Il a fait tout un speech. Non, okay, très bien. Pour l'instant, on peut pas se permettre. Hein. On est, les gars, on je suis à deux. Pour l'instant, on est parfait. Hein. Pas de peiné, honnêtement, on peut s'en remettre un peu. N'hésitez pas, soyez pas timide. Hein. Comment ça, pas de peiné, si, on en a. Hein. Ouais, 24, j'envoie. Tu vois, c'est bien si on a tout à 40. On envoie un max de peiné, les gars. Je viens de prendre la peiné, là, c'est bon. Putain, vous mettez du double étage. On interdit le cash. T'as trouvé ça comment, Loan? Pas mal. Tu viens de jeter là. Pas mal, ok. T'étais sur quel type de peiné? Impossible de mélanger des produits dans la même. Tu viens de jeter les peinés, Gigi. Quand t'as de l'eau, Loan, tu peux pas mettre autre chose que de l'eau dans le. Attends, excusez-moi, dans le moi j'ai une question. Il y a un écriteau, il y a marqué seules les personnes cool sont autorisées, donc je peux pas rentrer, je suis très déçu. Et derrière, il y a un éléphant avec un scaphandre. Ah ouais, fais voir, je peux rentrer ou non, pas. Mais les gars, je suis pas cool non plus. La phrase vous est pouvez folle, connecter hein. YouTube et Twitch à votre téléviseur une fois la licence approuvée. Ah bah oui, nous on a pris le gratuit, nous on a pas de. Non, on va rien approuver. Skinné chapeau, personnage. Ah ouais, là on est pas cool encore. Pendant ce temps, Xav à la mine. Ouais. Les gars, je nous ouvre quoi? Vous voulez du fromage ou vous êtes plus infusion? Il y a deux ambiances. Infusion, là. Attends, fais voir, je regarde où on est. Est-ce que ça vous. Infusion. Infusion. J'arrête jamais. Infusion. Allez, taf. Hein. Il a ferme sa gueule à la caisse, là, un peu. Allez, fais des bip bip, là. Allez, dépêche-toi. Nous emmerde pas. Comment on appelle notre supermarché? Ah bah le supermarché. Vas-y, hein, c'est la Ticbou pour l'instant, si tu veux. Donc, la Ticbou, non, faut. C'est la Ticbou. Les gars, changeons le nom, ouais, comment on l'appelle Le super courant. Pas drôle. C'était pas ton meilleur. Je sais pas. J'ai pas de jeu de mots, moi, perso. Ouais, bah, moi non plus. Hein. Y a pas de chiffre, cache-toi pour voir 2 secondes de Gigi. Rapide. Ah, bah, je vais bloquer ça, ça va aller alors. Rapido, hein, c'est un flux ininterrompu. Moi, il me faut 1200 balles en plus là. Hein. Pourquoi c'est interrompu? Oh, y'a un mec qui se barre, tu vas où? Je commande des produits un peu. Je suis en train de commander. Il a pas payé, j'ai commandé. Mais qui a pas payé? Il a pas payé, il s'est barré en volant. Mais oui, c'est impossible. C'est vraiment où tu te rends? Oui, non, si, si. Je te jure, fallait un ballot pour lui mettre une patate. Et tu peux lui casser la gueule ou pas? Ouais, regarde, attends. Il est où le balai? Oh là là, c'est, C'est calvaire, hein. Non mais là les gars, okay. Là je restock, on a les nouveaux trucs. Gigi, si tu veux prendre ensuite, ouais, on a les. Je suis en train de mettre en rayon. Vas-y, Gigi, regarde. Tu me dis, je restock moi derrière. Aïe, j'ai pris une patate. Il y a un mec qui patate, c'est qui qui m'a fait quoi? C'est moi. Attends, je me suis levé, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, qu'est-ce que tu nous fais là?
Vas-y, vous me dites si y a un mec qui vole, c'est coup de balai, les gars. Okay. Comment tu fais? Lolo, c'est notre agent de sécu. Mais par contre, les gars, on a pas changé les prix et tout, c'est cata là ce qu'on fait. Hein. Ah ouais, putain, je peux tabasser des mecs. Putain. Ouais, c'est coup de balai, tu l'exploses. Non. Non, mais là, c'est fini, là. C'est fini. Vous avez payé? Il a pas payé, lui, tiens, bouffon. Attends, je vais changer les prix, je m'occupe des prix, Vas-y, avec le petit scanner, ça, tu fais bien. Vous inquiétez pas. C'est bon, j'arrête. On va les... Les gars, il n'y a pas de thé vert en rayon, il n'y a pas de citron, je vois pas de thé noir non plus, là, c'est... T'inquiète, je fais. Vas-y, mets tout en rayon, Je monte les prix. T'inquiète. Vous faites tout pareil. Parce que la moindre poivrée... Fils de pute qui achète qu'un truc, là. Putain, on a que 140 balles, les gars. Le Xari, là, je le vois trop caissier hier, le fils de pute qui achète qu'un truc. Vas-y, je vous mets direct. Énervé. Par contre, on n'a pas de lumière dans notre magasin ou... Non, mais on n'a rien, mais c'est terrible. Hein. Faut acheter des luminaires. Vas-y, j'en peux plus, attends, ça se ferme quand, là. Non, mais attends, parce que... Prends pas compte de ce qu'on vit derrière, nous, hein. Ah, c'est dur hein, derrière, Xari, je te le dis. On n'a pas. Ah, ouais, c'est pas évident. Oui, bah. Ouais, cette merde, c'est des infos. Le jour prochain, c'est quelqu'un d'autre à la caisse. Hein, je vous t'inquiète, dis. Je vais mettre une nouvelle caisse, Xav, regarde. Ouais, c'est. Non, mais là, les gars, vous avez pas. Vas-y, je vous avais pas chargé les stocks si, c'est pas mal. Ah, pas assez de fonds. Bon, bah, y'a pas de caisse. Y'aura pas de caisse. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Voulez-vous battre? Est-ce qu'on peut? Non, mais on peut pas, on doit vendre ce qu'on a déjà. On a acheté de ouf, là, mais on a pas mis les prix. Mais j'ai mis les prix là. Moi, tu sais quoi, je vais monter les prix, vous me cassez les couilles. Allez, j'ai mis les prix. Non mais le souci c'est qu'il y a les prix, mais c'est pas en rayon, donc on vend pas. Ah ouais, ça, c'est vrai que c'est compliqué. Mais vous êtes trop con. Tout va bien. Qu'est-ce les gars, tout va bien. Le thé vert et le citron thé, on en a pas encore, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. Je suis désolé, c'est l'inflation. Est-ce qu'il y a du café Narvalo ou pas? Parce que c'est un mangueur. Non, le Narvalo, ça me demande beaucoup du café Narvalo. Attends, le thé noir, mon pote, je peux te dire qu'au prix où on le touche, il est pas vendu moins de 6$. Voilà. Je te l'annonce. Vend bien cher. Allez, est-ce qu'on a des infos en mode ils nous disent des trucs ou ils nous disent jamais rien? Putain, ils vont jamais rien nous dire. Leur système pour monter les prix, c'est un calvaire. Pourquoi par contre. Besoin d'un balai pour un calvaire. Citron. Hop, je vais mettre du citron thé, moi. Hop. On se fait dévaliser les gars à chaque fois. Bah oui, parce que là le thé noir à ce prix-là, tu m'étonnes. Un jour égal burn-out. Ouais, là, c'est on faut tenir. Hein. C'est on est dedans. C'est okay, ça, c'est quand bon est-ce qu'on, ouais, qu'on paye des gens au SMIC là pendant. Non mais gerbe. Ouais. Dégueule à la caisse hein, sur les clients. Si ah mais tu m'étonnes, il les a qu'à lui, hein, lui. Alors qu'est-ce et c'est qu'on quoi là? Je peux pas mettre en rayon ça. C'est quoi ça? La weed ou quoi là qu'on vend? La menthe, la menthe. On a le droit, c'est les States. Non, c'est peut-être qu'il y a encore un truc sur le rayon. En fait, on n'a pas assez de trucs sur les rayons, là, les et gars. Et pourquoi vous mettez pas tout ensemble? Parce que là, en bas à gauche et en bas à droite, c'est pareil, la team. Ouais, mais attends, regarde, je suis en train de monter les prices. Putain, 5,60. La boucle. Allez, j'avais mis d'un truc. Là. Putain, le thé vert, vous le vendez à 2,99. Mais il est quelle heure, là, bordel de merde? On peut allumer la lumière? On n'a pas de lumière. On n'a pas encore de lumière, les gars. Mais en plus, on se fait voler et tout. Non mais les gars, il y a une benne, faut pas jeter les cartons dehors. Ok, on a un stock là déjà. J'ai de la benne. On a un stock, il nous faut quoi? On a 300 balles pour demain. Tout va bien les gars. Pas plaindre Xav de ça. Ok. Xav, tu fais qu'un seul truc à la caisse. Honnêtement Xav, t'as le job le plus simple donc. On peut avoir des employés hein. Mais bon, on a pas. C'est une galère ici. Moi je vais recharger un peu des pattes. La manque, 21h15, on est ouvert jusqu'à quelle heure? Minuit. C'est quoi ce truc? On fait chier celui-là. Putain, on est dépassé les gars. Ah, ça, c'est des lumières, j'ai des lumières, j'ai trouvé les lumières, ça y est. Ah, c'est magnifique, bien ça. Ah, on a pas les fonds pour. C'est quoi en bas à gauche là? Ah, c'est du riz. Putain, j'en. Non mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui recharge ou pas? Personne recharge. Ici, on a 30 dollars. Tu recharges toi Lolo? Ouais, moi je recharge là. Payé par carte. Et tu sais où vont les trucs et tout? Non, mais comment on fait pour faire la. Comment on fait pour je peux. Tu mets la lumière, t'appuies sur le bouton. Bah non, ça marche pas. Ah dommage. Mais les gars, pourquoi? C'est où les pattes de mort là? On va devoir peut-être faire. On va fermer hein. On va fermer. Les pattes, il y en a plus, c'était en haut je crois devant. Je comprends pas. Mais là c'est là maintenant les pattes là. Prenez la tablette pour la lumière, on m'a dit. C'est bon, c'est bon. Mais oui, moi je suis sous la tablette, mais en fait c'est parce que c'était forcément à un endroit spécifique du plafond, voilà. Vérifie les prix. Non, tout va bien, les prix c'est géré par. Je vois, je vois. Tu vois la light là. Ok. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Ah c'est pas mal. On peut se l'en mettre en arrière salle ou pas là? Ouais, je vais en mettre un peu à droite ici là où on est là avec PA. Ça m'explose les yeux vraiment là. Quoi? Attends, il fout ma gueule lui ou quoi? Non, mais on peut enlever. Prends une casquette au pire, une casquette. Il y a encore un mec qui nous a volé. On peut enlever un des deux néons là s'il vous plaît. Ah, mais je les vois pas quand ils volent. Xari, faut que tu vois s'ils te volent. C'est réel. Faut pas te les. Ah, il y en a qui est parti! Mais les gars, ça nous coûte de l'argent, on a plus de thunes là. C'est 30 les gars, 22h30, on ferme ou. Ah non, en même temps, ça achète. Ok, Xav, tu nous fais une belle journée par contre aujourd'hui. Ouais.
Franchement propre hein. La rotation, ah, il est parti. Hein. Je peux pas enlever cette tac, lumière. Tac tac tac. Honnêtement, ah, on est bien. Ah, je pense que tu peux la déplacer. Non mais exact, t'abuses. On voit bien là. Oui, on voit trop. Non, ça va. Non, je te jure que non. Oh, putain, j'ai pas mis de lumière là-bas. Faut que j'en mette d'autres. Non, mais en fait, là, les gars, on a plus assez de trucs pour. Attends, je sais. Moi, je recharge. I'm recharging. Tu recharges quoi? C'est là. Ah, tu recharges. C'est bien. Merci. C'est bon, Xav. C'est pour toi que je le fais. On me dit c'est le dernier client. Remettez à la poubelle, les gars, dans la benne. Si jamais. Une benne? Ah, parce que je me disais, il y avait beaucoup de cartons quand même. Des moments un peu. si je mets comme ça. Elle est où la benne? Là, ici. Alors, c'est pour toi. Bien vu. Ça que c'était souvent déposé devant, mais. Oui, moi je mets juste devant. Non, moi je mets tout le temps la benne, hein, moi perso. Non. Si. D'accord. Non. Si. T'as des clients ou pas, le Xav? Là, il me faudrait un peu de citron. Ok, c'est bon, je vais faire super de la mise en rayon parce que là, c'est terrible. Hein. Ça, c'est bon, on est bon. Non, mais le chien. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que je devais acheter un truc et c'était Ricrac. Xav, qu'est-ce que tu branles, Xav? C'était ça le fin mot d'histoire. Non, honnêtement, j'ai l'impression. Ah, mais attends, vous avez remis des cartons vides dans la réserve, les gars, à quoi vous jouez? Non, c'est pas possible. Non. Bah, si, je vous le dis. Où ça? Lequel? Bah là, il y avait un carton de céréales x 0. Voilà, c'est dit. Possible que ce soit moi. aïe. On s'est fait dévaliser, hein, au-dessus. On a fait Bastune ou pas, alors? Ouais, bah, regarde, 120 balles ou quoi? 120 balles, déjà. Ça fait 5 000. En vrai, 120 balles, c'est pas mal. Une affaire rondement menée. Non, mais là, en fait, on a de nouveaux trucs, mais... Alors, c'est étiqueté, ce qui signifie qu'il ne présente aucun avantage. Est-ce que déjà, tout le monde... Le tuto, il est horrible, en fait, j'avais pas compris. Non, est-ce que déjà propre. Tout le monde quoi est-ce que sur tous les prix et tout on est bien? Ouais, on vend plus cher. Ouais, et j'ai tout, monté ça, tous les prix, toi, t'inquiète pas, check. Je m'en suis occupé. Hein. Magnifique, ouais, ça. Ouais. Je peux te le recheck en deux spi. Non, mais ça a l'air d'être... Je vais aller voir, ici on a pris fournisseur en 99, c'est 3$, on en a un 30, c'est bon, le rail ils sont là, explosé le prix, une bouteille d'eau. Ouais, ça on verra ce qu'ils en pensent eux, mais bon j'ai bien monté les prix, faut pas non plus déconner. Là on a la place pour quelque chose là au-dessus. Faut faire x2 hein. Ouais, on a encore de la place. Ah bah j'ai fait à mi-9. Oh, des fois il y a du x3 des fois. Ouais, voilà, sur certains produits il y a du x3. Le sel en tout cas, c'est du bon baleine. Hein. Là va peut-être falloir baisser le prix hein, parce qu'on l'achète 45 centimes, il part à 2 balles. Ouais, peut-être un petit abus. C'est du business. Mais du coup on va pas en vendre, non? Ou ça on s'en fout? Ah bah là on va pas en vendre. Si, on va en vendre. Crois-moi qu'à la caisse on fait le baleine. J'ai baissé à 1,16. Hein. 2$ les gars. Il nous reste 2$. Voilà, si jamais je sais pas qui vient d'acheter quoi. Moi, comme ça on a du citron pour demain. Bon bah parfait. Okay, bon, bah, c'est cool. Moi je mets en rayon là un peu en même temps. Et là on a pas un petit de quoi se détendre là? C'est-à-dire avec 2 balles. Tu vas. Oh, Blackjack, tu montes vite hein, franchement. Ah. Le thé coûte cher quand même. Là, le truc, c'est qu'on peut débloquer des nouveaux. Ah bah, le thé coûte cher de base. Mais c'est par pour contre, ça. Pourquoi on a des prix 3,03? Ça dégoûte à la caisse. C'est moi. Bah, c'est comme ça la vie, gros. Ça se voit que vous vivez à Paris, vous allez jamais faire vos courses. Ah, parce que tu dois faire centime par centime. Eh oui, centime par centime. Non, mais on sait très bien comment ça marche les prix. Mais frère, on s'en bat les couilles. On est dans un jeu, donc s'il te plaît, mets-moi des 3,10. On est dans un jeu, Xari. C'est comme ça que tu le prends. On est dans un jeu. Ah, okay, bah, va à la caisse et tu rendras les centimes. Mais non, c'est toi le caissier. Non, bah, je suis pas caissier demain, hein, croyez-moi. Hein. Moi non plus. Bah, venez, on décide, on fait par vote, sinon, comme ça. Non. Qui est chaud pour que Xari soit caissier? À main levée. À main levée, Xari. Moi, je lève la main, je sais pas vous, mais. Mais Xari, tu peux le refaire. Et je vous dis que quand il y a plus de 8 clients, les mecs, ils volent. Et il se barre donc. Non, mais Xav, tu peux le refaire vu que j'ai retiré la lumière au-dessus. Il n'y aura absolument pas de caissier. Comment on tège la tablette? Non, Xav, non, mais Xav, t'inquiète, on va tourner. Comment ça se passe la caisse? Non, bah, il a raison. Tu cliques sur les objets, puis sur après les tu boutons, la monnaie. Je vais baisser les prix pour toi, Xav, vas-y. Ouais, je pense qu'il faut tout faire. Non, baisse pas les prix. Parce que là, je pense qu'on se refait. Je vais les arrondir. On se refait une journée avec ces stocks, et ensuite, on va se débloquer un nouveau truc. On va le faire pour Xav, les gars. Ensuite, les gars, je crois qu'on va vendre du. Ça serait beau, du beurre. Le 303, c'est vrai qu'il beurre, il nous faut du réfrige. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, on a pas l'argent pour acheter un. Pour l'instant, on a rien. Faut qu'on fasse une journée comme ça. Pour quoi. L'instant, on n'a pas une thune. Il faut faire une journée. On va pas se mentir que l'espace magasin $250, il nous a pas mis bien quoi. Ouais, mais bon, les gens. T'es sérieux? C'est spacieux au moins. C'est spacieux hein. Est-ce que 4 rayons, on a 27 mètres carrés, on peut faire un petit peu trop. J'avoue que je débarque dans le magasin et je vois la gueule qu'il a, je m'en vais. Je vous dis vraiment. Surtout, il y a 4. Il y a 4 tueurs en série qui te reçoivent. Vraiment. Des quadruplés. Quand t'es collé dessus, c'était très bizarre. Salut, Loan. Salut.
Oh, on peut, des beau. On peut acheter des hot dogs ou pas? Besoin d'un balai. J'ai besoin d'un balai pour te kicker le cul. Ok. Et le balai, il sert qu'à kicker le cul. Il sert à frapper parce qu'en ouais, fait, on crois, le sort. En vrai, ça fait. Ouais, ça marche. Oh là là. Mon dieu, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Down. On lui sent que t'es mort. On a beaucoup de. Mon dieu. Garde. Garde, police. Aïe. Oh, c'est de l'abus. Là, vous avez fait du facing. Frappe-moi plus fort, bébé. Oh, elle dit frappe-moi plus fort, bébé. C'est vrai, vraiment ou pas? Tu ouais. Non, non, mais Xav, t'es où là? Bon sang, ce balai dans ton cul. Mais what? Quoi? Non, n'importe quoi. Si, je te jure qu'elle dit ça. N'importe quoi. Je te promets. Bon sang, ce balai dans ton cul. Elle vient de le dire là. Aïe. Xari en full RP. Surtout que. Mais je ne rigole pas. Xari. Police, ça. Vas-y. Regarde. On la mêle. Ce balai dans ton cul. Pardon. Bon sang, ce balai dans ton cul. Voilà, fermez. Qu'est-ce là, que maintenant. C'est ça? Tiens, elle balaye dans le cul là. Allez, on lâche la meuf, les gars. Allez, les gars, les gars maintenant. Je vais fermer les yeux. Les gars, je vous rappelle que je suis en conditionnel, donc si on pouvait. Si on pouvait reprendre le jeu là tout de suite. Alors, est-ce que vous aussi vous avez le tuto qui fait 8 mètres de long ou pas là? Non, moi il est fini le tuto, il est terminé. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Chaque jeudi, l'inflation du marché augmente sur certains produits et vous devez revoir les prix. Oh, ok. Ouais, d'accord. Pour permettre aux clients d'entrer, machin et tout, vous pouvez déposer des boîtes vides dans le conteneur. Ça, on a. 8e jour, les voleurs et les ordures auront une chance d'apparaître. La solution aux deux est le balai. Frapper les voleurs, ils laisseront tomber un produit volé. Chaque caisse peut avoir une file d'attente de 8 clients. Ils ne deviendront pas impatients, mais les clients supplémentaires qui ne détectent pas une file d'attente de caisse libre deviendront des voleurs et partiront sans payer. C'est pour ça que tout le monde nous a volé. Oh bah putain, si ça se passait comme ça dans la vraie vie. Oui, mais on peut pas mettre quelqu'un aux caisses en vrai. Bah mais si, ouais, on peut mettre des employés, mais on a pas de thunes là. Par contre, en vrai, moi je suis chaud, je vais faire caissier. Il y a un tuto qui fait le prix d'un Goncourt là. Enfin, ouais, c'est, ah, c'est super regardez ce qu'on. Mais attendez, on est trop con, regardez ce qu'on a. Ah merde, on peut pas l'utiliser. Ouais, non, on peut pas utiliser ça. Oh merde, j'allais dire je c'est. Je pense que c'est juste s'il y a un client qui passe par là, tu vois le délire. Il explose. Il est dead. Bon, bah vas-y, on tourne à la caisse si vous voulez. Ah, attendez, parce que j'avais pas bien lu. Mais si jamais. On va mettre une deuxième caisse, de toute façon. Si jamais, en fait, soit on va à la benne et c'est simple et on peut directement tège, soit on peut traverser la rue et jeter dans la benne et du coup ça les recycle et ça nous fait de l'argent. Oh, ah attends, ça va traverser la rue pour trouver un métier. Ah bah, alors, les gars, il n'y a pas de problème, je traverse la rue à chaque fois. Ok, d'accord, très bien. Bah posons tout dehors et à la fin de la journée on met tout dans le conteneur. Mais comment? Attends, ouais, mais je crois que ça dépop à un moment. Comment on fait bonne nuit, attends, là, j'y vais, regarde, j'y vais avec le carton qui est vide là, hop. Ouais, combien on fait? Combien on fait, ouais. Je vais te dire tout de suite. Non, ah, bah, c'est quand même, hein. Pas mal, en vrai. Je traverse pas la rue. C'est énormissime, hein. Ouais, hein. C'est dingue. Les gars, vous avez tous le tuto, vous ou pas? Oui, c'est infernal. Moi, je l'ai plus. Putain, mais moi, j'ai le tuto qui. Ouais, pareil. De l'écran, ouais, moi, il était à droite, mais moi, il s'est mis en surbrillance et après, il a disparu. J'ai rien touché, je sais pas pourquoi. Comment on fait? Bon, on passe à la journée suivante. Comment on fait pour changer de journée? Allez, journée suivante, les gars. C'est le bouton rouge. Seul jour d'année, moins 5000, on est pas mal, les gars. Produit trop cher, 4. Hein. Une affaire qui tourne. Argent perdu à cause des voleurs, 456 balles. Dans la gueule. Ah, 27, les gars, il faut un agent de sécurité. On a fait 1003 de revenus pour 456 balles de vol, là, les gars. Aujourd'hui, on se fait la même, on gère les stocks, etc. Et par ensuite, contre, à la fin de journée, on optimise, ok? Et on est parti, vas-y, je vais à la caisse, on moi. Met deuxième caisse. Attends, ça ouvre la tête. PA, je mets le balai ici. Si tu me dis qu'il y a un mec qui vient, je mets une patate. Vas-y. Il y a un mec qui vole, je suis là direct. Et sans parler que de ça, les balais, faut vraiment les mettre en sortie de chaîne et tabasser un mec, hein, dès qu'il sort. Ouais. Faut qu'on ait l'œil, nous, hein. Là, c'est bon, c'est open, là. Ouais. Et pour l'instant, en stock, ça sera le. Ouais, dans le sucre, faudra recharger. Comment on fait pour changer les prix, juste parce que. Le truc, c'est que là, faut attendre. C'est le scanner, et tu fais. Scanner, scanner ici, là. Tu prends le scanner molette et tu remets sur des prix simples, comme j'ai mis, pour qu'on se fasse. On se prenne plus la tête, comme t'as dit. Et c'est chiant, la caisse, ou pas? Bah, je vais découvrir. Non, mais ils trouvent que c'est trop cher. Le sucre et le sel, c'est trop cher, en fait. Parce que aussi le truc, c'est que si on met beaucoup trop cher les prix, les mecs ils sont pas cons, ils achètent pas. Ouais. Ok, vas-y, je vais baisser un peu. Parce que là on a fait 1300 de revenus, ça me semble rien, on s'est fait voler 500 balles, hein, nous. Bah ouais, c'est là. Le sucre il trouve trop cher, il est où le sucre? Le sucre il est là, c'est le daron, c'est ton daron. C'est ici là, et 350, je pense que tu peux mettre à. Du marché, on a 3. Bah t'as vu? Bah ouais, mais à 3. Ouais, 3, 3. Et c'était quoi d'autre t'avais dit? Quoi d'autre t'avais dit, PA? Oh mais c'est un plaisir de ouf la caisse, Xav. Oui, c'est un plaisir, c'est un plaisir. 21,70. De quoi, Lolo? C'était quoi d'autre qui était trop cher? Non, c'est bon, le sel, je l'ai baissé déjà. Tu l'as baissé? Non, c'est bon, ouais, je suis plus capable, je suis en caisse. Par contre, quand t'es en caisse, c'est fini, quoi. Dès que t'es en caisse, tu peux plus te concentrer sur autre chose que la caisse. Ah bah non, bah. Bon bah les gars, je prends ma ronde, moi, à toutes. Anime ton live, je te l'ai dit, hein.
Pourquoi par contre, pourquoi apparemment, t'aurais rendu 50 balles au lieu de 5 balles. Non, c'était 50. Oh c'était 50. Non. T'as rendu 50 balles. Non. Moi, je l'ai là. Tous les mecs sur le chat. Il y a quelqu'un qui était devant moi alors. Putain. Tu viens de rendre 50. Mais c'était. T'as rendu 50. Il y avait marqué argent à rendre, il y avait 50. Comment c'est si c'est un voleur? Parce que j'attends avec le balai moi. Marqué au-dessus de la tête. Genre, il y a un dollar qui est barré. Ok, je vais mettre ça ici. Je peux te dire qu'il n'y a pas un voleur qui sort. Ok, très bien. Non, c'est bon, tu t'en sors bien. Je remets en rayon. Ouais, pareil. Ouais, j'ai remis en rayon aussi, ouais. Oui, en effet. Panzani, ça part. Ah oui. Bon, j'ai fait, attends, j'ai fait un petit don, ouais. Ouais, et le mec, 50 balles. Ouais, 50 balles. Bah, 50 balles, ça, rien, ça fidélise, ça. Ça fidélise, voilà, tu vois. Il reviendra, il reviendra. Les gens qui sont dans le besoin. Bizarrement, le client, il t'a pas dit que tu t'étais trompé, quoi. Il est parti en détente. Pas très honnête. Moi, j'ai quoi? J'ai 6-7 personnes déjà devant moi. Je vais essayer d'activer, les gars, mais c'est avec bientôt la caisse. Active. Je bouge mon cul, excusez-moi, les gars. Et on a dépêche-toi, hein. On a 2 points de franchise disponibles, comment on fait ça? Non, mais attends, non, j'ai commandé des trucs là, non? C'est bien, mais faut acheter des nouveaux trucs et en fait, on n'a pas ce qu'il faut, je pense encore. Là, faut qu'on se stabilise déjà. Va te faire foutre. Produits de base, ketchup, margarine et tout, si, ça peut être pas mal ça. Oui, mais en fait, faut tout racheter, faut tout recommander. Là, déjà, faut qu'on se stabilise avec les stocks, faut qu'on fasse tourner la boutique. Je suis d'accord, mais je veux dire, les points de franchise. En fait, faut pas rajouter trop de produits pour l'instant. Bah non, parce qu'en fait, sinon, ils attendent ça. 3 journées comme ça. Ah, ils attendent. Ouais, ils attendent, ils sont en mode, y a pas de beurre, y a pas de machin et tout. Mais je pense qu'on prendra en effet les trucs de beurre et tout. Bah là, moi, j'ai pas grand chose à faire, je vais pas vous mentir. Je regarde, il va falloir remettre ça en rayon. Ça peut avancer plus vite à la caisse, non? Ouais, c'est pour aller plus vite. En fait, je pense qu'il nous faut vraiment une deuxième caisse, les gars, sans faire le mec. Je pense que regarde le prix de la caisse et on en reparle. Écoute, combien la caisse? C'est 1000 balles. C'est 1000 balles. Et ça va, on est à 300$, les gars, de quoi vous plaignez? Ouais, va peut-être falloir. Gigi, check peut-être les restocks à faire. Oui, il faut se barrer là. T'inquiète. Tabasse. Vas-y, PA, il utilise pas le pavé numérique. Ouais, désolé, c'est une épicerie un peu à l'ancienne. Il y a le plaisir du contact humain. Par contre, les gars, moi je traverse la rue pour récupérer 1,5$. Hein. 1$, c'est 1$, je vous le dis. Ça, c'est très bien, ça, c'est très bien, ça. Si vous avez racheté des stocks, ou je rachète des stocks un peu. Qu'est-ce qui nous manque, les salauds? 66. Ah, moi je suis dehors, t'inquiète au pire. Le sucre daron, là, il nous en manque, je vais reprendre un. Elle a pas payé! Non, elle est passée! Ah, si elle sort de la boutique, je peux plus la tabasse? En fait, après, ça bloque, genre. Après, mais... Lui, là, il a pas payé devant toi, Xari. Maintenant. Voilà. Non, mais je peux pas, moi, utiliser. J'ai pas le pavé. Ok, j'ai rien dit. C'est quoi ce. Allez, dodo, hein. Accélère. Non, mais ça va très bien. Pourquoi? Attends, excuse-moi, t'as fait le même taf, t'as pas ouvert ta gueule. Moi, je participe, je donne aux clients. Les clients, pourquoi ils ont envie de revenir. De petits dollars là, c'est autre chose. Parce que je les explose, ceux qui volent. Lui, là. Ah, d'accord, tu exploses sa mère, ok. Et du coup, tu dois le forcer à payer ou pas? Non, non, il y a tout qui tombe de ses poches. Ah, mais du coup, on récupère la marchandise. Normalement, ouais, j'espère. Ou alors, ça nous le donne les sous, tu vois. Ah, une fois, tout pris une autre caisse, hein. Ouais, faut vraiment une autre caisse. 90 centimes. Déjà, nous. Non, on est obligé de faire les vigiles, hein, on n'a pas le choix. Sinon, on perd trop de thunes, en fait. Si on rend la monnaie, il va y avoir des erreurs de caisse, hein, les gars. On vend le paquet de sel à. Bah, les gars, ça se passe très bien. J'avoue que le restock, 1,50$ à chaque fois. Aucune caisse disponible, au revoir. Bon, alors là, va te faire. Oh là là, toi. Qui ça? Hop, je récupère ce qu'il y a au sol. Je peux vous dire que je donne, les gars, je donne. Voilà, mais c'est vrai que c'est chiant. On va en mettre une dernière à lui là. C'est vrai que les chiffres par rond, c'est chiant, hein, si je peux me permettre. Je comprends mais maintenant. Mais non, on a tout mis rond maintenant. Oui, non, mais il y a encore des 10, des 20, des trucs comme ça, non? Ah, d'accord. Donc toi, tu veux soit 1, 2 ou 3, quoi, c'est ça? 1, 2, 3. Non, mais allons-y. Non, mais fais-toi un peu de caisse si tu veux. Tu prends à 14h, toi, c'est ça déjà? Je me souviens pas bien. Allez, vas-y, je crois que la caisse était le. Bon, en vrai, c'est très sympa, tu vois. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé, un peu déçu que justement j'ai des collègues qui me disent que j'aille pas assez vite, mais bon, apparemment. Putain, mais attends, il faut la taper plusieurs fois en fait. Ouais, des fois, ouais. Ah, je peux vous dire. Mais la salope! Ça encaisse. Enfin, hein. Désolé, hein, mais. Je peux le dire. Non, mais. Dis-le! Sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise. Salaud! Remets-lui-en. Voilà, oulala, tout ce qui drop! Attends, et elle aussi là! Saleté, va! Attends, mais Xari, t'es un monstre! Tout ce qui vole, les chiens! C'est bon. J'ai remis des prix sur des comptes, soit des 50 centimes, il y a plus de 70, 80 voilà, machin, etc. T'es sublime, mon, t'es sublime. Mon PA. T'es sublime. Voilà, c'est pour toi que je le fais. Voilà, c'est pour nous, hein. On est ensemble là-dedans dans ce business. C'est vrai, je suis que je refais de la mise en rayon. Tu mets le compte trop vite. Voilà, l'autre, je veux dire, il y a le fou de la gare qui est un seul autre qui met ton full hate. Reviens là. Non, mais lui, honnêtement, il fait peur. C'est vraiment le fou du village qui pense être. Ok. Par contre, il y a beaucoup de monde en caisse, hein. Dès qu'on peut, on envoie une caisse. Ouais, bah 14h, hein, si tu veux. Je suis en train de refaire la mise en rayon. Vas-y, je tiens un peu plus, Plus mettre, comment ça s'appelle? Je sais pas, il faut ramasser les trucs par terre aussi. Ah bah, j'essaye, mais ils se barrent tous, les chiens. Attends, ça, c'est chaud, là.
Je remets. Je ramasse des patates, hein, mais t'inquiète, je ramasse. Oh, pourtant ça encaisse, okay, hein, je l'entends le bruit de la cache, pas si. J'arrête pas là. Bon. Ah oui, non, c'est toi, putain, je me disais. Ah, mais ça, c'est les cartons. On est en train de massacrer un mec là. Non, non, c'est tout ce qu'ils récupèrent quand les mecs perdent leur thune, leur truc au sol. C'est ça qu'on a vraiment Lohan qui est juste en. Ah, voilà, voilà, y en a plein qui sortent là. J'arrive. Il est dans la cage, Lohan. Vous êtes pas le taper. Non, t'inquiète, on les massacre. Ok, très bien, boum. Putain, c'est chiant que ça apparaisse encore par un, les produits, c'est. Tiens, ouais, c'est chiant bon, là. C'est invivable. Hein. Y a pas un mec qui passe, je te dis direct. Tiens, bouffon. T'inquiète, je ramasse. Oui, c'est invivable les scans, c'est horrible. Dans l'audio, il y avait pas ça, tu scannais pas un par un, non? Non, bah en fait là, ça apparaît. Les gars, il n'y a plus de Valériane, Oh, les gars, les stocks, je peux pas tout gérer. Non, Valériane, vous inquiétez pas, moi je gère des voleurs. Les gars, honnêtement, on a de quoi acheter une caisse, non? On a plus de 1000. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? On a beaucoup de gens. Finir la journée, non? Oui, mais là, j'ai l'impression qu'on est à gauche. On perd des clients, non? J'ai 6, c'est 7. Non, on perd pas de clients, t'inquiète. Les clients qui partent, on les explose. Je refais de la mise en rayon. Ah, c'est vrai que Valériane, putain, il vient juste à l'instant de prendre le dernier. Valériane et le truc à gauche, là, je sais pas ce que c'est. Ouais, je prends orange. Le thé, là, le jasmin, je sais pas quoi, là. T'inquiète. Est-ce que ça s'enlève juste les bruits du gars qui tabasse et qui récupère à chaque fois un euro ou pas? Parce que j'en peux plus. Moi, c'est un jeu de fight, là, le jeu. Bah, je trouve ça sympa. Je suis sur Tekken en fait. Violet à droite, j'ai envie de hurler. Ouais, moi aussi. Moi j'ai mis le chat en énorme, du coup, tant qu'à faire. Voilà quoi. C'est vrai que là, le tuto il est. Il est régal, hein. Au revoir. Alors là, mon pote. Ça faisait longtemps que j'avais pas tabassé un mec là, mais. Ouais, tabasse. Je vous refais des stocks partout, les gars. Bougez pas. Bien joué, encore restock. Il est en costard, il vole. Ouais, les gars, j'ai quoi? J'ai 6, j'ai 7, j'ai 7 personnes. Hein, c'est quand même. À la benne à chaque fois là pour aller remettre un carton qui nous rapporte 1,50$. Mais mets-les sur le côté, si tu veux. Ah, mais depuis on a 1200 balles, les gars. Hein, là, c'est. Bah ouais, frère, on ira. Parce que je pense qu'en fait, demain, les gars, on finit la journée comme ça. Checkez peut-être les stocks et tout, les gars. On finit la journée comme ça. Demain, on restock, nouvelle caisse. Mais on finit la journée, frérot. Il est que 16h30, on est ouvert jusqu'à 23h. Désolé, j'ai tenté un truc sur un mec, mais bon. Je me suis dit, est-ce que le mec qui sort, si je lui mets une patate, je peux quand même le voler, même s'il a payé, mais non. C'est thé vert et thé noir. Il me faut du thé vert, thé noir. Il faut tout l'été en fait. Thé vert. Ouais, parce que ça, c'est cher, mais ça on doit bien marger sur l'été. Hein. Ah, je suis désolé, ça va coûter cher. Hein. Voilà. Ah, c'est pas grave. Ouais, mais c'est de l'investissement. On achète peut-être pas trop de stock histoire qu'on ait 1000 au moins en cash pour demain. C'est magnifique. Viens. Voilà, ça c'est bien. Hop là, donne tout ça. Je te reconnais là. Saleté, l'été, tu peux. Mais putain, il casse les couilles à se mettre devant le chien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des choses. Oh, vas-y, frère, c'est moi, bon, dès que je lève la tête, frère, c'est des mecs qui se font tabasse. C'est. Allez, les gars, je prends 50 centimes bénéf, tiens, c'est de l'abus. Ah ouais, mais là, les gens, ils se. Moi, je commence. Ouais, mais bon, on peut pas faire autrement. Je commence à avoir des plaintes du voisinage là. Oh putain, il se barre lui. Viens là, la merde. Il va en avoir plein, Lolo. J'arrive, j'étais en train de mêler un vieux là. Attends, y'a l'autre lui là. Oh là là. Chien, au revoir les crétins, aucune caisse disponible, ça se plaint des caisses. Hein. Demain, j'espère que. Xari, bien joué, Xari. On est bien niveau stock, Gigi. Encore, tapis, s'il y en a qui a rien fait, il prend quand même. On va remettre en place. Voilà. T'es vert, t'es trompé. Je sais pas si on a. Est-ce qu'on peut pas faire un prêt, genre? Souvent dans les jeux, on peut faire des prêts. Ça nous mettrait. T'inquiète, je remets la max. Non, mais tu sais, pour investir un grand coup, pour avoir. Loin de récupérer notre thune. Je récupère tout, moi, les gars, je suis le cabot là. Mais c'est quand même, par contre, je vois des plus 3 et tout, en vrai. Désolé. Bah, oui, en même temps, frère, tu te rends pas compte, mais il y a littéralement. C'est qu'on. Tout un stock qui est par terre. Tout le monde nous vole, hein. Oui, tout le monde. Ouais, mais. C'est bon, les gars, c'est récupéré. Putain, ils me font chier à se mettre devant, je fais de la mise en rayon, les débiles. Vous, c'est trop chiant, ça. C'est trop chiant, frère, c'est bon. Attends, ils sont où? Ça tabasse dans l'arrière-boutique. Ouais, je me tabasse. Désolé, Gigi, pour la balle perdue. Non, no problem, bro. Là, ça vole pas. Mettre deux caisses. Au pire, on met pas de caisse, c'est juste nous, on tabasse. Ouais, en vrai, c'est mieux, je pense. Hein. En vrai, c'est. Non, mais au début, si vous voulez, moi, les gars, je m'en occupe, sincèrement. Si je puis me permettre, c'est plus le même jeu. Je suis en train de restock, mais on se fait dévaliser. Non, mais là, ça vend bien, les gars. Est-ce qu'on voit des gens, justement, en rayon qui disent que c'est trop cher ou quoi ou pas? Au cas où. Ouais, mais là on y est quasiment. Pour l'instant, moi je vois pas trop là. Loan il va récupérer. T'as dit quoi, PA, j'ai pas écouté, pardon. Est-ce qu'il y a des gens qui Valérian, c'est trop cher. Tu vois. Valérian, c'est trop cher, je n'ai pas trouvé de la vente. Ils mettent tout dans leur poche, hein, quand même, les cons. Hein. Oui, ils essaient de voler, donc on récupère. Qu'est-ce quoi. Qu'il nous reste? Attendez, je dois regarder les stocks. On s'en fout, t'inquiète, c'est géré. Lui il va partir. Peut-être ça va être chiant vraiment si tout le jeu c'est juste tabassé, non? Non, mais t'inquiète. Non, mais c'est pas grave, c'est le temps 2.
C'est juste que moi, je vais peut-être pas découvrir autre chose, quoi. Il manque de la menthe, il manque plein de trucs, là. Mais je suis en train de tout refaire. Vas-y, si tu veux. Va, un gars qui commande pour remettre des stocks. Permettez pas, j'y vais. Vous permettez pas. Alors que là, ça va être la guerre. Valérie, ouais, là, il commence à faire nuit et tout. Récupérer les objets volés, ça donne au prix d'achat. Ouais, ça donne au prix d'achat. Bah, honnêtement, je prends un plaisir monstre, moi. Les gars, c'est vrai que si jamais on met le produit à 1000 balles et que le mec nous le vole et qu'on le tape et qu'on récupère au sol. Non, je pense que c'est au prix d'achat. Ça marche pas parce qu'il va juste pas le mettre, il va juste pas le prendre. Non, mais je pense qu'en fait, tu récupères ton prix d'achat surtout. Ils veulent pas voler de base. Ils sont juste là en mode. Ah, ils veulent pas voler, ils sont quand même bien à l'aise. Ouais. Ah, c'est pas prémédité, mais en tout cas, bon, ils finissent par voler, quoi. Moi, je vois des trucs dans mon chat combiné. Je vois qu'apparemment, il y a PA qui donne des 40 balles. Hein. Non, alors, il y a un petit misclic, mais honnêtement, c'est. Non, mais putain, de 40 balles, mais comment tu peux misclic de 40 balles? Misclic à 40 balles. Voilà, chacun son taf, hein. Bah, moi, je suis désolé, j'ai pas fait 90 balles de. Vous inquiétez pas, c'est bon, je récupère les sous. Tiens, en caisse demain si t'es pas content. Là. C'est pas moi qui suis pas content, c'est la Maison France, frère. Bah, la Maison France est très contente, il y a une super ambiance à la caisse. C'est bon, Xari, il a plus rien dans les poches. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de clients qui se plaignaient que soi-disant le caissier faisait un peu la gueule, etc. Bizarre, bizarre, ça me rappelle quelqu'un, si je peux me permettre. Xari, ouais. Xari, c'est bon, tu vas le tuer, Xari. Xari, ça va, il a commandé. Il a vu voler, il va t'attacher de mon bâton. Xari, lâche-le. L'autre, il est avec le martinet là. Il est en train de le martyriser depuis une minute, le même mec. C'est de la vue, tais-toi. Police. Il a une pièce cachée, le Xav, là, dans le supermarché. Un petit dernier. Ouais, non, je rigole. Viens là. Je vais refaire un point de stock juste après. Oh, parce que magnifique, là, j'ai les rayons magnifique, sont merci. Vides, de zinzin. Non, j'ai tout en rechargé. En même temps, on est deux à la baston. Il y a que Gigi qui Va, Xari, t'inquiète, je m'en occupe. Xari, je te jure, je m'en occupe des mecs. Xari, il peut pas, il est sur mon chat, il est trop occupé là. Mais je suis pas sur ton chat, je suis en full chat combine. Oh, excuse-moi. I didn't know. Ah, je peux pas prendre les. Malheureusement, je peux pas prendre les boîtes parce qu'en fait, j'ai déjà le balai dans la main. Les gars, les cartons recyclés, c'est une dizaine de dollars, hein, déjà fou. Tu veux que j'y aille, Xari? Non, attends, regarde, lui, ça, c'est grand, ça. Elle est vole, là. Les gars, j'ai un nombre de gens qu'on perd en caisse demain, ça va être festin, on va se gaver, les gars. On est pas content. Il va falloir deux caisses, hein, demain. Déjà, ce soir, on va savoir combien on a récupéré d'argent et. Combien on a perdu en vol. Je pense, vu le boulot de Lohan et Xari. Bah, trois Xari, ni Delp. Il y a 3 qui volent. Et direct, ça vient avec le bâton là. T'as besoin d'aide ou pas? Je suis en 1v2. Du renfort à la caisse, renfort. Ok, s'il vous c'est plaît. Bon, il a plus rien avec sa coupe de mort. Là. C'est bon, ils ont plus rien là. Sorti. Bah, c'est bon, attends. Peut-être lui, il a plus rien. C'est bon. Gigi, il est sorti le torchon à la main. Je suis sorti avec. Excuse-moi, j'étais en train de ramasser, je t'ai mis une patate. Mais c'est quoi, on vend des Marlboro ou quoi là? Je comprends pas, là, il y a des trucs au sol. Ah non, c'est du thé ça. Y'a pas de spell en AOE. Si, mais c'est niveau 3. C'est pas chiant, y'a pas de spell en AOE. Non, t'inquiète, j'adore moi. Bon, je fais un point sur les stocks là. 21, 24, 0 manque poivré. Putain, on s'est fait des vals. Ah, la manque poivré, ça part fort et ça se vend bien, je pense. Fin de journée. On est en fin de journée. Ouais, on a encore quelques beaux clients. J'ai pas trouvé ça, menthe poivrée, hein. C'est vrai que ça se plaint, on pourrait faire plus. Hein. Non, j'ai remis une menthe poivrée, c'est pas possible. Ok, très bien. Ce qu'ils disent quand même. Hein. J'ai pas trouvé ça, céréales au miel par exemple. Là. Céréales au miel, il y en a plus, je viens de recharger là. Hop, regarde, ça arrive. Je suis là. Magnifique. Les frérots, ils demandent des céréales, il s'est 23h. Ils nous cassent les couilles un peu quand même, non? En vrai, c'est pas mal. Petit bol de lait, petit céréales le soir. C'est vrai, de temps en temps, à la place d'un repas. Je pense pas qu'on va avoir perdu beaucoup, hein, par contre, au niveau du vol. Non, bah, au niveau de patates, en tout cas, ouais. Bah, on aura sûrement 2-3 procès, les gars. Xari et Néon, vraiment, juste avant, c'était de l'harcèlement. Va falloir investir ailleurs. Bah, déjà, moi, les gars, je suis sorti, j'ai assisté à une scène terrible. Voilà, sur cette pauvre dame, c'est des grandes chassées dans tous les sens. Bon. Après, hein, mais bon, c'est du passé, voilà. C'est bien, tu voles pas, toi, fais gaffe. Hein. Honnêtement, les gars, j'ai fait une belle journée, tu vois. Je me sens vraiment là, j'ai bossé pour la Maison France, quoi. Regarde-nous, vraiment, c'est des détraqueurs de. On les regarde avec le balai en main. Attends, le premier qui vole, il est mort. Les mecs, ils attendent à la sortie, hein. Putain. Ouais, ils font de ta mère, toi. Voilà. Et plus jamais tu reviens là, sale chien. Oh là, la merde. Toi aussi, hein. Oh non. Mais voilà. On le sait, t'es colérique, mais t'exprimes ta colère d'une la mauvaise manière, mon Xari. Là, c'est. Tiens, je lui ai mis 2 balles de plus. Forcément, tu le tapes, moi. Ah, c'est vrai. Lui, tu vas lui mettre quoi? Tu lui mets 2 centimes.
Ah, laisse-moi lui mettre un coup, Kem. Non, 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 bah lui, le pauvre monsieur. Oh, le pauvre monsieur. Prenez tous votre balai, hein. Tenez, monsieur, c'est trop, là. Je vous mets 10 balles. Allez, partez, monsieur. Non, mais arrête, toi. Partez, monsieur. Partez. Mais regarde pourquoi il y a des cartons. Mais là, il est fou, là. Hein ? Ça y est, j'en peux plus, je les lâche ici parce que. Là, c'est infernal, on a vécu une journée où. Il restait des balles, il met des trucs au poteau, il casse les couilles. Allez. Oh là là, tous les cartons, allez, j'arrive. Amenez-les là-bas. C'est bien. Ils sont où les cartons? On fait les cartons. Et on fait du chiffre, hein, 1600, bon, les gars. Je vais en faire tout le stock, les gars. Pour moi, les gars, honnêtement, attends. Oh là 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 là, les rayons sont vides. Les rayons sont vides, y'a rien. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. T'as vraiment géré. Tu t'es donné au mieux. Je vois que t'es pas aidé. Je vais devoir recharger, les gars. Hop. Allez, honnêtement, faut vite aller embaucher, je pense, un mec. Hein. Là, il nous faut un man, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il nous faut. Bah, en fait, mais le souci, c'est que pour un man, il faut qu'on prenne des produits laitiers. Ensuite, des boissons gazeuses. Et après, on pourra débloquer. En caisse. Non, alors, ce qu'il nous faut. Stop. Parce que tu commandes, Gigi. On achète une caisse ou pas? J'ai pas le choix. Il faut une caisse. Acheter la caisse, c'est bon. Le truc, c'est que dans ce cas-là, il va falloir deux caissiers. Hein. Oui, mais est-ce qu'on a assez d'argent pour acheter restock et en même temps acheter une caisse? Moi, je peux caissier. Bien sûr, je viens de caissier. Les amis, ça sera plus simple. Ne vous inquiétez pas, je viens de full restock. Bah, alors, faut que Lolo. Ok, Lolo, on a acheté la caisse. Lolo, toi, tu sois au tabassage. D'accord. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, je peux tabasser. Il n'y aura pas de tabassage. D'accord. Peut-être qu'il y aura du tabassage. Lolo, mais s'il faut, au début, je vais au tabassage. Si on voit que ça se passe bien. Je viens t'aider. Tu me dis ce que je fais, moi voilà, j'applique. C'est ça. Toi, moi, c'est restock, okay. Restock tabassage. Yes, okay. Yes. Et eux, yes. Tous les deux vont en caisse. On va faire comme ça. Okay. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour. Pour cette année jour, on va dire que c'est ok, ouais. Ok. Attendez, on restock avant de faire passer la journée. Hein. Eh les gars, quand on aura débloqué le papier cul, les gars, vous, on va se faire des couilles en or. C'est un banger sur l'autre jeu. Qu'est-ce que j'ai à. Le PQ? Le papier cul, c'est. On fait du x4 hein, sur le papier cul. PQ, par contre. Le tuto, ils vont faire quoi après la déco et tout là? J'ai l'impression d'avoir tout fait, mais. Mais t'es encore en tuto, toi, frère? Mais ouais, j'ai le tuto. Et les gars, on a pas de bouteille d'eau, etc. On a pas ça? Si, je viens de remettre. Je viens de restock là. Vous avez acheté la caisse ou pas? Mais putain, ouais, c'est bon, y a un mec qui a acheté une plante à 40 balles là. Qu'est-ce que c'est que cette chiasse? C'est pas une chiasse, d'accord. Tu sais qui c'est là? Ton mauvais esprit, ça te ferait peut-être du bien. T'as des plantes chez toi, mon Xav, ou pas? Non, bah bien sûr que non. T'as des plantes? Oui, j'en ai plein. Tes vraies plantes? Ouais, non. Et tu mets un peu d'eau de temps en temps sur les petites plantes? Non, elles sont crevées. Mais tu vois, il y a juste le pot là avec la terre un peu là. Tu vois le Xari qui arrose ses plantes là tout calmement le soir, et ben on aimerait plus le voir ici. Voilà, si je peux me permettre, parce que moi j'ai eu que du négatif. Dans ton pot, moi. Mais c'est pas possible. C'est pas ce Xav qu'on veut voir. Le Xav Scato qui tape les gens, je ne veux plus, d'accord? Il ne veut plus, ça c'est stop, hein. Là, c'est fou dans les rayons. C'est full. Juste, il faut que je remette en réserve un petit peu avec ce qui reste. Si on ne met pas de points ailleurs, hein, on est d'accord. Vous êtes sûr? J'achète pas du ketchup ou machin, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on est avec 200 balles. En fait, on est trop light pour l'instant. Voilà, donc on le fait pas sur cette nuit. Et c'est en fait, du coup, on se fait full tune et d'un coup, on achètera produits laitiers, boissons et l'employé. L'employé. Tout en haut. En fait, pour moi, on doit pas évoluer tant qu'on n'a pas mis d'autres rayons. Parce que là, exactement. On est trop léger en rayons. Non, pour moi, il faudrait qu'on continue comme on est là, voilà, mais qu'on mette les mêmes produits. Exactement. Bien demain, on se fait full tune, les gars, ok? On est bon, tout le monde? Par contre, attends, j'achète un peu de ça. Non, et juste, j'ai mis une décoration parce que dans le tuto, il y a marqué. En fait, on m'a dit que pour passer le tuto, t'es obligé de tout faire du tuto. Il y a marqué, vous pouvez placer des lumières ou des décorations. Et du coup, c'est kiff-kiff, quoi. Ça sert à rien, là, la déco, c'est déjà dégueulasse. Ça a marché ou pas? Bah, il me reste des trucs, mais je vois pas quoi parce que. Bah, ouais, moi non plus, putain, ça casse. Ah, j'ai pas assez de fonds, on casse les couilles. Attendez, bougez pas. Vous voulez acheter quoi? Un peu de trucs en plus. Qu'est-ce qui me coûte cher? C'est le citron thé, hein. Bah, il va bien niquer sa mère. Hop. Voilà. C'est juste qu'on est du stock. Parce que là, demain, ça va léure. En légende, je le pré-shot. Alors, ah oui, t'as racheté de l'eau aussi? Ouais, j'ai repris de l'eau et tout. Et les employés, ça coûte combien, vous avez vu? Alors, aucune idée, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais... C'est trop cher, les employés, on n'a pas le temps. Non, les employés, on peut pas. Ça coûte trop cher. Déroule le tuto, mais les gars, j'aimerais bien dérouler le tuto. Non, on peut pas dérouler, ouais. Tu peux dérouler le tuto. Non, mais toi, t'as pas dû mettre. Moi, j'ai rien touché. T'as transporté les boîtes vides, t'as fait la caisse. T'as fait lumière ou déco, Xav? Non. Bah prends la tablette là. Ouais, et fais une lumière. Fais une lumière avec la tablette ici là. Regarde, viens. C'est $30. Viens, mon Xav. Si tu prends, là, viens où je suis là. Viens, là. Tu cliques dessus, après avec la molette, tu vas sur la lumière. Vous semblez tous, je sais pas qui est qui. Hein. Ah, voilà, bah, il y a nos noms au-dessus de notre gueule, mais c'est pas grave. Ouais, mais en fait, je suis comme ça, moi. Voilà, là, il y a les tablettes juste en face de toi. Ouais, ouais. T'en prends une, tu prends une lumière, et tu respires bien. Tu la enlèves.
profondément. Par le nez, on inspire. Pas combien ça coûte, ça. Ouais, ça et là, j'ai l'impression qu'il va nous débloquer le tuto, lui. Ouais, super. Voilà, voilà la patate qu'il a préparée. Ouais, bah, ouais, ah, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, être calmé, toi. C'est ce qu'il faut, toi. Qu'on te remette à ta place, hein, sinon... Ok, très bien. Bon. Ok, ok. Alors, il faut peut-être que je tabasse quelqu'un. Non, tu peux, s'il te plaît, PA, t'es où, PA? PA, PA, je t'en supplie. PA, s'il te plaît, casse-moi. Abasse-moi. De quoi? Non, mets-moi un coup, mets-moi un coup. Bon sang, c'est pas dans ton cul, bon sang, c'est pas dans ton cul. S'il te plaît, s'il te plaît, mais fume-moi, PA, s'il te plaît. Non, mais vas-y, ta gueule, putain, mais c'est qui ce mec, là? S'il te plaît, mais... Mets-la, moi. Il nous a fait 8 heures de paddle aujourd'hui, mais c'est... C'est le fou du village, hein. Le gars est intenable. Il s'envoie des pédés. Allez, à demain. Allez, on y va. Et je pense, par contre, je pense qu'on a fait, un bon chiffre. Les gars, 3000 de revenus, que 100 volés, c'est parfait. Moins 256. Oui, mais c'est parce qu'on a beaucoup investi à chaque fois. Vrai, on a beaucoup investi. On a beaucoup de stock, en fait. C'est vrai, nombre c'est vrai, de c'est vols, vrai. 7, ça va. Hein. Qui non, pourtant, je pense que si on n'avait pas tabac, on en aurait eu que 200 des vols. Hein. Ouais, c'était un truc de fou. Qui allez, veut, ok, c'est parti. Pourquoi ça peut pas ouvrir? Ah ouais, faut passer à droite. Ah oui, parce que c'est pas ouvert. Allez, ouais. C'est parti. Allez, vas-y. Qui veut aller en caisse? Tu veux aller en caisse, Lolo? Non, ça va aller, t'inquiète, je vais tabasser. En vrai, tu peux, hein, mais Lolo. Non, ça va, frérot, t'inquiète. Allez, vas-y. Moi, si vous voulez, j'aime bien mettre les stocks et j'aime bien la caisse. Non, va en caisse là. Va en caisse pour cette. Mais attends, parce que moi, je crois que pour le tuto, il faut que je tabasse un voleur. Oui, t'inquiète. On te dira dès qu'il y aura un voleur, on va te donner. Tu lui mettras une belle patate. Déjà, les stocks. De toute façon, à côté de ma caisse, je garde quand même mon balai au cas où il faut. Prenez un balai à côté de la caisse. Oui, mais t'inquiète. Moi, j'ai le balai dehors, t'inquiète pas. Là, tu l'as, Xav, toi. On a tous il y a un balai là, voilà, on va le mettre là. Allez, bon, on attend les clients, les gars. Hein. Ouais, deux caisses pour 4 oh, non. les points de franchise, on les utilisera plus tard. Non, Xary, non. Mais je serai plus tard. Xary, tape les gens. Ouais. Non, c'est bon. Oh là, non, t'as les gars, j'ai la menthe est trop chère, mais on s'en bat les couilles, frère. Tu vas acheter, chien. On s'en bat les couilles. Tu vas acheter le cabot, je te le dis. Le sel est trop cher. Mais tout est trop cher, on vend rien. Putain. Non, tant pis, on vend quand même, t'inquiète. Attends, je m'occupe des prix, je m'occupe de la mise en rayon. Allez, reste en caisse. Eh, Domingo, tu savais que ton magasin est maintenant prêt à ouvrir pour permettre aux clients d'entrer et appuyer sur le bouton vert. Ça, c'est trop chiant, c'est là, le tuto. Là. Non, mais parce qu'il va y avoir des voleurs, moi, je les attends. Super, attends. Ah non. Mais comment ça, on a un caissier? T'es prêt à un caissier? Bah. Quoi, c'est qui? C'est peut-être caissier. Un mec qui s'appelle mais caissier. Il est là. Allô, caissier. Dans la main. Allô, caissier. Il branle quoi, caissier? C'est qui? C'est peut-être Franck. Hein, je sais pas si vous l'avez. Oh, oui. Avec la caisse, je sais pas. Mais attends, parce que normalement, on n'a pas d'affectation et tout. Il y a un mec qui a joined la game. Il faut faire x2 moins 10 centimes le prix au max. Merde. C'est bon. J'ai mis. Je suis bien là. La menthe trop chère. On était à moins de x2. Hein, donc c'est vraiment des abusards. Hein. C'est un employé, ouais, mais on l'a pas pris. En vrai, la vérité, il était livré avec la caisse. Hein. Ah, je pense, ouais, à la deuxième caisse, en mode... Bah, il est pas mal, hein. Avec Xary derrière la deuxième caisse, ça vous formez un beau duo, hein. Ouais, alors par contre, je vous le dis ici, hein, à 14h... Mais mec, t'étais pas obligé d'y aller à la base. À 14h, je suis plus là. Hein. Tu t'y es mis volontairement, et ensuite tu fais le mec bougon. Gigi, il est en train de gérer les... Volontairement, on m'a dit que j'avais la caisse. Les gars, je crois qu'on a notre orga parfaite, là. La menthe poivrée, je vais la monter, hein. Je la monte à la moindre poivrée parce de que quoi, là, c'est un scandale qu'on l'a vendu peu cher. Pourquoi il se plaint? Il hurle. Pas, il se plaint tout le temps. Il y a des mecs à ma caisse alors qu'il y a un mec qui est payé pour. Moi je suis un des gérants, j'ai pas que ça à foutre. Mais c'est bien, mais oh lolo, mais il est détestable. Hein, c'est... Ah, il est horrible. Oh, en vrai, je crois pas qu'il y aura du voleur, hein, je rigole même pas. Hein. Non, il n'y a pas un seul. Il y a deux caisses, rien. Et puis il taffe un autre. Non, mais en fait, je pense qu'on avait beaucoup de problèmes avec justement le. La gestion au début. Ouais, hein, parce que les gens. Mais c'est bien qu'on ait ce mec-là. Hein. Et par contre, Xary, si tu quittes la caisse au final, c'est bon. T'es pas obligé de rester, vas-y, quitte non, la caisse. Parce qu'ils y vont, les cons. Bah ouais, parce qu'en fait, ils choisissent une des deux caisses indépendamment, tu sais, en mode. Mais non, mais si tu fermes ta caisse, s'il y a personne sur ta caisse, c'est bon. Ah, mais je sais pas si tu peux la fermer. Ah, ils choisissent celle du Xav à chaque fois. Hein. Je sais pas si on l'aime, en fait. C'est vraiment le meilleur caissier. En même temps, il est tellement agréable que. Lui, c'est grand sourire, hein. Taka, il te gifle. Ok, si tu veux. Ah, c'était le mec qui avait le balai hier. Ah, le prochain qui me paye en espèces, je lui mets un coup de balai. Voilà, hein. Ah, tu vas mettre ta basse. Hop là, on va mettre une petite balayette au Xav, comme ça, tranquillement, histoire que. Toi, tu tiens bien, Lolo, devant le magasin. Y a ah oui, non, mais je peux te dire, il y a personne. Hein. Je vérifie le stock. J'ai les trois entrées, là. T'es vert, je vais reprendre. Mais tu sais que je pense que c'est peut-être. C'est peut-être un humain. De quoi c'est peut-être un humain? Qu'est-ce qu'il y a?
Tu penses à un mec qui est dans une chatte, il s'est rename caissier, il s'est dit bon, je vais me faire une soirée là. Tu vois, c'est un viewer à nous, mon frère. Après, il est brillant. Hein. J'ai jamais bah, après, il est top. Hein. Il est top si. Lâche rien, caissier. Hein. Non, mais caissier, il est génial. Hein. Bah non, mais premier degré. Hein. J'imagine le gars qui se dit bro. Mais beaucoup plus efficace. Ce soir, je me mettrais bien la caisse. Yo, il dit. C'est lui, c'est un mec. Mais non, c'est vraiment un mec. Mais oui, il a dit yo dans le chat. On va mettre ça dans le chat. Bah dans le chat du jeu. Ah, dans le chat in-game. Mais oui. Ah merde. Il bah, a dit yo. Mais... Ah, non, plus, mais il fait tout bien, il fait tout bien, il est adorable. Hein. Il est trop fort surtout. C'est notre non, c'est impossible. C'est notre employé qu'on ne paye pas. C'est... Il y a d'autres non, mots pour ça, mais c'est... Non, C'est un fou de calcul mental, il s'est dit allez ce soir on se met à l'épreuve là. Et si caissier, si tu pouvais allumer ton PC portable et faire les deux caisses d'un coup parce que c'est chiant quand même. Le côté c'est un peu casse-cou. Par contre, il faut pas qu'il fasse de trop grosses erreurs parce que sinon on va payer cher. Ouais. Non mais il est parfait, honnêtement, il est on point. C'est mais s'il y a des trois mecs qui veulent passer là du chat hein, juste à la caisse. Tant qu'ils rendent pas des 50 dollars. Nous on va changer de jeu, mais si vous pouvez faire tourner un peu là. Et puis on vous regarde, hein, nous en gros on se met au balai. Nous on fait 2-3 vannes à droite à gauche. C'est tiens, Lolo, fais un peu la caisse là. Non, t'inquiète, frérot, je suis au balai. Mais fais la caisse. Vite à l'heure, il y a du voleur. Mais Loan, il est en angoisse. Loan, il a peur du calcul mental. Non, non, le calcul mental devant le chat. Je crois qu'il a peur du calcul mental. Mais il n'y a pas de calcul, frère, c'est écrit ce que tu dois rendre. J'ai senti qu'il était en pression. J'ai les larmes. Le calcul mental. Non, non, t'inquiète, je vais garder le balai, je vais garder le balai. Comment ça, il n'y a pas de calcul? Pourquoi tu te plaignais des prix tout à l'heure? Mais oui, c'est ça. Parce qu'il faut cliquer, c'est juste chiant. Ah, bah, il y a tout un taf quand même, c'est pas rien. Oh, j'ai les larmes. Il y a pas un autre mec qui veut caissier là, c'est chiant. Attends, on s'est fait voler là. Mais ils n'arrêtent pas de voler là depuis tout à l'heure. Non mais en tout cas, merci déjà plus, à lui parce que c'est top. J'aimerais bah, c'est payer que... par contre. Ah oui, mais oui, mais il parle vraiment. Attends. Hein. Oh mais on non, va mais se payer, tiens. J'aimerais être payé par contre. Viens là, viens là. Allez, Xav, balaye-le un peu là. Non mais le fait qu'il se soit appelé caissier, j'ai les larmes par contre. En vrai, c'est exceptionnel. En vrai, c'est Clint, il nous fait un roleplay ou juste collègue, il arrête de parler dans le chat, mais sinon. T'as pas un pote avec toi sur Discord pour la seconde caisse, frérot? Oh putain, je vais tout foutre. Ouh, il est exceptionnel. Oh le caissier. Non, mais c'est une légende, hein. Caissier, légende. Merci. Caissier, merci légende du supermarché. Oh, mais pourquoi? Oh, oh, il est monstrueux. Hein. Putain, moi je pensais que c'était un bot, mais vraiment premier. Mais même, il a trop bien timé. Il a trop bien timé, il arrive en même temps que la seconde caisse. Je suis caissier. Ah, mais toi, caissier. Les gens du club. Oh, les larmes. Oh, merci, caissier. T'es en live, frérot. Mais laisse le serveur ouvert toute la nuit. Oh, là. Je vais saigner du nez, je rigole même pas. Oh putain. Putain, caissier. Les gars, au niveau du stock, on est bien ou pas? Ouais, je recommande un petit coup là, mais on est pas mal, ouais. Beaucoup de sel. Voilà, je dois te donner des infos, quoi. Non, mais c'est un truc de dingue. Bon, vas-y, on va lâcher le balai. Hein. Caissier fait un taf de malade. Hein. Je vais juste mais là, explode. En vrai, juste, on peut investir, hein, ça peut aller plus vite, là. Qui c'est qui vient de racheter des stocks, là? Vous venez de racheter? Moi, j'ai racheté, là. Racheter... Vas-y, bien joué, mec. Je remets en rayon. Oh, mais c'est vrai que là, la vie est plus simple, hein, quand même. Parce que je pense que c'est surtout que juste... le mec est trop chaud, en fait. Attendez. Excuse-moi, Gigi. Ouais, vas-y, mec. Faites juste un peu de silence et écoutez les bips. Le parce code que, de la caisse, c'est honnêtement, lui. Hein. Il bosse super bien quand même. C'est, moi, j'entends. Il y a personne si Xav. Ah, moi, ça me aussi. Fume. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends Xav et ça aussi, enchaîne. Xav aussi là. Ah oui, non, mais Xav est là. C'est vrai, mais. Manquons pas de respect à Xav quand même. Bah, Xav, il veut concurrencer les caissiers. Il parle plus. Il veut le battre. Ah. Non, mais tu veux que je prenne la caisse, Xav? Ouais, avec plaisir. Bah, tiens, vas-y, je veux bien. Attends, reprends les stocks de riz, tiens. Vas-y, je vais à la caisse. Par terre, là, j'ai posé le carton. Ouais, par terre, ouais. Par terre. Le riz, t'inquiète, j'en mets. Oh là là. Aussi. Oh, mais quelle légende. Vite à deux, hein. Moi, je suis vraiment. Par contre, quand tu fais des stocks, heureusement que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Putain, la vache, j'ai tout le temps à courir.
Après, tu peux payer des mecs ou inviter des mecs qui font les stocks. Ouais, s'il y a des mecs qui veulent mettre en rayon à la limite sur les chats. Si y a un mec qui veut s'appeler Stock, si y a un mec qui peut faire juste les retours à la poubelle, les gars, ce serait cool. Hein. Un mec qui s'appelle genre poubelle. Pitié. Si aussi un mec, juste tu te signes poubelle, quoi. Juste, tu peux nous le faire. Merci à en lui. En vrai, hein, s'il y a quelqu'un, je lui file l'identifiant Team Viewer et je vais aller bouffer, moi. Si tu peux pas aller jouer à ma place. Je vais juste quitte. J'ai juste quitte le jeu. Ah, c'est exceptionnel quand même ce qu'il nous a fait. C'est un gros. Moi, je m'y attendais vraiment pas. Non, ah, mais moi, j'étais en mode, oh putain, deuxième caisse. Boum, petit, non, mais gros, mais vraiment, le timing qu'il a eu. Ah, le timing était fou. Oh putain. Il est arrivé au même moment et il s'est posé en fait. Il a du scope, bam, il s'est dit, je vais à la caisse. On me voit pas en fait. Ah, mais en vrai, il y a un délire. Plutôt que de faire un serveur Minecraft, tu fais un serveur supermarket. Serveur qui est juste 10-15 minutes. Tu te coûtes, tu vois 15 mecs à la caisse. Dure journée. Alors les gars, vous avez bien bossé aujourd'hui, les cons. Oh, vas-y. Ouais, 100 000 euros de chiffre d'affaires, ouais, va falloir un petit peu accélérer. Par contre, sans faire le mec, il nous reste que 840$. Hein. C'est à chier quand même notre journée, non? Bah, ouais, en fait, on va faire 1000 par 1000 quoi. Ou pas, quoi. En fait, ouais, le truc, c'est qu'on voulait peut-être un employé, mais. Non, mais là les gars, je vais le dire, j'ose le dire. Allez, j'ose le dire, ouais. Je le fais. Oh non. Avantage à qui, c'est quoi ça? T'achètes quoi? Notre produit, oh non. Non, maintenant qu'on a caissier, mon pote, je te jure, la vie. Ah, mais alors faut acheter. Par contre, prends pas trop de produits, frère. Non, mais là, t'as acheté 5 trucs. Ah, parce qu'eux, ils vont le demander en fait. Ah, mais là, on est mort, ils vont demander 20 000 trucs. Ah, ils vont demander. Ils vont rien demander, t'inquiète. Oh le con. Non, mais là. Là, il y a genre. Il s'est pareil qu'avec les recettes, pour rappel, avec les recettes. C'est exactement ça, là, il y a 16 produits minimum à avoir, il faut en avoir 100 de chaque. Quel débile, on a mis les étagères pour les poser. Mais bien sûr que si, bouffon, je suis en train de faire quoi? Oh là 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 là. Il va falloir acheter des réfrigérateurs et tout. Ah, ça c'est bon ça. Mais congélateur, réfrigérateur double ou de base, vous préférez quoi? Oh, là, là, les frères, t'as mais c'est 600 balles le frigo, je crois. Ouais, t'inquiète. Bah, et tu sais quoi, le temps que tu prennes les produits pour l'instant, je mets du riz et tout en rayon. J'en ai rien à faire. Oh là là, c'est beau ça. C'est bon ce que je te produis là. Oh putain. Voilà bon, les gars. C'est bon, je quitte un peu la caisse. Alors, je vous régale pas. Ouais, mais là, le souci, c'est qu'il faut commander en plus après. Parce que là, bah, y a... T'inquiète, je m'en occupe. Moi, je vide les stocks hein, pour l'instant. Je mets tout dans les nouveaux rayons. Au moins, comme ça, ils achèteront. Je m'occupe des commandes, vous voulez quoi? Et qui a tout ramené là? Non, le truc là, les zéros, c'est moi qui ai mis dedans là. Ah, okay, j'allais les jeter après d'abord, je mets tout dedans. On a 151 balles, on a rien en stock, c'est immonde. T'inquiète, si, ça arrive, regarde. Si, ça arrive, t'inquiète. Par contre, faites gaffe à pas réouvrir des trucs, je crois. On a deux fois du thé. Non, c'est bon, c'est fini, on rouvre plus rien là. Non, mais en rangement, on a genre à deux endroits Thé. Attention, bien sûr, attention. Hein. C'est juste qu'on n'aura pas la place pour tout. Par contre, faire, on gagne plus d'argent quand on met des mandales au McDo. Hein. C'est vrai que, ouais. Franchement, hein. Peut-être mieux qu'ils nous volent. Hein. J'ai fait des frigos, les gars, des frigos doubles. Je vais envoyer des bouteilles. Aïe, bouteilles de marque que je peux pas dire. C'est quoi? De cola. Alors, et après, faut faire tous les prix, hein, Gigi. Non, mais c'est une blague. C'est... Hop, je prends tout. Hein. Pourquoi je peux pas. Pourquoi pas dire contrat, le contrat au lit, hein, il est. Le contrat au lit. Ah oui, d'accord. Hyper violent. Il a plus le droit de parler d'eau. Je peux pas citer de marque, hein. L'eau, c'est interdit. Tu bois de quoi? J'avale ma salive. Je vais mettre ça là. Hein. Ouais, bah je mets avec moi. Putain, j'ai pas trouvé ça. Farine, parmesan, il y a tellement de trucs qui manquent. Putain, mais c'est clair. Ouais, là, c'est. Arrête. Soda. Ça change rien, Xavi, ça change rien. Ils vont rien voler. Ils vont juste pas trouver ce qu'ils ils reviendront. Non, parce que du coup, ils se barrent. Bien sûr. Mais les gars, nous sommes dans un jeu vidéo. Même s'ils trouvent pas, ils reviennent le lendemain. Qu'est-ce que vous cassez les couilles? Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr. Mais moi, j'en suis sûr. Et je te rappelle, c'est le but du jeu. T'es sûr de ça? Eh ben, la vie de ma mère, dès qu'on arrive 500, j'achète l'espace magasin. Voilà, c'est dit. Il a tout pris. Non. Mais dans ce cas, prends un caissier pour le coup. Mais qui est con? Ben, on a un caissier. Non, déjà, il est déjà. Il est là, caissier. Allez les gars, sublime. Par contre, le prix, faut les changer là. Faut changer les prix. Ouais, t'inquiète, j'y vais. Ah bah Xav aussi, putain, j'ai bien, bien joué le GOT. Mais il est où? Par contre, on peut pas faire autre chose que molette pour augmenter les prix. Non, c'est de la big chien. Ouais, ça c'est de la merde ça. Ça c'est. J'envoie, t'inquiète, je m'occupe du Zap Soda. Hein. Il est violent le Zap Soda. Ah, c'est vraiment énorme. C'est quoi le Zap Soda? Attendez, parce que normalement j'ai embauché un gars. Je n'ai pas trouvé yaourt à la vanille. Un yaourt à la vanille, il faut acheter, mais c'est dans le réfrigérateur. Je n'ai pas trouvé brique de lait. Excuse-moi, caissier, parce qu'en fait, il y a le deuxième caissier qui est. Caissier, faut vraiment pas que tu nous. Non, il faut juste changer de caisse, caissier. Parce que l'autre, il veut cette caisse, je crois.
Non, ouais. Non, il l'a mal regardé. Oh non, il part en égo. Il manque pain de mie, fromage, huile de tournesol, non, oh, poivre. Oh merci. Oh non, mais attends, non, mais excusez-moi. Non, mais... Margarine, oh là là. Non, mais pause, 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 non, mais pause, pause, pause. La gentillesse du gars, c'est-à-dire que c'est... franchement, s'il nous entend, c'est le gosse. C'est qui cette personne là? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais on a un employé maintenant, comme ça. C'est on peut... un vrai employé, lui. Il est. C'est un humain, c'est un humain. Hein. Eh oh, Gigi, on rigole, mais il manque 1 milliard de trucs là, donc. Eh ben, j'en connard. On n'a pas assez de fonds. Regarde, 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 elle trouve rien, la pute. Pardon, oh, non, oh, non, non, oh, non, non, oh, ça va pas, non. Mais attends, ça va pas, toi, t'es fou, toi, ça m'énerve. Non, mais attends, Xav, tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, mais là, t'as trop pris le soleil aujourd'hui, toi. C'est ouf, ça. Non, mais attends, mets ta casquette. J'ai des yaourts, mais les yaourts, on les met nous faire. Waouh! Bah je la lâche, il est en train de péter les plombs. Oh non non mais là Xari. Prends plus fort bébé, mon dieu. Hein? Elle a dit ça? Hein? Et les gars, juste les yaourts, on les met où? Parce qu'on a pas de frigo. En bas, le dernier en bas, tout en bas, tout en bas. Mais là putain, il manque, gars, il manque tellement de trucs. Mauvais type pour ce con. Les gars, c'est pas grave. Parmesan, il y a plus de place. Il y a plus de place en bas. Mais c'est pas grave. Non mais si, c'est déjà des yaourts. C'est très bien. C'est d'autres yaourts qu'il a pris? Mais oui, c'est bon, c'est bon. Alors là, le parmesan, on a pas. Mais on a rien, on a pas de rien, pas de poivre. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Ta gueule, j'accepte ton petit. Oh là là, ils vont revenir, les mecs. Vous êtes trop. Mais gros, là, on a même pas de quoi les mettre tous, les produits. Mais tu bosses pour Big Brother ou quoi, mon pote? Mais gars, on a 86$ et on a 27 produits à rajouter. La vache, putain, et son baron, c'est Edouard Leclerc ou quoi? J'y crois pas. Mais qui c'est qui a reçu ça, là? Je suis en train de faire les prix, l'autre, il me tabasse. Attends petit à petit, petit à petit, on va le faire, on va le faire. Mais non, oui, c'est vrai que c'était un peu, c'était ambitieux, c'est un peu osé, mais tu sais quoi, on avait besoin de ça. Oui, mais voilà, non, mais c'est vrai que ça nous a dynamisé. On se reposait trop sur Caissier, on l'embrasse, Caissier, on se reposait trop sur lui, et on n'avait pas assez de produits, ça voulait trop prendre son temps, etc. Oh, cette balle, c'est peut-être. Ah, c'est x2, oui, ouais. Non, c'est x2, hein, mon pote. T'as payé combien l'autre caissier? L'autre caissier? Vous avez un nouveau caissier là? Oui, il y a un nouveau caissier, mais pas. On sait pas. Elle a pas de nom. Il bosse, ouais, bosse pas. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est vraiment. C'est François Fillon. Ah là, c'est fini la journée, hein, on est 22h30. Oh, putain, faut valider. Ouais. Et par contre, les yaourts, ils vont pourrir, on en a 6 pas au frigo. Mais non, on s'en bat les couilles. Non, c'est mais ça, Osef, Osef, quand c'est dans les stocks, ils pourrissent pas, ils pourrissent pas, t'inquiète. Ah ouais? Ouais, j'ai non, eu mais là, le problème, là, les attends, on a du stock, on a du stock. Bougez pas, attendez, il faut faire l'inventaire. Oh là là, vous avez jamais bossé ou quoi? Alors. Il manque legit 15 produits et on n'a pas de quoi. Non, mais c'est bon, on a compris, ça maintenant pour avancer. On a mais on ne peut pas avancer, on n'a pas l'argent pour acheter. Mais c'est bon, bah du coup. C'est que Xari, on retire toutes les mauvaises ondes dans les enlèves. Non, mais les deux, sinon ça a fini. Il met des coups à tout le monde. Dès que le sel, il y en a un des deux qui part, on met que sur l'étagère. C'est ma faute, c'est moi qu'on avait fait tout à l'heure. Là, on a une place ici pour un nouveau produit qu'on mettra juste après. Si, on peut pas l'enlever. Juste dès que les mecs auront dévalisé une étagère, on remettra que sur une, quoi. Il y a Caissier qui est en train d'extérioriser. Il vient de mettre des balais. En bas ici et ici, les gars. Pareil, on a de la place pour des nouveaux produits. On a un peu de ketchup, on a un peu de bouffa là. Les amis. Non. Est-ce que... Si, venez. Venez dans nos stocks, je vous présente un nouveau. Je vous présente un nouveau. Je vous présente poubelle, les amis. Bah, dire caissier, non, c'est... poubelle, il peut. C'est poubelle. Et poubelle, il ressemble à un. Oh, poubelle est là. Bon, on a caissier et poubelle. Bah, après, c'est poubelle, il peut faire un peu de caisse, non, comme ça, ça nous. Non, chacun son rôle. Enfin, il y a un moment. Oui, il va se faire chier, poubelle, parce qu'il n'y a pas grand chose. Non, mais là, on a bossé pour aujourd'hui. Là, il a ses stages d'observation. Il apprend un peu comment ça fonctionne. On le regarde comme un animal. C'est poubelle, oh, j'envoie du. Pierre de mon boulot. Non mais caissier, t'as été énorme. On espère que poubelle sera au niveau de caissier. Caissier, t'as juste été énorme, mec, c'est sublime. Ah, c'est du management positif, ça va super bien. J'envoie du beurre paysan, les gars. Voilà, on a plein de choses. Par contre, il va falloir y aller sur les stocks. Attention, hein. Mais poubelle, il se cache près de la benne. Tu peux exister, poubelle. Non, mais je pense qu'il se dit qu'il reste juste à côté de la poubelle. Il a déjà compris qu'il fallait pas poser là. J'ai mis un carton dans la poubelle. C'est du. Voilà, c'est bien. Nickel. Jusqu'à la poubelle. Non, mais là, les gars, on a une équipe de choc, hein, pour l'instant. Pardon, caissier.
caissier, les caissiers, nous on s'occupe des stocks, les gars, on a caissier et le bot avec nous. Ok, ouais, très bien. Non, mais oui, nous on est en full stock, nous on a juste à faire les stocks, les rangements. Le problème, c'est qu'on a pas de thunes. Non, alors on a pas de thunes. Mais alors, juste, comment on peut. Est-ce qu'on peut récupérer des étagères en mettant dans un carton vide? Non, on peut pas faire ça. Hein. Non, si on peut, mais il faut le carton vide du produit. Ok, d'accord. Donc, ah, mais la poubelle s'en est chargée. Parce que là, on a quoi? Là, on a un étagère. Attends. On a de la menthe. Les gars, je vous présente un nouveau diamant. Non. C'est ça. Il est où? Non, mais là. Il est là dans le stock. Là, c'est. Il est dans le stock. La stock. Oh, la stock, poubelle et caissier. C'est magnifique. Mais là, on va faire. Moi, les gars, je propose qu'on. Non, caissier, tu restes au chouchou, Non, t'es énervé, on sait que t'es énervé, mais t'es super à ton poste. On prendra jamais un autre caissier que toi. T'inquiète, nous on s'occupe de la logistique, nous on est patrons. C'est que là, on va plus faire grand chose. Ah bah là, il y a encore beaucoup. Il y a quand même beaucoup à faire, hein, on dirait pas. Vous voulez que je dépense un nouveau point dans les points de franchise? Non, parce que nous, on a besoin d'argent. Pour avoir la pizza barbac. On peut pas faire un prêt, en vrai? Ouais, je crois. Un prêt? Ouais, il y a moyen. Est-ce qu'on peut faire un inventaire de tous les produits qu'on a pas? T'es chiant, putain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté des trucs, le mec, il est addict. On doit 70 produits maintenant, putain. Regardez, si tu le fais pas pour nous... Poubelle, il sait pas s'il a le droit de rentrer. Poubelle, tu peux pas rentrer. Poubelle, tu rentres pas, toi, c'est juste les allers-retours. Il est là, il est dans le coin, regardez. Tu peux pas aller plus loin qu'ici. Oh non. Ah oh merde, je me vomis dessus. Ah sa mère. Ah là, on est dans la merde. Oh là là, non mais là, excuse-moi, mais là c'est la... Après les gars, la vérité, on a de la main d'œuvre gratuite en plus de ça. On est pas dans la merde. Mais là, c'était une des plus grandes scènes de RP là que... Ça nous donne des objectifs, les gars. Ça nous donne des objectifs. Mais oui, mais oui. On était déjà. Non mais oui, mais tout va bien, mon Xav, tout va bien. Oh Xav, c'est bon. Il passera pas la suite. Vraiment. On peut pas là, c'est fini là. Tourne la page. Je t'en supplie, Xav. Ah, il s'est enfui. Non, c'est chiant, Xav. Allez, on lance. Tu peux lancer la journée. Lance la journée, gros. Oui, on a oui. Attendez. De ce qui nous manque. On sait même si, pas. Si, alors, non, mais en fait, il nous manque tout. Il nous manque. Je te dis ce qui nous manque. D'accord. La liste est infinie. Non, mais alors, ce qui nous manque, c'est la margarine, la farine, le jus de pomme, l'huile de tournesol. Le parmesan, ça on a. Le pack de soda décaféiné. Le reste, on a pris des bouteilles, ils peuvent patienter. La pizza barbac, la fondue, le jambon croquant, la crème. Vraiment, jambon on a tout fromage, ça. Frites, pot de pommes de terre croustillant, oh, haricots verts. Voilà, c'est oh, juste là, ça. C'est fini manque. Là. Mais c'est arrêtez fini, de dire là, que c'est fini, hein, je vous le dis. Hein. Mais non, mais putain, mais les gars, c'est une folie. Vous pensez vraiment que les. Ouvrez au pire, comme ça, on refait les stocks et tout. Mais voilà. Oui, mais il y a stock en plus de ça pour ouvrir. Mais si on s'apitoie sur notre sort, là ce qu'il faut faire c'est dès qu'on a des sous, boum, on envoie des nouvelles étagères, boum, on envoie. Et ouais, ça je suis d'accord. Gars, ça. C'est parti, on a une épicerie, non, on a une équipe. On a stock, on a poubelle, on a caissier. Il y a Balay qui est apparu. Ah, il y a Balay qui est avec. Il y a Balay qui est arrivé aussi. C'est même pas écrit. Ah, non, c'est Balay. Voilà, Balay est avec nous. Mais on peut jouer jusqu'à combien de jeux parce que là c'est un. Je sais pas, on est une équipe. Envoie une nouvelle journée. Allez, nouvelle journée, je t'en supplie. On y va. Je passe juste, on regarde si tout le monde fait bien son taf. Y a pas un mec qui veut s'appeler Tuto et qui vient juste effacer le tuto. on est pas mal. Ouais, on est bien. Produit non trouvé, 25. Allez les gars, on est une équipe. Bah ouais, mais c'est pas grave, ça. On a une belle team maintenant. Allez les gars, allez, caisse à la caisse. On va de l'autre côté. Allez, chacun son taf. Ah, poubelle qui est déjà en place. Moi j'aime énormément, caissier. Mais poubelle, j'ai vraiment un petit affect pour lui quand même. Oui, c'est vrai. T'as envie de le prendre dans les bras avant d'aller travailler, quoi, tu vois. Ah, poubelle, okay, il. Je m'occupe des prochains stocks, les gars, de ce qui nous manquera, d'accord. Qu'est-ce qui va coûter le plus cher? Évidemment, prix unitaire. Tac. Ah, de toute façon, on n'a plus rien. Sur 20 balles, hein, frère, on peut rien acheter. Mais il n'y a pas rien acheter là. En fait, le problème, c'est que même si tu achètes des stocks, on ne peut pas les poser. On n'a pas d'étagères. Si, dans les étagères. Si, non, mais il reste de la place pour le coup. T'inquiète. Yaourt, fruits, briques de lait, pack de soda. Voilà, c'est vrai. Fromage gruyère. Ah, le fromage gruyère, ça se prend. Yaourt à la vanille. Ah, il n'y a rien trouvé. Alors qu'on aurait été une multinationale avec toute cette équipe. Non, t'inquiète, on va se faire des couilles. Allez, il est prêt. Les gars, on va se faire des couilles en or, je vous préviens tout de suite. T'achètes quoi là du coup? Le format, bah, dès qu'on a un peu de sous, je vais acheter.
trouvent rien, ils trouvent pas les Mais si, ils vont trouver, t'inquiète, t'inquiète. Mais oui, mais oui, personne encaisse encore. Personne encaisse. Qu'est-ce qu'il dit pas ? Et caissier est où là ? Oh non, mais là, là c'est infernal. Là. Non, mais là, en vrai, là c'est infernal. Là, c'est. Elle est baisée, la game. Non, mais arrêtez, arrêtez de dire ça. Non, les mais gens personne n'achète, du coup, ils se barrent. Mais si, ah oui, si, regarde. Non, là, eh ben, bon, vous voyez pas, les bouteilles de cola fondra vue de nez. Et attention, excusez-moi, je vois Stock et Balai qui sont en train de se taper là. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais dehors, Stock, déjà ? Pardon, mais c'est. La place, elle est là. Non, mais l'autre, il nous tape. Bon, on a rien dit là pour le fait d'être analphabète, mais bon, quand même là. Oh, oh, oh. Hop, j'achète direct. Allez, hop, on est une équipe, on est une équipe, les gars, on est une équipe. Tous ensemble. Et les gars, ça part, sécu, hein, ça part. On est à flou, on a 45 parce que, non, mais c'est bien, comme ça, Gigi va pouvoir commander regarde, tout là. Regarde, je commande de tout, je commande de tout. Tac. Hop, j'ai commencé avec les packs. Non, comment il va. Allez, poubelle, poubelle, faut envoyer en poubelle, hein, par contre. Oh non, mon petit cœur, il se. Oh non, je l'aime trop. Oh, il court là. Oh là. Stock. Non, Loan, il y a Stock, ouais. Pardon, non, mais j'ai pris son taf, vas-y, excuse. Il a pété non, non, poubelle, non, poubelle. Non, là, faut se. Non, poubelle, non, poubelle. Non, c'est je bon. Vois des briques de lait. Ouais, ouais, c'est bon. Stock, il y a plein d'autres trucs, Stock, si tu veux. Est-ce qu'il y a des yaourts qui ont été pris ou pas? Oh, il met direct. Hein. J'ai pas de thune. Le problème, c'est que Stock, il a pas de place pour mettre les trucs. Ah, mais Stock, faut peut-être que tu mettes dans le stock. Parce que sinon, vraiment, nous, on est en. Ouais, le mieux, c'est qu'ils mettent dans le stock. Hein. Ce que j'ai acheté, c'est pour les étagères qui sont vides. On est là, Balai, t'inquiète. Le mieux, c'est vraiment de mettre dans le stock. Legit, il n'y a aucune étagère vide, je vous le dis. Menteur. Non, menteur. Je vais en trouver une en deux. J'ai de stock. Hop, trouvé. Oh, les gars, on va se faire des couilles en or. Je vais rien acheter jusqu'à l'huile de tournesol. Préparez-vous. Préparez-vous, c'est tout the moon. Mais si, si, là, on a plus rien à faire. Mais si, on a plein de choses. Bah, en même temps, on a 2000 stagiaires, frérot. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Après, on les paye pas. Hein. C'est vrai. Ouais. Les étagères, ça coûte combien juste pour savoir à quel point on est dans ouais, la c'est merde, ça, en fait. Ouais, c'est les étagères. Vas-y, on va attendre 250 pour la prochaine étagère. Vas-y, vas-y. Il faudrait peut-être un frigo aussi, parce qu'on va avoir beaucoup de trucs parmesan, etc. Pour l'instant, le frigo, c'est pas la priorité. Petite étagère, on fait des serpentins en étagère et tout, les gars. Il n'y a pas les prix sur les nouveaux produits. Mais allez-y, mettez les prix. Hein. Je m'en fous. Ok, vas-y, je vais check les prix. Vas-y, check les prix. Mais bah, j'ai rien à faire en fait. Plus personne n'a rien à faire. Donc, si tu pouvais me laisser les prix. Oh, je te laisse les prix. Je m'en fous. Je veux juste de la thune. C'est bizarre de foutre le beurre quand même sur une étagère. Ouais, mais c'est comme ça. Ouais, on est aux États-Unis d'Amérique du Nord. Hein, ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. C'est quoi les trucs, les nouveaux trucs qu'on a mis et l'autre on la mettra. On sait plus là, on a 70 produits d'un coup. On a un fou là qui a pris les commandes. T'inquiète, je m'occupe des prix, je m'occupe des stocks, je m'occupe de. Tu t'occupes de toi, on a compris. Non. T'inquiète, je m'occupe des prix, je restocke. Je joue tout seul. Cassez-vous de ma game. Je vais vous dire. Qui c'est qui est devant moi là? Je vois rien. Pardon, excuse-moi, je suis super mis. C'est pas votre taf, monsieur. Huile de tournesol, ça va faire un peu cher. Je vais prendre du pain de mie, tranquille. Vous pouvez mettre dans les nouvelles étagères. C'est parti, comment ça passe? En plus, l'étagère est magnifiquement placée. Hein. Mais oui, mais Xary, c'est fait exprès. Oh là là, Xary, putain! C'est une folie de pas aimer les gens comme Xav, ça. Xav, tu veux mettre les prix des pains de mie? Ouais, je mets les prix là, t'inquiète, je suis en pur délire là. Ah ouais. Hop, moi je remets un peu de sucre en poudre. Allez, j'envoie du poivre. Le lait, c'est pas grave là, celui-là, s'il est pas au frais, c'est pas. T'inquiète. Et je vous envoie, moi. Allez. L'autre il a brillé complet là. Pain de mie, allez les gars. Xary, les prix, Xary. Qui gère les prix? Xary, les prix là, frère. Moi je gère les stocks. Manque poivré, on va en avoir besoin bientôt. C'est pas au frais, mais Xary, mais t'inquiète, c'est pas grave. De quoi? J'ai dit, je l'ai pas mis au frais, mais c'est pas grave. Ah oui. Alors tout ce qui est gelé, on s'en bat les couilles. Ça, on y va. Tac, un petit pack de cola nouveau dans l'étagère. Ça, c'est nouveau, hein. Ça va bien se vendre. Hein. Attention à pas restock les trucs violets et tout là. T'inquiète pas. Ouais. Je suis sur le. Ah coup, mais si on peut en fait en faisant clic droit, même si t'es pas du bon carton, tu peux remettre les trucs. Ah bah parfait, ça va nous libérer des étagères. Bah libère les étagères. Ah bah on libère full étagère là. C'est bon. Là, mettez pas des doubles, hein, mettez pas non, des doubles. Non, c'est bon, maintenant on peut gérer okay, ça. Ok, sublime. On a bah, les verts, on en a ça. Déjà à gauche là. Je vais partir. Les gars, ce que je vous propose, c'est de partir sur une nouvelle étagère. En vrai, on a plus besoin de produits que d'étagères là. C'est sûr. Au moins, on a plus de produits, on a plus rien, on a plus de thunes après. Hein. Comment ça, je te laisse faire le jus de pomme en bas, Xary. Commande ce que tu veux. Vous voulez des nouveaux produits ou des anciens produits? Moi, je gère. Peu importe, des nouveaux, on s'en fout. Les nouveaux, vas-y. Et tu vois, si tu vois par exemple, genre des pâtes, tu peux nous prendre des pâtes, il nous en reste deux, quoi.
Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Le beurre, pareil, il en reste 6. Produit de base, pâte, il reste 30 en stock. Il va nous manquer du... céréales, j'ai repris céréales, les gars. La peinée, hein. La peinée, ouais, céréales, je suis en train de remettre. Normalement, j'ai repris. Ça, 79 céleri, on est pas mal. Ouais, je m'occupe des stocks, hein, c'est chaud. Hein. En vrai, on est bien là, ça tourne. On est pas mal. Ça tourne, la boutique tourne. On a 24 $. Ah non, pardon, ok, il y avait des pâtes. Ok, les pâtes, elles étaient là-haut, mais ok. Mais ouais, c'est pour ça que je bio, il n'y a plus de menthe bio, il n'y a plus de. Menthe bio, j'ai racheté menthe bio normalement, en infusion. Menthe, 25, il en reste 25 menthe normalement, donc j'ai pas besoin là. Il va nous manquer du madge, yaourt écrémé, madone, pardon, madone. Yaourt écrémé, effectivement. Ah non, du bocabola, pardon. Putain, merde, tu m'as dit yaourt écrémé, j'ai raté yaourt écrémé, c'était pas... Aussi, il va y en manquer. Ouais, vas-y, reprends en stock. Fromage mozza, on est bien, je vous ai envoyé ça. Parmesan, on en a en stock, si vous avez une étagère de libre, je vois que c'est stocké. Parmesan, on n'a pas, mais on a... Si, je vois que c'est stocké. Je l'ai. C'est pas en étagère, les gars, je vois tout de ma chambre. Je le mets où, au frais? Non, parmesan, ça se pose à même l'étagère. Ouais, tu peux mettre dans l'étagère, okay, c'est posé, Xaris, tu veux mettre le prix ici, là, sur moi? T'es posé. Depuis ma tour, je vois tout. Qu'est-ce que je vous envoie? Farine, on n'a plus rien, je vais envoyer une petite farine. Ça tient poubelle. Farine, je vois que c'est dans aucune étagère aussi. Ketchup, on a besoin, ça coûte 105, hein, c'est un petit press. Est-ce que vous voulez une autre étagère ou pas besoin, les gars? Oui. Non, je pense que c'est les produits. Achète full produit, pizza barbage. Non, mais en gros, je vous le dis pourquoi. Parce que là, pour l'instant, c'est plutôt un nouveau produit, Xari. J'ai deux trucs qu'ils demandent, c'est au frais. Non, mais là, tu as genre margarine, farine. Jambon, oui, ça, j'en ai fait, j'ai repris ça. Margarine, t'as pas pris, je crois. Margarine, pas encore. Parce que margarine, normalement, ça se met au frais, margarine. Ah, ok, d'accord. Pomme de terre croustillante. Comment tu le vois? Ok, margarine, je mets au frais maintenant. Je le vois, en fait. En fait, si je fais pas un truc, c'est que c'est au frais. C'est dans un frigo. Margarine, ça se met pas au frais. Margarine, ça se met pas au frais, je l'ai dans les mains. C'est vrai que c'est chiant parce que ils indiquent que c'est. Bouteille de soda sans sucre. Ouais, bouteille de soda, j'envoie. Margarine posée, Xari, si tu veux, sur moi. Ouais. Beurre. Fromage reggiano, parmesan. Fromage reggiano, je remets aussi. Juste devant moi. Margarine, c'est bon, c'est déjà le prix. Ok, moi, nickel. Ah, c'est quoi là, les trucs que j'ai là? C'est quoi ça? C'est déjà le prix, ouais. C'est des yaourts? Non, c'est des canettes. Fromage écrémé. Le coca, ça se met où? Je rachète des packs de soda, on vient de se faire des valises. Hein. Ouais, achète. Non, j'ai mis le soda, mais. Je peux pas. Jus de pomme, margarine. Margarine, ça se met au frais, hein, donc frérot, je n'en achète pas exprès pour ça. Hein, margarine. Huile de tournesol, fromage écrémé. Alors, huile de tournesol, il faut que j'attende un peu, c'est 341 $, donc si vous voulez, on va attendre. Wow. Tout le reste, normalement, c'est plus ou moins stocké. Hein. Ça va bien envoyer, là, normalement. Jambon croquant, fondu, pomme de terre croustillant. Mais Caissier, quel boulot pendant ce temps. Hein. Merci. Hein. Ouais, merci à Caissier, hein, franchement. Et attends, et on peut remercier aussi Poubelle, Stock et Balay. Hein. Mais Stock, il est en congé ou... je sais pas ce qu'il fait. Stock, lui, regarde s'il travaille bien dehors, je pense. Ah, ok, non. Il est là. Stock bosse bien. Ah non, il prend les stocks, il met dedans. Non, c'est un monstre. Ah non, il est parfait, Stock. Pardon, Stock. Envoyez huile de tournesol, les gars. Huile de tournesol, c'est notre salut. Donc, montez le prix avant sur l'huile de tournesol parce que ça vaut très très cher, les gars. Xari, je l'ai là, ici. Là, je la mets maintenant, ok. J'ai acheté huile de tournesol, vous pouvez monter au moins à 17 $ unité. Je rigole pas. Allez, hein. Supprimez la deuxième caisse, les gars, je gère. Okay. Non, elles sont là, elles sont gratuites, non? Qu'est-ce veut trop non, en faire, après, là? Non, mais il va avoir des voleurs, il va avoir des voleurs. Non, mon caissier, t'es magnifique, mais juste, tu pourras pas aller plus vite que les 8, je pense. On va être compliqué. Même si, honnêtement, enfin, si... Y a aucun vol, je suis un emploi fictif. Ouais, mais bon, désolé, caissier bosse bien. Ça viendra. Alors, margarine, il nous manque margarine, jambon croquant... Je peux pas, tant qu'on a pas de quoi. C'est quoi que j'ai la Xari sur moi? Je sais pas si t'as acheté l'huile de tournesol ou... Ouais, et lui de tournesol, j'ai acheté, Fais F. Huile de tournesol, ah ouais, tout a été posé. Mais attends, mais juste, mais on n'a pas changé les prix. Cola. Furlé. Bon, changez le prix pour l'huile de tournesol, hein, les gars, c'est important. C'est fait. Pardon. Ah, j'ai eu peur, mais c'est PA qui a dit ça, il était pas sûr, les gars. Les gars, ce que je vous propose, c'est que je rachète un peu de valériane, on est bien. Maintenant, on économise, on s'achète un frigo double et je peux envoyer de la nouvelle boisson. Ou alors, soit un frigo double, soit du surgelé, ok? Surgelé, okay. C'est pizza barbac, c'est des pots de pommes de terre croustillant, c'est jambon croquant fondu, frites, crêpes jambon, haricots verts, c'est tout ça. Oh là, il y a tout là. C'est tout ça, les gars. Oh là là. Mais en fait, haricots verts, c'est un truc basique, ça, on n'a pas. Congélateur, c'est 350 et réfrigérateur du coup. Ok, congélateur, les gars. Prochain achat, congélateur. Quelqu'un le pose ou j'y vais? Tu peux y aller. Ah, d'accord. C'est toi qui es à l'origine de ce. Et si jamais on a plus du tout de bouteilles de coca, etc., on a plus. Bah attends, je vais commander juste. On a plus qu'une. On se fait dévaliser. Ça, c'est soit on met le congélateur pour acheter autre chose, soit on recharge. Si, pack de soda, on en a, mais dans la réserve, je crois.
toute façon là on va attendre, on s'y attend un peu, ça va, on va se faire de la thune, être, c'est 18h45 ouais, là peut-être faut mettre des stocks hein, vous me dites ça a l'air d'être pas mal hein, ça vit la boutique, la boutique elle vit, c'est pas mal franchement hein. Là ça marche bien hein. Yaourt à la vanille, pack de soda, bouteille de soda sans sucre, bouteille bon, de soda, je vais plutôt acheter des stocks, on mettra sur le congélateur. Le tuto il nous empêche de quoi, c'est le tuto, toi t'as toujours le tuto toi Violet là, Gigi? Non moi j'ai jamais eu ce tuto, il y a que nous deux. Moi j'ai plus rien là à mettre au frais là. Ah au frais là on est en chien. Ouais moi au frais j'ai rien. Il faut du frais, il faut du frais. Bouteille de coca etc à prendre là. Ok voilà boum, vous avez pris la. Ça c'est pas frais ça les trucs verts là. Non je sais pas ce que c'est. Ça non mais je vous ai pris les bouteilles, c'est au frais, les packs. Mais du coup on est baisé pour les trucs. Xari tu mets le prix? Ouais. Allez. Je crois que le prix vu qu'on l'a déjà mis. C'est quoi cette merde? Je peux pas vous mettre je peux pas vous mettre plus de boissons gazeuses ouais, parce que prix, en fait, vous avez les yaourts qui sont dedans. Donc les bouteilles de cola, de soda sans sucre et tout, vous pouvez y aller les petits. Ça, on en a trop des Zap soda là, parce qu'en fait du coup il nous manque une étagère maintenant. En quoi, en pack? Il nous manque une étagère parce qu'on a trop de produits en fait là. Ouais en fait on a 40 trucs verts pack soda là, les verts là ouais. Tu vois, mais on peut pas les mettre parce qu'il y a plus la place. Attendez mais là c'est les c'est les stocks. Ok bah du coup il faut il faut mettre une... Jambon croquant. J'arrive. Là on est en mode goth. Ça marche bien là. Oh, bah. Bouge pas. Ouais tu la mets d'eau. Allez c'est parti. Ok j'envoie direct en fait. Tu me fais ça là c'est... Ça y va là quand même les gars. Là normalement on devrait être pas trop mal. Il manque un peu de beurre. Je vais reprendre un peu de beurre. Tac. 15. Ouais fromage mozzarella ça part vite aussi. Hein. C'est un best-seller j'ai l'impression. Margarine on peut pas. Farine. Là le prochain truc c'est... Les gars, soit on prend... Non, on prend du surgelé, non? Soit surgelé, soit du frais. Parce que ça a l'air de demander de la margarine et tout, non? Les packs de yaourt aussi, hein. Yaourt à la vanille, fromage et crème. En vrai, il faut du frais, il faut du frais. On va reprendre un double frigo. Xari, sur moi, si tu veux, là. J'ai mis du coca, je sais pas si c'est le bon prix, là, les packs. J'avoue que j'en avais que 3, donc c'est pas moi qui l'ai mis. C'est bon? C'est bon, j'ai mis le prix, ouais. Ok, j'ai mis le soda, je vais changer le prix aussi. Ah, on a déjà changé, vous êtes bon. Mais on est pas dans la merde, regarde comment ça se passe bien. Vous aviez très peur de cette journée. Non, ça se passe là, franchement. Et au final, ça se passe, c'est super, on a chacun notre. Non, c'est pour nous donner les stocks. Mais on a fait zéro bénéf, quoi. Oui, mais le truc, c'est qu'en fait, on fait zéro bénéf parce qu'il nous manque juste des. Là, on a fait zéro bénéf, mais regarde comment il a évolué le magasin. Ça qu'il faut voir. Bien sûr. Mais pourquoi tu te moques? Moi? Non, Xav, je sens. Moi, j'ai rien dit. Je sens véhément. Vilain, va. Vilain. Bon, on est pas mal, les gars, hein, quand même, là. Hein. Les gars... Ah, bien sûr. Next step, allez, vous savez quoi? Hop, c'est décidé. J'attends qu'on prenne de la thune. Hop, bougez, hop. Vous êtes où? Ok, on a une place dans le réfrigérateur. Tu reprends, là, mais il nous manque 20 000 produits, non? Déjà. Oui, il nous manque pas mal de produits. Ouais, milliard tournés, je crois. J'attends que ça passe en caisse, là, bientôt, frites, tous les trucs surgelent. Bah ouais, c'est ce que je suis en train de préparer, là. Je crois que là déjà. T'as 17 balles la bouteille d'huile. Mais c'est on l'a payé 8 dollars, nous, hein, frérot. Ouais, c'est de la très très bonne, hein. Elle est bonne, ça passe en caisse, là, ou pas? Il nous faut des thunes, là, les gars. Poubelle. Ah, il est là, je le voyais plus. C'est parti, on va surgeler, les gars. Je le voyais plus. Il y a un stock qui est en place. Le problème du congélo, c'est que c'est tellement petit. Ouais, hein. Vous pouvez en mettre combien? Vous allez me dire très rapidement. Deux dans le congélo. Ok, je vous prends les plus chers alors. 4. On a que deux produits quoi à mettre, t'as capté le truc que quoi. Deux produits, ouais. Ok, bah vas-y, j'envoie. Deux catégories quoi. J'ai pas vu ce qu'il a mis ici. La stock il arrive. J'envoie les haricots verts et j'envoie les frites. Ah, les haricots verts, okay. Aïe. Ouais, j'ai dit les haricots, mais on a le droit maintenant. Tu peux mettre le prix si tu veux sur moi, là. Mettez les prix, hein, mettez les prices. J'ai mis haricots verts. Haricots verts et deux frites. Ouais, j'ai mis les frites. Je te laisse mettre les prix. Et ça se passe, hein, ça se passe. Putain, j'aime bien cette gestion là. J'aime bien quand on se parle, quand on est posé comme ça. J'envoie un peu de farine, il en manquait. Oh, jus de pomme, on est en pénurie, les gars, faut me dire. Pain de mie, on a plus de pain de mie. Comment ils vont faire leur sandwich, les petits américains là? Ok, très bien. Produits laitiers, petits briques de lait, je renvoie aussi dans le stock. Ah, il avait pris l'iPad. T'as pas le droit, hein, stock. Il se fait plaisir. Reste à ta place. Il nous manque des pains de mie. J'ai renvoyé. Il y a une grosse commande là. Attention, infusion, je vais reprendre du citron. On a du poivre là, non? On est à 18. Ouais, poivre, j'en ai remis. Hein, j'en ai le remis lait à 80, il est déjà doublé là? C'est ça le poivre là? Ouais. Le lait normalement c'est 0,91, ouais, c'est 80 centimes la bouteille. N'hésite pas, hein, tu me donnes la ref, je te donne des prix. Non, hein. Non mais c'est magnifique là. Ok, il y a un mec devant moi. Tous les prix sont bons. Hein.
Avantage à qui? Oh, qui c'est qui a pris un avantage? Conserve. Oh, belle idée ça. Qui c'est qui a pris les conserves? J'ai pris ça et j'ai pris Wi-Fi. Ce qui fait qu'on aura plus de. C'est une bonne idée ça. Plus de clients. J'ai juste envie de jouer jusqu'au bout de la nuit. Par contre, les conserves, il y a moyen qu'on se fasse. L'aliment pour chat, c'est $162. Non, les gars, on va se la régaler. Hein. Vous avez repris des trucs alors PA. C'est quoi ça, Xari là? Non, mais attendez, moi, les gars, je. C'est pas la mentalité de. On m'a dit qu'il faut que j'aille peut-être dans le menu principal, mais j'ai pas envie de faire des collagames. Non, ok, pourquoi faire? C'est quoi ça? Le tuto, c'est trop chiant. Il y a plein de trucs que je peux pas faire parce que je peux pas cliquer sur les boutons en bas à droite. En tant que Xari? Ouais, quoi? C'est quoi là le produit là ça? Mais c'est du thé ça. Et il est où? J'ai renvoyé du thé, le citron thé les gars, j'ai renvoyé du citron thé. Vous avez une autre parce qu'on en a plus une à la fin de la journée ça disait. Il y en a trois, il y a trois boîtes noires donc. Tu cherches quoi? Oh bah dégueule-moi dessus toi. Ouais, désolé, je dégueule. Vas-y. Ouais. Jette le truc. J'arrive pas à le mettre. Ouais, c'est celui-là, celui d'en bas. Ah ouais, bah j'ai essayé, ça voulait pas. Bon, magnifique. Je vérifie les gars les stocks. Les conserves c'est très cher, hein. C'est très très cher donc on va se régaler. Hein. On va rester sur frites et haricots verts pour l'instant. Hein. Xav, tu veux que j'essaye de quitter, ouais, peut-être, ouais, quitte la game pour voir si toi ça te l'enlève le truc, c'est quand même très chiant quoi. Oh, à chaque fois il nous reste un truc putain en stock. Ouais, c'est chiant ça. C'est ouf que le tuto vous. Ouais, c'est bugué. Mais ça vous fait quoi en fait le tuto? Bon, en fait, t'es mal live out, t'as vraiment l'énorme bandeau vieux rose là, tu sais, du début violet, là. Ouais, qui prend tout le coin, ouais, il fait une colonne droite, c'est ça à droite. Moi j'ai super maintenant, sortez et achetez les boîtes, achetez, c'est tout. Moi je l'ai plus là. Moi j'ai juste un tout petit truc, hein, j'ai laissé, je m'en fiche. Hein. Moi j'ai plus de tuto quoi. Bah vas-y, hein, je vais quitter et revenir. Hein. Tu peux. Ça va pas déco? Bah ça va, je pense que la game ça la save, non? Vous en dites quoi? Faut faire fin de journée, vous pensez? T'as pas un save? T'as pas un save au cas où? Bah j'ai menu principal. Non mais vas-y, clique 100%, ça va. Mais vous voulez qu'on finisse la journée comme ça au moins ça l'enregistre peut-être? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y, envoie la journée. La journée. Fin de journée de travail. Comme ça... Combien de vols? Zéro. Okay. Zéro, magnifique, Valère. Et magnifique. On est qu'à moins 131 sur le journal, les gars. Non, c'est super. Là, on a en vrai, c'est bien. En vrai, produit c'est trop cher. Regardez les revenus. On a un produit trop cher. Ouais, mais... Beau travail tout le monde, ouais, beau boulot. Vas-y, je fais menu principal. Vraiment une belle équipe. Bien joué, on n'ouvre pas le magasin. Ah ouais, connexion de perdu. Ah. C'est fini. Charger la boutique. C'est une fin de live, merci à tous d'avoir suivi. Jour 5, continuez. C'est ça jour va pouvoir 1, vous réinviter. C'est lui qu'on retient. Est-ce que tu... Mais ça peut peut-être nous-mêmes nous reco direct. Moi, hein. moi chez moi, ça a freeze. C'est, ouais, c'est... Mais ça marche toujours, hein, par contre, moi, dans la game. Ouais, il faut revenir au menu principal et tu nous dis quand t'as relancé. Bah, je suis en train de relancer là. C'est le même code? Il faut faire charger aussi. Je pense, j'ai rien bougé donc. T'es revenu dans la game? Moi je suis bloqué, enfin je suis freeze sur le jeu. On a tout pareil pour moi, on a le congélo et tout donc. Oh bah. Si nos employés peuvent revenir. Ah oui, non, c'est caissier, ça. Enfin c'est caissière. C'est une... Caissière. Est-ce que. Tous vos employés sont partis? Ah bah ouais, là c'est. Moi je suis en plein lag là dans le jeu là. Moi j'attends de devant un mur, je suis devant le mur des chiens, tu peux pas bouger. Mais je freeze aussi là. Je pense qu'il faut que vous quittiez, hein, quoi qu'il arrive. Ah, moi aussi, je suis dans. Ah, moi j'ai quitté, je suis allé au menu principal et j'ai rejoint la même game que tout à l'heure. Ouais. Mais en fait, c'est un nouveau code, je pense, PA. Ah, bah faut juste que je vous. Ouais, vas-y, redonne-nous un code. Dans le. Attends, ouais, je vous mets ça. Si tu peux l'envoyer à caissier et tout. Ah, j'ai kické le jeu complet. Caissier, si tu pouvais. Ouais. Ça, c'est. Eh ben, comment on fait pour. Ouais, perdu. Tu l'as mis où, mon frérot? Attends, bah oui, mais en fait, tu regardes l'is qu'il a marqué. Caissier, c'est perdu. Bah, le souci, c'est que si en plus. Mais en fait, ça m'a même plus mis de code, en fait, là. D'accord. Non, mais quand t'es mais en. Quand tu fais échappe, t'as pas code. J'ai copié le code, mais du coup, ça, c'est ce que je vous colle, en fait, sur Discord. Et ça met genre en mode game mode. Attendez, je vais sur le. Et tu peux nous inviter? Bah, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Attends, on va essayer. Charger la boutique. Ah non, mais c'est bon, je peux mettre en. Ouais, tu peux choisir. Mettre amis uniquement et tout là. Ah, c'est pour ça. Ce fut un plaisir de bosser à vos côtés. Non, vous étiez magnifique, mais c'est vrai que le souci, c'est que. En fait, ce que j'ai peur, c'est que si là je remontre, tout le monde va vouloir être caissier. Ouais, tout le monde va vouloir venir. Ouais. Mais là, en même temps, ça a plus de saveur. Moi, c'est poubelle qui me manque le plus. Ah non, c'est caissier qui manque le plus. Caissier. Ah, c'est vrai que caissier. Si non, après, poubelle, il était vraiment caissier. Mignon quoi. Poubelle, moi j'ai eu un petit crush. Voilà, bah, il y a un crush quoi. On sentit que c'était un petit chat. Non, c'est pas la même. J'ai cru que c'était le même code, mais c'est pas le même code. Non.
rejoindre la Tikbou. Non mais venez pas, on a confiance, ne soyez pas, il y en a que 4 qui sont autorisés, d'accord ? Dans la game, les amis. Sinon, on va devoir quitter les 4, et tout. Les 4 qui ? Bah, les 4... ceux qui étaient là, ceux qui étaient là. Caissier, poubelle, ouais, stock et balai. Oui, mais le problème, c'est que pour la gestion, ça, mais du personne ne sait qui c'est. Donc, bah si, les gens en question savent qui c'est, ils sont pas cons. Oui, mais donc si vous étiez pas dans la game, normalement, rejoignez pas. Si vous étiez pas dans la game, venez pas, quoi, c'est juste ça. Oui, voilà, c'est simple. Ok, ça repart. Nouvelle journée, les gars. On a confiance. Bonsoir. Sinon, salut, on va devoir quitter et tout, donc... Ok, je reprends tout ça. Les gars, on est très très bien, là, j'ai l'impression. Laissez-moi voir tout... Oh, oui. C'est le big mensonge, j'ai jamais vu ça. De quoi ? De quoi ? On est très très bien. Pourquoi il y a un random qui est pas habillé comme nous, là ? C'est qui, ce con ? C'est le... On sait pas encore où il est. Boum, il peut être... C'est vrai qu'il est en détente, lui, hein. Ah, c'est le réapprovisionnaire ? Ah non, c'est le caisse. C'est le caissier. La caisse, ah, c'est ouais. Un caissier homme maintenant. Ah oui, il change. Ça, hein. Il a une sale tronche. Hein. Il est un minimum de sourire, là, sale chien. Un petit peu dans le truc, je vous mets quoi. On a 37 balles, de toute façon. Ah, mais là, il y a plus. Oh, j'avais pas ça, ça me faisait pas Zap Soda et tout, là, comme ça me fait là. Ouais. Ah, mais oui, je voyais pas moi tout ça quand même. Ah, j'ai tag en ami uniquement. Oui. Ah. Bah, comme la dernière fois, tu avais mis ami uniquement. Ouais, mais c'est pour ça, tout à l'heure, j'avais mis ami uniquement aussi et ils ont quand même. Mais les mecs avaient le code. Oui, ah, là, le code, je l'ai un peu leak. Ouais. C'est pour ça que j'espérais secrètement voir caissier, poubelle. Si, ils sont là-bas. Ils sont là. Non, bah poubelle, non. En plus, vigile. Toi, t'es venu avec ton pseudo, putain. Merci d'avoir quitté, t'es gentil. T'es gentil. Ouais, mais Vigile, tu n'es pas balaye, même si c'est vrai que balaye était un peu ouverture sur le marché. C'est que balaye servait à rien. Ah, mais il est là, il a du charme maintenant, balaye. Balaye, c'est... Ça a été le premier, hein. Oh, il a exactement les mêmes gestes que Poubelle, je pourrais reconnaître Poubelle parmi tous. C'est vraiment lui, c'est sûr. C'est Poubelle, il a exactement la même attitude que Poubelle. Ah, oh, je le reconnais. Elle le bloque pas, le bloquez pas, il a pas besoin, il est déjà un peu timide. Mais non, mais je lui fais un câlin. Par contre, c'est vrai que si caissier, tu pouvais revenir, ça soulagerait ouais, tout caissier, le monde. Caissier, on a besoin de toi, frérot. Je peux tabasser Vigile. Vigile et balaye, regardez. Vigile, honnêtement, t'as bien fait le taf en plus. Wow, les gars, pas d'embrouille. Malheureusement, Vigile, si on peut te demander de quitter, s'il te plaît, ça sera magnifique. Il y a caissier, il est là. Caissier qui vient d'arriver, magnifique. Ouais, mais caissier, on a besoin d'une preuve. Bon, t'inquiète, il va y aller. Hein. Je suis là. Ouais, c'est lui, il sait écrire et tout. Il écrivait tout à l'heure. C'est Thanos. Il sait écrire, hein, c'est lui. Non, mais par contre, il y a deux pouilleux qui sont invités là. Vigile et Pouilleux. Non, mais attends, il est où ? Vigile, il est parti, Vigile, je crois. Vigile, il est parti, non ? Vigile, il se cache, c'est le premier qui le tabasse qui gagne. Non, Vigile, il est parti. Ouais, bien oui. Allez, non, c'est bon, Vigile est parti, on est tout le monde. C'est bon, on est good. Allez, merci déjà, les gars, parce qu'honnêtement, c'est beau quand même. Est-ce qu'il vous manque une place dans le frigo, les gars, pour un nouveau produit ? Merci beaucoup. C'est beau dans le frigo. 72 000 ce soir. Oui. Il y a un mec qui join, quoi. Non. Il manque stock. Et stock vient d'arriver, les gars. Stock vient d'arriver. C'est bon. J'ai eu si peur. Ah ouais, mais j'ai eu plus de taf à faire là. C'est dommage. Comment ça va ? J'aurais pu arriver avant, quoi. Oui. Je mets des prix, Xari, si tu veux. Ok, magnifique, les frères. Magnifique, merci. C'est quoi que tu poses ? Je sais pas. Ah, mais c'est déjà tout au prix en fait. Si c'est un truc du comté, c'est déjà au prix. Du comté. Comté. Gigi, qu'est-ce que tu nous fais toi Moi je vous envoie ce qu'il faut. Là, le pain de mie, ça va recharger après-midi. Il y en a en stock. Jus de pomme, on est bien. Farine, on est bien. Normalement, on est bon. Surgelé, non, c'est vrai on va rester. Et surgelé, on est d'accord qu'on peut pas avoir plus que des bacs de deux. Alors, surgelé pour l'instant, je on a pense que tu peux, mais. Je vais vérifier. Congélateur pour l'instant, c'est toujours le même. C'est un tout petit truc de merde. Voilà. Donc, congèle, c'est baisé, mais c'est pour ça qu'il fallait. En vrai, il fallait réussir à peut-être en mettre deux d'un coup. Mais là, on va avoir déjà. On va mettre un deuxième maintenant. Je pense que Wi-Fi, déjà, ça va nous mettre bien. Il y aura plus de clients. Aliment pour chat, aliment pour chien. Attends, mais on a des nouveaux trucs. Ouais, bah oui, c'est PA qui a pris tout à l'heure. Ça, c'est très bien. On va mettre après, mais pour l'instant. C'est très bien, il m'a dit. Bah oui, tu vois comment. C'est énorme. Honnêtement, vraiment, je suis très content d'avoir Gigi en N+1. Enfin, je me sens valorisé. Moi, je t'encourage. Tiens, nouveau congèle. Nouveau congèle, mesdames et messieurs. Oh bah parfait, on va pouvoir remplir les stocks que Gigi, notre chef, commande. Oui, c'est vrai. J'ai hâte de mon point du lundi, moi. Et là, le problème, c'est qu'il nous manque, du coup, il nous manque. Bah, il nous manque encore quelques trucs. Bientôt, crème jambon, les gars. Il nous manque du riz, il nous manque de.
Alors, allez, sur des trucs qu'on avait déjà, Xav, tu parles. Ouais, riz, on a déjà le Boca, Coca-Cola, mes couilles là. Ouais, du riz, on est un peu light. Il nous en reste 20 céréales, j'en ai repris normalement, donc je vais reprendre du riz dès que j'en ai les sous, parce que là, on a 11 centimes, voilà, si jamais. Ouais, si caissier, tu pouvais. C'est quoi ça qui pain de mie, attends. Il y a quelqu'un qui a donné une poubelle à poubelle et il restait deux pains de mie, attention les gars. Attention les gars. Ah ouais, attention, faut pas se relâcher là. Ah, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi. Surtout que pain de mie, c'est $1.90 le truc, hein, donc je parle en prix fourni. Excuse-moi, besoin d'un remplaçant 2 minutes pour une pause toilette. Ok, je prends ta suite. Non, balaye, tu n'as pas la formation KS. Eh non, tu n'as pas la formation adéquate, balaye. Chacun son rôle, enfin. Gigi, Xari, si tu veux, la nouveau produit. Ça s'improvise pas. Ah ouais, non, c'est. Valériane, il en refaut, je vous en reprends aussi. C'est quoi ça, ce produit là? D'accord. Oh non, balaye, mais bientôt, t'inquiète, il va bientôt falloir balayer. Aliment pour chat, nouveau produit. C'est un peu la nouveauté, l'aliment pour chat, les gars. Le best-seller qui arrive. Hein. Les gars, on a des stocks encore. On a deux étagères libres là dans les rangements. Je pense qu'il faut restocker. Vous voulez de nouveaux aliments? Yaourt aux fruits. Bah, en fait, les trucs d'avant là, on a deux étages vides dans les rangements. Donc ça veut dire qu'il va nous manquer du stock. Ouais, t'inquiète, ça je vois. Tant qu'il y en a encore en rayon, je me dis que c'est ok. Par contre, le parmesan, je vois que hop, on va refaire une commande. C'est pareil pour le beurre. Ah, j'ai du pas de pâte, hein, j'ai du pas de pâte. Le pas de pâte, je le pose. Il va nous manquer de la mozza. Ouais, mozzarella, il n'en reste que 4. Pas de pâte, hein, pas de pâte, c'est posé. Xari, si tu veux mettre le prix. Le riz, j'en ai racheté. Okay, Xari, t'es où? Je suis là. Là, le pas de pâte, hein, il va être posé là pour les chats. Ouais, j'arrive. Ah. Là, le problème que je vais avoir, c'est qu'on manque de tuna. Ah non, c'est bon, parfait. Yaourt et crémé, vous avez besoin aussi, hein? Je vois. Ouais, non, besoin de tout, hein, besoin de c'est tout. C'est quoi là, ça là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est crise d'épilepsie à la fin du live. Ah, mais là, ça tourne bien, là, les gars. Il manque encore beaucoup d'aliments pour chien. En fait, les trucs genre la mozza, par exemple, là, tu m'en envoies deux, quoi. Le souci, c'est qu'en fait, on a tellement peu d'argent. Ok, caissier de retour, les amis, caissier de retour. Le souci, mais putain, y a pas de banque dans le jeu là? Xari, je viens de mettre un nouveau truc en bas à gauche, je sais pas ce que c'est là sur moi. Gauche, peut-être qu'on a déjà le prix, je sais pas. Parmesan, merde, il fallait le mettre là-bas. Tiens, viens. Ah, parmesan, fromage mozza, il y en a que deux en rayon et je vois qu'on en a 40 en stock, les gars. Ah ouais, j'y vais tout de suite, magie. Excuse-moi. Excuse-moi, t'as pas concentré, chef. Il y a aucun souci, mais attention. Ah non, mais je comprends. Ok, c'est bon, je l'ai pas vu. Le prix est déjà mis. Ça y est. Haricots verts, pareil, il nous en reste 5 en stock, il y en a 5 en rayon. Il nous manque du soda pop, hein. Soda pop, y'a besoin du soda? Moi, son gazeuse, qu'est-ce que je vois? Pack de cola, pack de soda. Ouais, mais attends, il en reste quand même encore un petit peu, hein, mon cochon. Non, soda pop, les canettes. Ah, les canettes. Soda pop, bah, y'en a encore 24, moi, je vois en rayon. C'est énorme. Et c'est, tous les nouveaux produits, on a bien mis les prix et tout, hein. Non, mais 24, ouais. Oui, c'est des packs de 6 canettes. C'est pas 24 packs qui restent? Non, c'est 3 packs. Non. T'es sûr, moi, ça descend à 22. Non, les mecs prennent à la canette, one by one, gros. Vraiment, moi, j'ai le chiffre, en tout cas, c'est ce qui est marqué sur mon truc. 8$ la canette? Non, ouais, bah, ça, c'est vos prix, les gars, mais. Pareil, peu probable, mais vas-y. Si je rends, je n'ai pas trouvé ça, yaourt au fruit. Non, mais viens voir ce que c'est, au pire. Ah, mais là, il faut commander, là, il faut commander. C'est ça? Ça, là. 1, 2, 3, bah si, c'est ça, 24. Qu'est-ce qu'il y a? T'es où, Xav? Ah, ok, en fait, c'est juste que ça prend deux étagères. Qu'est-ce que vous avez? Bah oui, il y en a une par-dessus, alors, mais il s'est foutu de moi, j'en ai recommandé pour un, bon, c'est pas grave. J'ai pris des yaourts aux fruits. T'as pris des yaourts? Il manque du thon gros. Tuna. Aliment pour chat, il n'y a pas d'aliment pour chat? Thon gros, si, j'en ai mis. Aliment pour chat, il y en a 18. Apparemment, ils disent qu'il en manque, ça veut dire qu'il doit en avoir deux sortes. Ah non, non, si, alors il y en a d'autres, c'est vrai, ouais, effectivement, c'est ceux-là. Bien vu. Et tu veux du thon gros? Vas-y, je t'envoie du thon gros, mon pote. Du thon gros. Vous avez assez d'étagères pour poser tout ça, les petits potes? Peut-être un frigo, ça serait bien. Là, ce qu'il faut, c'est pas un frigo, c'est un double frigo, ma PA. Ah oui, alors là, vraiment, quand tu me parles comme ça, je suis, mais. On veut la double. Je m'envole, là. Il faut me doubler ça, les gars. Pareil, je vois qu'on a 30 pains de mie en stock alors qu'il n'y en a que 10 en rayon, les gars. Ouais, j'y vais tout de suite. Si ouais, après, ça, c'est pas grave, ça. Non, bien sûr, hein, y a rien de grave. Yaourt et crémé, pareil. Mais en fait, pour, tu peux pas en mettre beaucoup. En tu peux mettre que deux. Ouais, c'est pour vos stocks et tout, donc n'hésitez pas. En fait, là, le frigo, c'est combien qu'il nous faut, le double frigo? Et j'arrive pas à poser cette connerie, là. Haricots verts, j'ai repris des frites et haricots verts, on était un peu just, hein. Ça va repartir en thé noir dès qu'on peut aussi, parce que je vois qu'on en a que 18 en rayon. Faudrait ouvrir un peu plus les portes. Hein.
Eh ouais, Stock il se démène là ou quoi, Stock? Ouais, ouais, Stock il envoie là. Stock il envoie là, il a bien bossé. Stock il envoie. Ah non, il fait ce qu'il faut là, Stock. Rien à dire contre Stock. Ouais, non, monstre. Contrairement à Balay qui en branle pas une, mais bon, ça c'est. Ah oui, c'est vrai que ma POV, les gars, c'est vraiment de la gestion. Hein. Nous, on est sur la suite Windows là. Hein. On commande. Prends un yaourt, yaourt, on n'a pas de quoi les poser en fait. Les yaourts aux fruits, pas encore, il nous faut un frigo. Mais qui a pris des yaourts aux fruits? Non, je pense que j'avais mis. J'ai jamais commandé les yaourts aux fruits. Alors attends, vu que les yaourts est crémé dès qu'ils seront finis, bah, on remplacera par les yaourts aux fruits tant qu'on n'a pas un autre double frigo. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bien ça. Oh, c'est là, Zapsodo. C'est bien. Hein. J'arrive avec. Ouais, les gars, on est en écho. Alors là, on va jouer en flux tendu. Je vous préviens tout de suite. Hein. Non, mais là, okay. C'est parfait. C'est ce que je préfère, chef. Merci. Merci, employé du mois. Oh là là, c'est une très bonne idée ça. Non, c'est bon. C'est bon. Ça se passe. Tu nous mets un double fridge ou Ouais, mais c'est $600, mon pote, donc on va attendre un petit peu. Qu'est-ce que je vois pas, les gars? Je sors dehors et je vois Stock en train de battre poubelle. Non. En train de le frapper, si. Non, Stock, attends, on joue c'est pas exact... ça. Oui, merci, Balay, de venir un peu... de la maltraitance contre poubelle qui est dans son coin, non? Besoin d'aide. Oh, il me régale, lui. Lui, il est sur ses appuis depuis le début du pizza barbac, ils veulent, et haricots rouges. Ouais, mais pizza barbac et tout, on n'a pas ça. Ok. C'est suffisant. Stop. Non, je suis au sol. Il suffit d'encaisser encore un peu, les gars. Juste un tout petit peu. Ah ouais, c'est trop. On est en train de perdre tout le monde là. Vous balayez des. Non, c'est fini cette guerre d'ego là. Stock, balaye. Les gars, en stock, vous avez les yaourts, vous pouvez aller les poser, les yaourts. Il y a des yaourts qu'on n'avait pas posés, ce sont les fameux yaourts. Il me semble que c'est Xari qui est en train de le faire. Eh ben, c'est super. Allez, vous mais voulez quoi d'autre? Pourquoi hein. Non, mais du coup, on met quoi d'autre? Parce qu'il faut. Bah, attends, il y en a d'autres, hein, t'inquiète pas. Regarde, on va mettre du soda premium. Du soda premium. Un peu de soda premium. C'est Balay. Il me fume, les gars. Moi j'ai stop quand t'as dit boss. De la belle mousse boss. Il va nous manquer de l'huile à $17 là. Ça coûte très cher, mais ça coûte très cher. Alors ça c'est $300 donc si on prend faut attendre un petit peu. Hein. Vous avez assez d'étagères pour acheter un truc genre le thon par exemple. Le thon ça se met pas dans un réfrigérateur. Non je l'ai acheté mon pote. Mais il y en a 36 le thon. C'est quoi de la mimolette ça là? Alors. Ouais, il est posé. Posez-moi chez moi, il est marqué en rouge, donc il est produit. Mimolet, je peux le poser, ouais, c'est bon. Ouais, là, c'est l'étagère. Poser, hein. Je vais faire un. On fait un truc frigo yaourt et un truc boisson. C'est réel au miel, on commence à. On a encore une place dans une étagère hein, pour mettre quelque chose. Mimolet posé, Xari, si tu veux mettre les prix. Ouais. Allez. La farine. Un truc qu'on n'a pas. Jus de pomme aussi, dès qu'on peut. Pain de mie, on en a en stock encore. Attends, mais il y a. On a un employé qui pose des trucs, les gars. Quoi? On a un employé qui remet en rayon. Parce que c'est le caissier, il s'est gouré. En fait, il y a quelqu'un qui a cliqué sur réapprovisionneur à la place de caissier, à ta place. Et on peut pas le retirer? Parce que c'est pas caissier qui s'est fait un kiff en mode... En mode c'est le seul caissier? Ouais, je vais ranger hyper vite. Je laisserai personne prendre ma place. Produit pour chat, ouais, c'est pas mal, ça vend les gars, ça encaisse très très bien là. Aliment pour chat, j'ai l'impression que c'est parti très vite aussi. Du coup, est-ce que tu peux acheter un. Tu veux quoi de l'huile? Je vais racheter de l'huile, mais c'est très cher. Le Pocabola. Alors, l'huile, je peux attendre, mais c'est $341 les gars. Achète c'est bon. Un produit qu'on n'a pas alors. L'huile. Non, mais un produit qu'on n'a pas, qu'on n'a jamais eu quoi. Genre. Ouais, mais j'en ai déjà acheté là, je viens d'en acheter d'autres de nouveau. Donc, regardez ce que vous pouvez mettre. J'avais pris aliment pour chat nouveau, on avait ton gros, on a aliment pour chat, j'ai les deux aliments pour chat. Oh, et beau, là, c'est les boîtes, ça coûte très cher. Et qu'est-ce que j'ai pris en produit Stock. Tu dois pouvoir mettre un pack de cola qu'on a plus, voilà, c'est ça. Ça, on en a plus en rayon. Ça. Oh là, on est bien là. Il y a pas des colas d'Alaska là en surgelé, ça se vide un peu là. Je sais pas ce que c'est là, les trucs bleus là. Ok, ouais, c'est du crêpe jambon fromage, c'est parti. Ouais, Il y a pas un. Un quoi? Il y a pas un produit dans les étagères normales qu'on a pas, genre. J'sais écoute, pas, bah si, les conserves, mais c'est très cher, c'est plus de $100 là. À chaque fois, tiens, regarde, on va mettre. Vas-y, hein. Tu sais quoi, les petits pois? Parce qu'on a de la place encore, là, Xav? Ouais, Xav, il dit qu'on a de la place. On a de la place donc. Où ça? Et j'enverrai l'aliment pour chien par après. Exemple. Où? Là où je suis là. Où? Moi, j'ai... Ah ouais, et là, il ça... y avait un truc juste avant, non? Mais moi, j'ai de la moi, j'ai des trucs là. C'était l'eau mon cul, mais. Elle était de l'autre côté maintenant. Pardon.
Où ça? Margarine. Est-ce, bah, que, dans les, côtés, dans, est-ce que dans les doubles frigos, ah, là, c'est, okay, bien, c'est bien plein? Pain de mie, il n'y en a que 15 en rayon. Non, on a encore une place, okay, dans un frigo, idéalement une boisson. Parce que là, on a vraiment dans c'est un... quoi? Ah, il y en a de la conserve, là, non? On a deux yaourts et un yaourt à la vanille. Après, pain de mie, en vrai, t'inquiète, on est full. Hein. Pain de mie, c'est juste qu'on ne peut pas en mettre beaucoup. Mais, d'accord, ok, ok. Pain de mie, en fait, tu peux mettre que deux petites rangées, c'est ça le truc. T'as des produits, c'est de la merde. Le truc cola, là, comme ça, on le met où, là? Yaourt à la vanille, j'envoie. C'est ici, ça, non? C'est pas là. C'est dans quoi qu'on met cette connerie là? Magnifique stock. Ah, j'ai plus de place. Ah, je suis dans le bureau du directeur. C'est très bien, les gars. On est à 400 balles hein, pour l'instant. C'était ton magasin, je me tiens prêt. Plus balais. Il est au bout, lui. Il attend sa première mission depuis tellement longtemps là. Ok, ça va. En haricots rouges, on est bon. Tu m'as remis des crêpes Waouh surgelées là? Ouais, j'en ai remis, ouais. Jambon croquant, y a pas là, jambon croquant. Ça, c'est là-dedans là. Ah, c'est ça, Loan, que t'as là? Ouais. Ah, normalement, c'est là-dedans, ouais. Oh! C'est quoi cette merde là, les trucs rouges? Ah, mais on a deux trucs de soda pop là. Hein? Là et là, là. Ici, là, Xav. Ça. Et ouais. Ça là, en bas. Ouais, ouais, bah ouais, mais il faut enlever. Et toi, du coup, mais c'est quoi ce que j'ai là? C'est quoi ce que j'ai là? Quoi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, non, je disais, tu vois absolument tout ce qu'on a en stock, etc. Tout, en fait, je clique c'est sur parfait, chaque truc parfait, et attends. Je sais si c'est dans les boîtes, si c'est dans l'entrepôt, si c'est dans les étagères. Oh ouais, j'ai le prix à l'unité, j'ai le prix au global. Je suis le gestionnaire. Il faut un carton vide. On n'a pas un carton vide, il faudrait un carton vide là. Si. Faut que tu nous prennes du parmesan. Parmesan, Gigi, tu vois. Parmesan, je vais rechercher. Je te laisse plaisir en fonction des stocks, bien sûr. C'est toi qui. C'est surtout le fromage Reggiano qu'il faut. Je vois qu'il n'y en a que 3 en rayon, les gars. Parmesan, il nous en reste encore un peu, on a plus de. Je sais pas c'est quoi ces trucs là. De quoi? Ça là, c'est quoi la Xari là? Ça là. Mais en fait, c'est un truc qu'on a enlevé mais qu'il faut remettre à la place d'ici là. Mais en fait, à la place du coca, ok. En fait, le. Et il faut le un le truc coca, vide. Attends, les gars, prendre, mettre là-bas. Là, stock, il nous balance tout à la gueule là maintenant là donc. Ouais, ah ouais, t'inquiète. Faut envoyer un max là. Poubelle, je te mets les poubelles. On a plus d'eau aussi? Ah, si là-haut. Normalement, attends, j'ai racheté les aliments carton pour chat, tu me dis, hein, Lolo. Je vais avoir carton vide maintenant, sur moi là. Vas-y, bah donne. Oui! Je me suis envolé. Allez, prends le carton là, Lola, Loan. Les pâtes-pâtes. Ouais, t'inquiète. C'est où vous mettez ça, les pâtes-pâtes? Vous les rangez où, les gars? Les pâtes-pâtes, c'est là, en bas. Là. Où ça? C'est déjà full, je crois. En bas là. Ah, c'est là. Vas-y, je remplis. Ouais, c'est bon, on est en train de faire. En fait, attends, je vais garder un carton vide tout à droite en haut. Ouais, ça nous permettra d'enlever des trucs. Il y a vraiment très malin. Il y a qu'un surdoué qui aurait pu penser à toi. Enfin, ça plutôt, pardon. Il pense à toi quand même. Il pense à toi, le surdoué là. Et vous avez encore un slot, je vois, au niveau des fridges. Je vous avais pas envoyé un truc en frais là? Sinon, moi j'ai des yaourts là. Moi j'ai des yaourts. Si. Là, ce qui manque, c'est les yaourts. C'est les yaourts là. Je mets. Il doit manquer des yaourts blancs. C'est bon, c'est mis. Ah voilà. Voilà, super. Il n'y a plus gars. De clients là, de toute façon. Donc, ouais, belle journée. 22h30, hein. C'est belle journée dans les pattes en même temps. Voilà, il faut aller voir un petite famille. Hein. Allez, bon, on peut y aller, on peut envoyer la prochaine journée. Attends, on est fou là. Ah, il nous reste que 19 balles. Ah ouais, pourtant, on a bien travaillé. Ouais, mais là, Lolo, les stocks, c'est moi où t'as jeté mon carton vide là. Ouais, j'ai jeté le carton vide, c'est vrai, on vient de me le dire sur le chat. Ouais. M'a dit, ouais, mais c'est juste, j'ai vu zéro, j'ai envoyé à poubelle. Hein. T'as pas du yaourt. Les gars, je le fais ou pas? Ah, c'est bon. Je rajoute les machines à café ou pas? Ah, c'est la galère là. Café gratuit le matin, voilà. Les employés se déplacent 20% plus vite. Bah, en même temps, on n'a pas, donc c'est nul ça. C'est vrai. Non, rachète deux trucs. Prends rien là, s'il te plaît, par pitié. Est-ce que je prends un truc avec jus d'orange, sauce barbecue? Ça, non, c'est que des trucs simples. Non. En même temps, là, je me boirais bien un bon jus d'orange et. Non, mais il n'y a pas de classe, putain. C'est parti. Bien joué. Écoutez, ce qu'il faut faire, c'est le contraire de ce que vous arrivez à faire. C'est du quoi que ça a pris, il est bien cher le Tropicana. Si tu, si tu veux. On n'a pas les thunes, on n'a pas de trésor, on n'a pas de. Bien sûr, arrête, Xav. Oui, mais on a le cœur, mon Xav. On a le cœur, mais dans ce cas-là, on va tous se retrouver avec 20 balles à chaque fois de fin de. Et on va voir, attends, là, ce que je viens de prendre, c'est que des trucs à mettre sur les étagères. On n'avait pas d'étagères. Mais il faut qu'on en rachète une, Xav, c'est le problème. Tu veux pas évoluer? Qu'est-ce qu'on fait? On se confine dans notre médiocrité? On a évolué, même pas les frites là. C'est important, d'avoir ces discussions, les gars, c'est important. Si on t'avait écouté, on vendrait encore des céréales au miel. Il y a un moment, il faut quand même évoluer. Il a raison. Le chef a raison. Mais le chef de rien du tout. Le chef de notre supermarché, il a raison.
Oh oui, là là. Mais c'est, moi voilà, je suis du côté de Gigi aussi là-dessus, hein, Xavier. Moi ouais, je suis prêt à passer à la journée d'après là. Eh ben, moi aussi. Pareil. Et on a déjà du café là ? En stock ? Où ? Vous savez ce qu'on va faire ? J'ai du café dans la main. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Très bientôt, hein, préparez-vous. Hein, mais très vas-y, bientôt. Vas-y. Ouais, ouais. Ouais. C'est moi rêvé là. Le magasin va passer dans une autre dimension. C'est tout ce que j'ai à dire. Putain. À tout de suite. Fin de journée. Oh oui, à tout de suite. À tout de suite. Le village s'endort. Les loups se réveillent. Oh. Nombre de vols zéro, hein, c'est quand même beau. Hein. Par contre, ouais, Balay, tu fais bien son taf. Bien, Balay, hein. Balay, y a rien à dire, rien à lui reprocher. Pas un voleur. J'ai pas vu un type. Magistral, ce qu'il nous fait. Là, dès qu'on a des thunes, c'est quoi, nouveau Alors, nouvelle plan, étagère, pas pour le café et tout, non ? Voilà, ouais, exactement. Étagère, le plan de la journée, nouvelle étagère qu'on va disposer ici pour bien cut le magasin un petit peu. On va laisser un espace hein, de ce côté-là. On va mettre double étagère ici et ce sera parfait avec toutes les nouveautés qu'on a. Et après, on va rentrer dans une autre dimension. Pardon, genre les gars. Quoi, à peu près. Fais-moi rêver. Attends, juste avant que tu nous fasses rêver. Déjà, ouais, c'est où tous les trucs de scanner de prix et tout ? J'en vois plus, moi. Alors oui, c'est alors vrai le truc c'est qu'ils en ont mis un peu partout. Mais y a pas un truc j'en avec un l'inflation de jeudi là. C'est bon, j'en ai un là. Moi en fait le truc c'est que je les pose à chaque fois ici, mais je pense y a pas. Ouais. Ça, bah oui, mais ils disparaissent là, frère. Ils sont où? Mais est-ce que les prix là, parce que du coup ils ont augmenté, faudrait tout recheck. Un peu la flemme. Mais... Comment ça, il y a eu l'inflation? Bah tu sais, c'est le jeudi, il disait. Ah mais oui, putain, on est samedi, donc de toute façon. Oui, mais si on a pas de check hier. Tout a monté les gars, tout a monté. Un dollar la prise de la bouteille d'eau là, donc ça fait cher ça. Ah oui, d'accord. En tout cas, moi, ouais, tout ce que je vais acheter prix... là, c'est beaucoup plus cher. Tout ce que j'achèterai là est beaucoup plus cher. Les gars, il y a déjà beaucoup de gens. Hein. Tu me renvoies un petit soda premium Bocabola. Le truc de prix là. Je l'ai dans la main. Allez. Là, c'est moi qui les vois les prix de base. Mais toi aussi, si t'as le bip, va check avec. Mais le il y a plus de bip en fait. Les scanners sont dans le stock extérieur. Bocabola, vous en avez normalement. Vous en avez en stock. Il y en a 27 en stock. Il y en a 30. Ah, il les a tous, Mina. Il les a tous là. Il a mis tout là. Il les a mis la mimolette, on n'avait jamais le prix. Mais pourquoi? Mais je sais pas. Mais putain de merde. Bah il se fait chier je pense hein. Il vend à la sauvette. Il se fait chier mais c'est chiant. L'autre il le gronde. Ah je suis désolé hein mec. L'autre mais il est au là, charmant. On est là pour bosser nous hein. Il est au taf. Allez stock, on remet tout dedans. Stock, on remet tout dedans. Les patrons sont pas contents. Stock, est-ce qu'on a une gueule à s'amuser nous? Je te le dis tout de suite hein. Allez tu veux qu'on te surprenne plus de faire ça. Les amis, aliments pour chiens. Je vois qu'il y en a 40 en stock. Aucun rayon, c'est pas normal. Bah y'a plus de place en rayon. Ça marche. Et on t'a déjà dit qu'il manquait 25 étagères, frère. C'est bon, on a refait Xari tout à l'intérieur. Pose-nous une étagère maintenant. Il commence à nous casser. Allez, pose-nous une étagère, Gigi, là. Bougez pas. Voilà, tu vas la mettre où, là ? Ici. Boum, direct, je mets du café. Ah non, c'était pas du café, c'est des pâtes-pâtes. Pâtes-pâtes. Ah bah il me faut c'est quoi le truc rouge comment. Alors on a des nouvelles choses, qu'est-ce que j'ai pris? Ouais, c'est ça, produit de base 3. Alors je vais vous envoyer c'est du quoi ça. Pas de pâte aussi hein. Pas de pâte pour chien. Balay en caisse. Ça, moi dans mon chat, mon chat ils sont en train de clamer pour qu'il y ait une promotion de Balay et qu'il soit promu en caisse hein, mais bah après sinon on peut faire ça et on le met en stockage ou en réprovisionné. Là je vous ai envoyé des nouveaux aliments à mettre en rayon maintenant. Et oubliez pas les trucs pour chiens là. Ah j'ai mis ça. Ça régale ça. Ça c'est nouveau là ce que tu viens d'envoyer là. Mais c'est de la merde. Ce que je viens d'envoyer c'est nouveau là, c'est du tout nouveau ça. C'est de la merde le nombre qu'on peut mettre en fait de. Tu peux en mettre que 12. Pour les aliments pour chiens ça prend beaucoup de place. Ah c'est des spaghettis. Okay. Ouais spaghettis. Ah, par contre faut mettre le prix Xavi. Par contre les spaghettis en dessous du truc pour chiens bon. Xavi il en reste 22 du riz, t'es sûr qu'il te faut ça là de suite? Ou c'est autre chose 22 Ouais bah j'en rachète un si tu veux mais. Je mets les prix PA ou tu veux les mettre? Je vais les mettre si tu veux dis. Vas-y. Ok, farine, je vois qu'il en reste 15, ça repart. Pain de mie, c'est pareil, il y en a 6. Il faut en reposer, il y en a 6 en stock. Non, Xav, je vais mettre la farine, je m'occupe de la farine. Communique, mon Xav, communique. Ouais, dis-moi, hein, Xav, si t'as communication, Xavi. Bah non, mais on se disait qu'il met les prix. Je les mets en fait, gros con, va. Attends. Bah, je suis juste en train de les mettre, quoi. Oui, mais comme. C'est pas grave. Les gars, allez, positif, tranquille, les mecs. Il y a 2 rayons de riz, c'est pas normal. Ouais, c'est depuis normal, le début, ça je crois. Hein. Sachant qu'il y a des trucs qui sont en stock et qui sont pas posés, les gars. Ouais, mais justement, ouais, du coup. Là, les céréales fibreuses. Okay, c'est bon, tu veux quelque chose à zéro, Xari ? Céréales fibreuses. Tiens, non ? C'est quoi le. On a un étagère, on a un étagère. Ça, les crispy machin là ? Nouvelle étagère posée. Oh, vraiment, on a de la chance d'avoir un tel patron, hein, parce que. Ah, bah c'est vrai qu'il fait ça bien, le maître. Allez, les gars, j'aimerais tellement être son employé à lui. Chef barbecue.
Et les gars, je vous le dis tout de suite, oui, le nouveau produit, c'est la farine suprême. Oh là là, mais tu sais nous faire plaisir. Hein, c'est... Ah bah écoute, quel monstre. Ah, cette annonce, c'est comme des vacances là. Quel monstre. Non, c'est trop. Je vous envoie la farine suprême. Oh la farine suprême. Oh, la farine suprême. Est-ce qu'on la mérite juste parce que c'est vrai que. D'orange, c'est. Jus d'orange, vous en avez posé normalement. Ouais. Ouais, je l'ai mis en bas, j'ai pas mis le prix, mon Xav. Tu veux faire tous les nouveaux prix, Xav? C'est quoi ça? C'est des yaourts que j'ai là? C'est magnifique. Les gars, je vous ai envoyé quelques trucs, sauce moutarde et tout, vous avez pris ou pas? On essaye d'aller à Torrey. On essaye, mais non, on suit pas ta cadence, c'est un monstre. C'est vrai que ça va vite, hein. Je peux vous donner toutes les infos, la margarine, tu nous as mis des yaourts aux fruits ou pas? Il a changé le nom du magasin. Ah, il en reste que 3, je t'en remets. Je t'en stock. Remets non, il l'a appelé Stock. Mais lui, il est sur un coup d'état, lui. Là. C'est Stock, il est très dangereux. Hein. Il va nous fumer après, dans le sommeil. Après, c'est pas mal d'un côté, un Stock comme blason, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Brique de lait, il en reste que 4, je vous en renvoie aussi. Hein. Farine suprême, du coup, c'est posé ou pas? Belgium, c'est un sacré employé, un poubelle. Alors, farine suprême, c'est pas posé. La sauce moutarde, c'est posé. Je viens de poser la moutarde à côté du frigo. Attention, sauce barbecue, c'est pas posé, c'est en stock aussi. J'y vais tout de suite. Pas de soucis. Oh là là, c'est un tel plaisir. On a fufu, on est très bien de bosser côté-là, avec cette équipe de malades. Ah bah ça bosse, hein. Ça bosse là. Allez, du surgelé, les haricots verts, je vois qu'on est un peu en pénurie, je renvoie. Hein. C'est infernal quand des mecs te passent devant là, quand t'es en train de remplir. Ouais, tu peux rien faire. Ça rend fou. Ça, c'est vraiment le. Ouais, vous voyez, même si les chefs, ils comprennent nos problèmes. Enfin, c'est ah, bah, c'est-à-dire que. Oh là là, c'est. Je me mets à votre place, mais j'ai été à votre place, hein, j'ai commencé. Que, ouais, c'est ça, il a bien travaillé, il en est là maintenant. C'est un exemple, c'est les amis. Comme quoi, tout est possible. Tout, hein. Ça, c'est bon, hein. Peut-être les surgelés, en surgelé, peut-être. Vous croyez quoi, les gars? On est en méritocratie, hein. Le truc tout à gauche, là, tu nous en mettrais pas un peu dans la gueule, là? Pardon. Allez, je renvoie du beurre, il y en a plus aussi. Les trucs, ouais, ça, la vert et jaune, là, on sait pas ce que c'est. Je vois, qu'on m'envoie du carton, les amis, attention pour les cartons, c'est vert moi, et jaune, boss, vert hein. Et jaune, boss. Allez, surgelé, vert et jaune, là. Oh là là, okay, mais super, attention, stock. Hein. Surgelé, j'ai renvoyé normalement. Ouais, mais tu me renvoies un petit sécu. Ok, voilà. Je remets du beurre. De toute façon, c'est toi, hein, depuis ton grand tableau de grand Manitou. Ah, ça, je vais manquer de la mozza, je crois. Sur ton trône, hein. Mozza parmesan. Tout là-haut. Mozza parmesan, laisse-moi vérifier. Mozza parmesan. Ah, il a parmesan toutes les infos. Non, parmesan, il y en a 30 en stock. Je peux pas entendre ça, Xav. Et la mozza, c'est pareil. Il y en a 40 en stock. Alors qu'il y en a que 4 mais du coup, les stockers, ils stockent pas, quoi. Bah, si, il y a un stocker. Vous voyez plus vite. Il y a un problème dans la chaîne, ça, c'est sûr. Allez, aliment pour chat. Je mets des briques. Aliment pour chien, on est très bien, on a du stock, haricots rouges. Ça arrive pas à mettre en bas. Ça trouve pas son public. Ouais, on peut pas se baisser en plus. Plus de produits dans la boîte, peut-être aussi. Ouais, sinon, tu te mets sur le. Fait une demi-heure qu'il efface ce truc, Lolo. Ah, j'y arrive pas. C'est impossible. Je comprends pas. C'est impossible. C'est quoi cette merde là? Qu'est-ce qui se passe? Il nous faudrait des nouvelles étagères de stock. Voilà. Je le dis, je pose ça là. Oui, j'arrive. C'est totalement légitime. Ça va, on est bon. T'es sûr, il t'en faut des nouvelles. Oh, mais là, ça nous a remis un truc où il y a zéro. Par contre, avoir du zéro stock, ça, c'est dégoûtant. Ah, désolé, c'est peut-être moi, peut-être. Hein. Bienvenue, ouais, bienvenue, Merayuos. C'est quoi? Écoutez, ça? Écoutez, on est en train de bosser avec Gigi, Lohan, Exari. Là, je peux vous dire qu'il y a Gigi, c'est notre chef. Ouais, mais je sais pas, frérot. Très bien, là. On a quelques personnes qui nous ont rejoints. Oh, j'ai cru que poubelle avait déco. Pas de peiné, il en reste poubelle, encore. On a de la mozzarella. Le sel, il faut qu'on reprenne. Mozzarella, oui, on a mozzarella. Okay, et balaye. En stock, hein, les gars. Ils sont là pour tenir. Balaye. Et la mozzarella, c'est au frais, non? Fromage mozzarella. Non. Ça fait longtemps. Il y en avait en stock. Il y en avait 40 en stock. Elles ont disparu. Il y en a que deux en rayon. Excusez-moi, j'ai fait fermer sa gueule au chef, là. Bon, écoutez, le 19 septembre, je sais pas encore avec qui je suis. Mais en tout cas, ça va être très grand. Je crois que je sais quel thème je prends. Voilà. Je vous le dis. Ça va peut-être s'entraîner un peu à droite, à gauche. Je retourne avec le tyran. Ouais, agrandissement du supermarché à qui a agrandi là? Oh là là là, c'est, là. Bah, c'est le patron, hein, qu'est-ce c'est que tu veux que je te dise? Oh, merde. Et c'est où que t'as agrandi? Quel bon choix, regarde, quel bon choix. Coucou. Je suis là, je vais m'occuper hein, de la, où, la mise, où, en, mise en place. Hein. Hop. Ah oui, derrière là? Ah ouais. Ah ouais. Oh, ok. Dis donc. Mais attends, est-ce que je le mets où celui-là? Ah, mais il y a trop de monde dans le magasin, il marche super bien ton magasin, boss. Hein. C'est abusé, merci. Hein. Eh bah écoute, hein, c'est du boulot. Hein. Voilà. Et... Ah bah tu le mets là? Non, non, je te faisais juste gagner un peu de temps. Et y'a aucun souci.
J'ai senti ça. Enfin, non, c'était juste pour vous aider. Moi, j'ai fait absolument aucune initiative. Excuse-moi. En tout cas, j'avais trouvé que c'était une très bonne idée. C'était juste. Ah bah. Là, les gars. Je le note avec grand plaisir. Il nous manque des trucs là, non? Ouais, regarde ce qu'on va te mettre. Hop là, bah là. Mais qu'est-ce que vous allez lui mettre, boss? Hop, t'es pas de pâte. Y a plus beaucoup de place pour passer, mais c'est encore super. En fait, on a beaucoup de place et on n'a pas beaucoup de. Nouveau congèle. J'ai envie de prendre de la farine suprême, je l'ai jamais eu d'entre les mains encore. Les gars, je vous remets un congèle là-bas? Parce que c'est vrai qu'on a d'autres trucs à acheter en congélo qu'on n'a pas pris. Pizza barbac, en fait, farine suprême, margarine. C'est pas là, ça arrive. Là, on a beaucoup d'étagères. Si vous voulez les réarranger, n'hésitez pas, hein, y a pas de galère. On a pas le temps, pizza barbac, j'en vois. Ah non, ouais. Pizza, jambon croquant, toutes ces merdes. Fondu, ouais. Doucement sur les mots, doucement sur les mots. Ouais, les mots sont des armes, hein, n'oublions pas. Et en vrai, jambon croquant. En fait, je vais racheter encore un deuxième. Comment ça s'appelle congèle, hein. Et on sera au max en termes de congèle, on pourra tout mettre. Les deux congèles, je les ai mis à l'entrée. Ah ouais, c'est parfait, hein. C'est nickel, hein, ce que tu. C'est sur le côté, là où j'ai agrandi, Xav. La congèle ici, okay. Est-ce qu'on mettrait pas tous les congèles d'un côté? Ouais, c'était une propale. Voilà, il y a caissier devant, je vois rien, caissier, faut que tu t'en ailles. Ah, je suis perdu là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que ça a posé un jour là. Oh non, c'est le burn-out. Je vais partir avec poubelle, me faire quelques jours. quelques jours au calme là, parce que. Ah, je suis plus votre cadence. Ah, tout va très vite ici, hein. C'est la grande distrib. Xari, si tu veux mettre du prix, là, j'ai mis dans les nouveaux à gauche. Bah, j'ai mis les prix de la farine suprême là. Bah, à gauche là. Ouais, j'ai mis déjà, mais. Bon, ça. Bah, je sais pas si j'ai mis au bon endroit. Hein. Oui, on commence à avoir quand même pas mal de trucs là. Ah ouais, là c'est. Bon, moi, je place où je peux, les gars, hein, mais non. Voilà, c'est désormais du travail à la chaîne, hein, désormais. Voilà, c'est. Là, ça y est, on y est, quoi. C'est. Ah, c'est, en plus, c'est bien, c'est qu'on les congèle vraiment de part en part. Je les ai mis à côté, c'est cool. Après, je vais te les déplacer, je vais te les mettre. Tu sais quoi? Je vais vous les déplacer, je vais vous les mettre au. Tous à l'entrée, comme ça, vous allez pas vous faire chier. Et un frigo, il nous manque un frigo, hein. Je suis désolé d'en parler, mais. Ouais, frigo, il faudrait du frigo. Ah putain, non, merde. Ouais, il faudrait du frigo. Désolé, là, c'est des conditions. C'est enfin, vraiment. Boss, tu nous as toujours hyper bien traité, mais là. C'est vrai. Et ça commence à devenir beau quand même, hein. C'est joli, hein. Poubelle, il y a un truc devant le supermarché. Ça va, toi, sinon? Si jamais. Poubelle, qu'est-ce que tu branles? Merci. Oh non, il est vraiment allé le chercher, il a couru. Non. Parce que c'est chiant de repartir vers le stock et tout. T'as juste balancé dehors comme ça là? Ouais. Et l'autre, il y est allé en courant, frère. Il y est allé en courant, vraiment. Non, mais non, Xav. Non, là, c'est moche. Non, excusez-moi pour la poubelle. Xavi, le petit chef, attention, Xavi. Non, mais c'est vrai que c'est chiant. Allez, poubelle. Je vous ai entendu, mes employés chéris, je vous envoie un nouveau frigo. Poubelle, à l'endroit convenu, poubelle, il y a des trucs. Ah, c'est moche, si c'est moche. Si jamais t'as rien à faire, poubelle. Oh là là, c'est affreux. Nouveau frigo bon, double. Ah, ok, magnifique. On avait dû compter avant ou pas? Ça me tire 3 chez Xari, mais bon. C'est un grand. Hein. Ah, il se fait chier, le pauvre. Si n'hésite pas à aller sur les autres chaînes, hein, du coup. N'hésite pas à faire le tour. Hein. Allez, les amis, on rigole, mais j'envoie de la margarine. Et je vois qu'il y a 40 poivres en stock, il n'y en a que 5 en rayon, c'est quoi ce bordel? Ok, ils partent, c'est maintenant, je m'en occupe. C'est vrai. Regardez. J'en vois, moi. Top chef, vous pouvez voir, hein. Ça monte normalement en rayon. Ça monte très très vite, je vais vérifier, mais effectivement, ça a l'air d'être bien parti. Du pas de pâte. Du pâte-pâte? Tiens, poubelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par du pâte-pâte, monsieur? Bah, c'est ça, pâte-pâte. Pâte-pâte, y'en a en stock, non? Ah, y'a un gros thon, j'en vois aussi. Aliment pour chien, ça va repartir également. C'est où, aliment pour chien, c'est ça, non? Oh là, oh là, attention, qui c'est qui a mis ça là? Oh là 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 là. Attends, je m'en occupe, si tu veux. Ah, je prends, c'est. Je voudrais pas te faire attention, ça. Attention, on ferme dans une heure, les gars! Allez, dernière ligne droite avant demain! Il faut du pâte-pâte pour chat. Pas de chat. Ah là, et puis ça nous jette les trucs à la gueule normalement. Et j'en ai racheté. J'ai du temps. Allez, si vite. Mais en fait, maintenant je bunny histoire de. On me les jette à la gueule. Le pâte-pâte est là. J'ai gagné un peu de temps. J'en peux plus, on est en train de pourrir mon bureau là. Ah, mais là, on se fait jeter les cartons à la gueule. Stock doucement. Ouais, stock. C'est quoi ça là?
On a des nouveaux trucs qui sont arrivés normalement. Ouais, quelqu'un qui me dit. Tu es dans le magasin. Oh, on a full yaourt là par contre. Bon, en vrai, c'est bah, bon c'est les yaourts. C'est pas les mêmes. C'est quoi vos yaourts? Margarine de. J'ai de l'étron là si vous voulez mettre quelque chose là. Bon, les perles de lait, c'est pas mal. Perles de lait, étron. Margarine étron. Je te sens bien, Coco. Tu veux de la margarine étron? Non, mais c'est bon. Faut juste qu'ils mettent le. Xari mette le bon prix. Non, la margarine étron. Sur quoi margarine? Margarine étron, là. C'est où? Il est totalement fou, Loan. Bah, elle s'appelle comme ça. Ça veut dire que quand t'essayes d'avoir une discussion en dehors du jeu, maintenant, c'est margarine étron. Ah non, les gars, c'est le. Ça marche, hein, margarine étron. Étron. Non, tu l'as répété 8 fois le même truc. Étron. Ouf. Oh. Ami le prix, c'est bon, Xari. Ouais, c'est bon. Margarine étron. Tu l'as bien mis, hein. Non, mais je suis désolé, mais caissier, est-ce que quelqu'un peut lui acheter un petit cadeau, un petit truc? Ah, parce que caissier, j'avoue que ça doit être un. Gigi, offre-lui une tournée de sub. Enfin, t'es quand même le boss. Hein. Bah oui, alors une petite radio. Doucement, sur le sub T3 à toutes les chaînes. Hein. Bah ouais, là. Allez, les amis, on rentre dans une nouvelle ère. Boum. Oh là là. Avantage acquis. Allez, il y a de nouvelles choses. C'est quoi? Alors, bah écoutez, tenez-vous bien, je vais vous dire. Les produits de base numéro 4. Café noir, boîte à œufs, houmous, sucre, boîte de sucre de canne et farine blanche. J'envoie du houmous. Faites un point sur les employés. Oh bah non, sur les employés, on est top. Hein. Oh bah. Là. Allez les gars, c'est acheté. Un sub chez PH dit pas non. Oh bah ça c'est beau. Hein. Ouais, c'est cool, hein, sympa. Attends, tu peux dire chez moi aussi, hein, frère, il payera d'autres pareil. Hein. Ah, il demande, qu'est-ce que j'ai. Demande tout chez tout le monde en T3. Les gars, je viens d'acheter 6 nouveaux produits, j'espère que vous avez assez d'étagères. Ah bah là. Y'a pas de bordel de ton côté. On a 4 places là déjà. Ah, je dois avouer que bientôt quand même. Moi, je commence peut-être à saturer un peu là. Je commence à devenir un peu zinzin là, je t'avoue que. Tu connais les retours et tu poses des produits. Je crois que je suis en train de craquer. Ma POV de la rediff, c'est un doc Excel. Xari, tu aimerais mettre le prix sur le Pablo au sucre là, s'il te plaît. Il n'y a pas de ouais, vite. Tac, je remplis. Là, sur le sucre ici là. Je remplis et je délivre. Et ouais, mais attends, mais t'achètes quoi là? Waouh! J'ai acheté la masse, les gars. Là, le magasin, normalement, il fonctionne du feu des Deus. Qu'est-ce que je fais? Là, ici, là. Pablo Sugar, là, sur moi. C'est bon, là. Tu l'as mis, lui? C'est bon? Ok. Ouais, c'est bon. Je savais. Ah, c'est pour optimiser les cartons. Ah, on a pas de place pour lui, là? C'est quoi ton blaze? Vos blaze Twitch, là. Vous allez vous faire. Mais non! Mais poubelle qui offre des subs! T'as pas reçu 10 subs, Loan? Non! Ah bah si, il est passé, c'est Tom Fox! Non, mais Tom, c'est merci super, hein, poubelle! Non, mais Tom, merci, mais c'est. Ah bah je savais pas qui était qui, moi! Merci, mais si tu pouvais ramasser, parce qu'il y a. Mais non, 3000 subs de la part de. Mais non, c'est abusé! Et ça va être qui, du coup, le meilleur entre poubelle? Non, caissier, que de la gueule de faire ça seul. Alors là, mon pote, j'y crois pas un seul instant. Slash, j'irai à le cochon, là, la chaîne. Oh, la big merde. Stock, il est en galère, là. Ah, mais attends, mais il y a trop de commandes. Non, mais là, c'est pour moi. Il y a un moment où même moi, je dois aller poser en magasin. C'est quoi ce bordel? Désolé, le maître. Le maître. Vas-y, on va déprouver ça comme ça. C'est dégueulasse, en plus. Moi je. Wow. Ah, ouais, non, bah ouais, je suis désolé, je pète les plombs. Non, mais gros, tranquille. Ouais. Ah, moi je commence à plus en pouvoir. Hein, gros, je t'ai jamais vu comme ça, je te jure. Ah, bizarre. Non, mais bizarre de fou. On se met quoi comme objectif, genre une journée de plus? Bah après, on peut changer de jeu, hein. Il est 23h13. Hein, bah, en vrai. Bah, oui, il y a le chrono. Ah, oui, Xari, dans 20 minutes, il est plein. Xari, il lui reste 35 minutes. Il y a le chrono, les gars, donc du coup. Si on veut rentabiliser. Ah merde, c'était en bas qui a donné 10 subs, hein, chez Gigi. Oh, Tom Fox qui offre 10 subs. Merci GG, gros. Et alors là, personne n'est capable de le battre, Vince. Alors là, ouais, on envoie GG dans le chat, on remercie. On a même plus de place et tout là. On a plus, bah, après, je peux augmenter l'espace de stockage, c'est 2000$. Non, ça va. Non, je pense pas. Bah, si vous voulez, je vais rajouter un peu de points de franchise en 2 spi. Non, mais en vrai. Non, mais je crois là, les gars, que. Voilà. C'est en vrai, ça tourne bien, c'est une fin de journée. C'est waouh. Et alors là, si vous voulez, venez voir le tableau d'affichage. Là, je peux vous dire que je suis la sentinelle. Ah, il y en a des trucs. Oh, la vache. Tout ce que je viens de aïe.
Ah ouais, là c'est. Par contre, c'est bien fait quand t'es sur table d'affichage, tout le monde c'est énorme. Toi, ah ouais, c'est trop bien. Je vois la grosse tête. Ah, par contre, pour le jeu gratuit, ils l'ont bien fait quand même. C'est. Ouais, oui, ça, oui, c'est pas mal. Oui, mais ça marche bien. Mais du coup, les mecs, genre eux là qui l'ont fait en gratuit et tout, bon, ils ont repris le concept des autres. Mais genre, du coup, les mecs, ils se font de la thune ou pas? Parce qu'il y a pas de microtransactions et tout. Si, si, il y a un pack, il y a un autre truc en plus. Ah, le pack un peu soutien quoi, 5 balles. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un truc, je crois, je sais plus combien ça coûte, mais sur Steam, t'as soit le gratuit, soit le DLC plus. Il y a pas, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui achètent les packs quoi. Bah non. Bah moi, je vais l'acheter pour le soutien. Est-ce que tu penses que ça coûte cher à eux de faire le jeu s'ils ont fait vraiment la même chose que les autres? Mais tu sais que le jeu, il a marché de fou. Bah oui. Genre, il y a 7300 avis déjà, toutes les évaluations. C'est non, ah, non, celui-là. Ah, celui-là, ouais. Celui-là, c'est insane. Genre, bah après, en vrai, le jeu de base, il est marrant. C'est juste que c'est vraiment ta l'usine, au bout d'un moment. Bah, ça me rappelle un certain restaurant. Ouais, on va les soutenir un peu. Ah, Kebab, moi, c'est toujours la même chose. Hein. Je navigue hein, dans le. Quoi, c'est. Chacun son truc. Aïe, aïe! Vous frappez le patron? Vous voulez qu'on arrête ici, qu'on fasse une journée avec tous les aliments? Bah là, non, le truc, c'est qu'il va falloir tout recommander. Moi, je pense que. Non, bah, honnêtement. On peut arrêter là. On a quand même. Bah ouais. Merci parce que ça a rendu le truc. Ça a rendu le truc 8 fois mieux. Honnêtement. Avec caissier et tout. Oui, caissier. Poubelle. Oui, parce que sinon. Stock et balaye, c'était quand même légendaire ce qu'ils nous ont proposé. J'avoue ouais, que. Bien sûr. Un très beau taf. Et en vrai, merci à tout le monde parce que c'est vrai qu'on est quand même beaucoup sur toutes les chaînes et compagnie. C'est vrai. Et le code. 72 000 sur la chaîne de Dodo. C'est une très très belle soirée. Il a hit à un moment donné les 100K. C'est une très très belle. Bah, à l'arrivée de Poubelle, c'est monté à 100K. Non mais en vrai ça fait plaisir de pouvoir recréer une game sans qu'il y ait 70 mecs qui qui rejoignent. Ouais, en vrai merci parce que c'était Il y a un mec qui s'appelle Fan de Poubelle. Non. J'avais pas vu. Fan de Poubelle est avec nous les gars. Mais on spec un peu envoyeur très sympa. Il est derrière la poubelle. Très sympa, il regarde Poubelle en fait. Salut, je suis juste fan de Poubelle. Tu connais le Lockdown Protocol? Alors j'ai vu mais c'est un peu un délire Among Us mais qui se joue de 3 à 8 mais je pense qu'à 4 ça pue sa mère, non? C'est le genre de jeu. Bah tu sais c'est un peu les délires Among Us, tu dois faire des tâches, tu dois fumer des gens. Mais sinon, il y a un autre jeu, c'est Kamel, j'ai vu faire genre le délire Prisoners, là, mais pareil, c'est les jeux où il faut être 8-10, quoi. C'est Prisoners et compagnie, là. On n'a pas trop de potes, hein, nous. Non, nous, on est 4, c'est tout. Nous, on s'aime bien, nous, les autres, bof-bof. On a plus de 4 hein. Personne veut jouer avec nous, les parias. Heureusement, Domingo s'en sort bien, il est invité dans toutes les émissions, mais pour nous, c'est mort. J'essaye au max. Merci, d'ailleurs. Je vais host, je vais te raid, là. PA, j'ai juste besoin de savoir quand est-ce qu'on reprend Popcorn, je t'en supplie. Les vacances sont très longues. Les vacances sont trop longues, qu'est-ce que je peux faire? Je voulais donner un avenir à ma fille, je peux pas, donc... Oh, putain. En vrai là les gars si vous voulez on a deux parce que Xav tu dois te barrer tôt genre ça va quand même genre 1h30 2h. Non, bah si t'as 2h je pourrais pas l'assumer bon. Je vais pas vous mentir hein. Oh mais c'est bon mais rien je me suis réveillé à 8h j'ai dormi 5h je suis épuisé frère c'est mais pourquoi tu nous mens alors tu nous dis que t'as un truc demain t'as rien en fait oui j'ai aussi un truc demain ça à quelle heure demain c'est quoi surtout à 9h c'est important c'est quoi j'aimerais dormir c'est quoi mais c'est que t'as quoi frère t'as quoi j'ai un cours de padel non mais frère non mais c'est trop grave les gars. Je l'aime. Ah, c'est 60€ l'heure, donc crois-moi que je vais être à l'heure. Mais ouais, notre amitié vaut pas plus qu'une raquette de padel, si ça me rend fou. Bah ça, je comprends, notre ami, la raquette de padel fait partie de l'amitié, donc je comprends. Mais en vrai, c'est pas mal. Le petit cours, c'est une bonne idée et tout, donc c'est voilà, beau. Ça. Voilà, je suis à chier maintenant. Non, loin de là. Demi-finale, et là, tu fais troisième. En vrai, c'est. Mais...